Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait bientôt un mois que je n'avais pas fait de vidéo, en tout cas pas une vidéo avec un intervenant comme ça va être le cas aujourd'hui. Donc c'est un peu une reprise pour moi et je suis enchanté aujourd'hui de te recevoir Elliot Bobier, bah, que vous connaissez certainement tous. Je te laisserai revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as fait tellement de choses que c'est difficile de tout résumer. Tu as géré ou tu gères peut-être même encore une agence web. Tu fais du dropshipping avec Dropshipprint. Tu fais du e-commerce. Tu es l'organisateur, l'excellent organisateur des SEO by Night. Donc, je te laisserai un petit peu te représenter ton parcours. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de netlinking. Mais avant tout, moi, je voulais te remercier parce que c'est un vrai plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je te l'ai dit quand on a préparé ça. Moi, quand je suis rentré un petit peu dans ce milieu du SEO, eh bien, j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont grandement inspiré. Et tu en fais partie par ta bienveillance, ta générosité, ta gentillesse. Donc, je tenais vraiment à te remercier pour ça et je suis vraiment honoré de t'avoir avec moi à mes côtés aujourd'hui. Merci, c'est Alors, je gentil. vais te laisser te présenter un petit peu plus et puis nous dire ce que tu fais aujourd'hui, puisque ça fait, j'ai l'impression, quelque temps que tu t'es fait discret. Ouais, alors tu présentais des trucs, puis au fur et à mesure, je me disais, ouais, c'est vrai que j'en fais un paquet de choses quand même. Salut Christophe, merci de m'accueillir. En tout cas, c'était avec plaisir. On a un peu galéré sur le timing et la date, mais c'est cool. On a réussi à se poser. Bonjour à tous, merci de nous écouter. A priori, ça paraît être une longue vidéo. Donc, si vous pouvez être séparés ou bien vous caler dans votre canapé, allez-y. Oui, alors j'ai fait beaucoup de choses. Je fais encore beaucoup de choses. Je suis tombé un peu dans le SEO en 2009-2010 sans le savoir. Sans savoir que je faisais du SEO. Puis après, j'ai découvert au fur et à mesure en apprenant. Et puis, comme tu le disais, ce côté, j'ai appris parce que des gens m'ont inspiré, parce qu'il y a eu des Bourrelli, il y a eu des Corleone, il y a eu des Paul Sanchez, il y a eu des Derf, il y a eu tout un tas de gens, et même maintenant encore, il y en a moins dans le SEO, mais plus dans l'e-commerce, l'affiliation, la monétisation, on va dire, ou la manière de faire du biz, qui m'inspire énormément. Et j'ai essayé bah, de faire un petit topo de vidéo il y a quelques années sur YouTube en invitant des gens comme Fabien Raquidel, par exemple. Il y a eu Derf, il y a eu Nico, il y a eu peut-être une dizaine ou une quinzaine d'invités. On Alors, a pu c'est parler rigolo, hein, parce SEO. que je te coupe, mais en fait, moi, j'ai découvert tes vidéos que très dernièrement. C'est marrant parce que ça fait un petit moment que je te connais et que je te suis pour d'autres choses, mais finalement, ces vidéos, je les ai découvertes dernièrement. Et Mal petit. Voilà, donc, ma com. c'est un peu aujourd'hui le. Comment on va dire, l'arroseur arrosé ou l'intervieweur interviewé. Donc, on retourne un peu le miroir, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas fait souvent dans l'autre sens. Donc oui, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'expériences de gens comme Patrick Valibus, comme il y a eu Jérôme, il y a eu plein de monde en fait qui sont passés et où j'essayais un peu de leur tirer les vers du nez en disant bah, comment tu vois ça, quelles sont tes idées et tout. C'est vrai que ça a bien plu sur l'aspect intervieweur, question. J'arrivais à aller un peu plus loin des fois qu'une simple interview, donc c'était sympa. Donc, je me suis un peu fait connaître là-dessus. Et puis, j'ai embrayé avec un mouvement qui était le SEO by Night parce que, y avait des événements SEO Camp principalement. À Orléans, nous n'avions rien comme événement en SEO. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc un peu plus Black Hat. Voilà, je raconterai pourquoi je suis tombé un peu dans le Black Hat, entre guillemets, au début. Et je me suis dit, on va faire un truc un peu plus énervé en mode zéro tabou. Et s'il faut parler netlinking, s'il faut parler backlink, s'il faut parler copier-coller de contenu, traduction, nanana, allons-y. Et en fait, c'est au même moment, en 2014, où je découvre Paul Sanchez et Laurent Bourrelli, au travers donc, du cocon sémantique et au travers de la SEO High Level, où je me dis, à un moment donné, j'ai appris par moi-même, j'ai retourné le bouquin deux, trois D'Andrieu, bouquins de ouais. SEO d'Olivier Andrieux. J'ai parcouru le forum dans tous les sens, Webrank Info. Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà? Et ce qui est très drôle, en fait, dans ma démarche où je m'oriente vers Laurent Bourrelli et Paul Sanchez, c'est que c'est Woods, à l'époque, qui est mon étudiant au Saisine D'accord. Nanterre, qui Ah, c'est m'oriente. excellent, ça. Ouais, alors à l'époque, le directeur du Saisine Nanterre était le même qu'Orléans. Et donc, il s'occupait des deux pôles. Et moi, je m'occupais de la partie digitale au Saisie Orléans, avec une petite spécialité, c'est que j'avais aussi une partie commerciale et je m'occupais des devs. Donc, en fait, le SEO pour les devs ou le digital pour les devs, ça se limitait à dire, essayer de communiquer et de bien écouter. Et au lieu de leur donner les pratiques, je montrais plutôt à quoi servait Google.
et de dire, bah, essayez de, si un jour vous avez quelqu'un qui fait du web marketing, qui vous dit, qui vous parle d'accessibilité web, qui vous parle de temps de chargement, qui vous parle de plein de choses, ça va vous faire chier en tant que dev, mais il faut les écouter. En fait, c'était un peu ça la mission des 3 heures que j'avais. Et à côté, j'avais comment démarcher des clients et comment faire du commercial quand on est développeur. Voilà, c'était un peu c'est ce qui les faisait chier clairement parce que j'étais le seul cours qui n'était pas technique. Et je leur expliquer des trucs, donc j'essayais d'avoir une approche un peu plus, ben voilà, si vous voulez avoir du boulot demain, il faut que votre agence web ait des clients. Donc pour avoir des clients, il faut qu'il se passe ça et ça. Voilà. Donc c'était des trucs un peu fun, genre voilà, je comparais un développeur mal sapé avec un commercial qui était en costume. Je dis voilà, entre les deux, vous avez peut-être une petite marge de manœuvre. Juste milieu à trouver, ouais. Plein de choses comme ça, et je tombe sur Woods qui est en cours, tout discret, qui à l'époque a peut-être à peine 18 ans. Peut-être d'accord. 19, et je suis sûr. Et on parle donc de SEO. Donc, j'avais vraiment 2 jours sur les bases du SEO, mais vraiment les basiques. Donc, on m'avait demandé le H1, le title, le H2. Je leur fais rédiger un contenu, machin. Et on parle de tout ça. Et je tombe sur Woods qui dit, ouais, et du coup, on ne parle pas de backlink, quoi. Moi, à l'époque, j'étais très Olivier Andrieux. On ne parle pas. Ah non, on n'en parle pas, et puis c'est pas bien, et puis machin et tout, et puis il rigole et tout. Je dis, mais pourquoi on discute à la pause? Je lui dis, bah, tu sais quoi, demain, tu viens, tu fais 1 heure de. Tu présentes les backlinks demain. Netlink, excellent ça. Les méthodes et tout. Mais donc il prend la parole, il se démerde très bien sur le netlinking, qu'est-ce qu'un bon backlink, qu'est-ce que le jus. Et en fait, je m'aperçois qu'il me manque toute une grosse partie en SEO à ce niveau-là, en 2014, 2013 peut-être, c'est PageRank, fonctionnement du PageRank. Circulation d'un jus et netlinking en fait. Et à l'époque, c'était un peu mode, bon, c'était pas du black hat, mais on avait du mal à parler netlinking ouvertement dans un SEO camp ou dans une réunion. Ah ouais, petite 2014, on est 2 ans après Pingouin, donc ouais, c'est encore une période c'était où on a tous très peur à ce moment-là. Ouais. Tout le monde est à poser un lien, tout le monde flippose. C'est ça. Et donc, en discutant avec Wood, il m'évoque des noms, notamment Paul Sanchez, Laurent Bourrelli, machin. Je rentre un peu là-dedans, je découvre les vidéos de Laurent. Très vite, je me dis, bah tiens, pour 100 balles par mois, il y a le bootcamp SEO. Merci, allez, bon, écoute, c'est 100 balles, on essaye. Ça ne me plaît pas, j'arrête le mois d'après. Parce que pas grand-chose. Ouais. J'ai dû rester 2 ans, je crois. Et puis, la SEO High Level, pareil, j'avais du fonds formation à cramer. Ça en prenait une bonne partie. Je dis, allez, je tente. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ouais. Et j'ai découvert tout un autre aspect, en fait. Et là, ça m'a débloqué complet sur… j'ai toujours eu une maîtrise de la rédaction, mais ça m'a vraiment débloqué sur une partie off-site. Et en fait, j'ai compris au bout de quelques années de pratique que le on-site, bon, tout le monde fera du on-site, ce n'est pas un problème. Il y a des rédacteurs dont c'est le métier, il y a des web designers dont c'est le métier. Voilà. Après, le off-site, c'est une autre partie. Et c'est 80% du job, on va dire, si on peut résumer un peu crûment le truc, même si on essaye d'embellir et de mettre des jolis fonds. Tu sors déjà du chiffre. Pour toi, le off-site, c'est 80% du job. Bon, ouais, c'est… Alors, ça va pas te plaire, mais voilà. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant. Bon, c'est rigolo parce que en fait, moi, j'ai fait ta connaissance par l'intermédiaire de Woods aussi, hein, dans le cadre de Black Hat Money à l'époque. Donc, je t'avais croisé sur son Discord ou quelque chose par là. Et puis après, on s'était vu à Lyon sur un Wake Up Day, et puis aussi lors de tes événements. Mais finalement, on a ce point commun qui nous ramène à Woods. Donc, c'est drôle. Ouais, ouais. Et puis, c'est le fait qu'il était étudiant quand j'étais formateur. Ouais, ça, c'est chouette. Ça s'est retourné parce que j'ai fait sa formation Black Hat Money, justement. Tu vois, donc, c'est comme quoi la vie est un cycle. On ne sait jamais. Il faut toujours se renouveler dans le métier, tu vois. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Et voilà, être fil en aiguille, donc je rentre là-dedans. Et en même temps que j'enchaîne sur le bootcamp de Laurent, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'événement. Laurent, fâché contre le SEO Camp, sort un peu les trucs qui manquent. Et moi, je trouve un positionnement, tu sais, sur une matrice à la con. Je dis, ah ouais, là, il n'y a personne. Les mecs qui parlent d'événements un peu énervés en mode black hat, ouvert. Même si pour moi, le netlinking, ce n'est pas du vrai black hat. Mais le truc, on parle ouvert, de manière ouverte avec des gens comme Ninja Linker, avec des gens comme Corleone, avec des gens comme il y avait Romain Micoula à l'époque, il y avait Adrien qui avait monté PBN, qui a été racheté par Claude Belge, pas PBN Express, pas PBN Premium. Donc, le premier PBN service de PBN, chose, ouais. En fait, à l'époque, c'était j'ai perdu son nom de famille, c'était Adrien, bref. Ouais, non, je ne l'ai pas non plus. Et donc, voilà, il y avait tous ces gens-là. Et
J'essaye de sortir des sentiers un peu battus et des gens qui ont vraiment une conf avec du pur de la pure délivrer le maximum d'infos sans se cacher. On arrive, alors moi j'avais visé 400-500, je crois, je voulais faire un méga truc et tout. On arrive à peine à 90 participants, mais génial le truc, tout le monde était au top. Vraiment, ils sont arrivés et repartis enchantés. Moi, c'était ma première orga d'événement, donc j'ai vraiment kiffé. Je l'ai fait avec, donc je parle souvent seul, mais en fait, on est cinq associés en réalité sur l'ensemble des activités, donc je ne suis jamais tout seul, même si c'est plutôt moi qu'on voit sur le devant de la scène. Mais je ne suis pas tout seul dans tout ce que je fais, j'arriverai pas du tout à tout gérer, à tout faire. Et voilà, Ninja Linker nous parle de trucs, il s'est même fait engueuler par d'autres à la fin de sa course, tellement il avait donné, Il tu avait vois. donné, Ça, Falester, on avait encore un an ou deux devant avant que ça se fasse ouais. griller. Corleone qui avait filé ses spots sans filtre, sans rien. Petit Adrien, pareil, qui avait expliqué comment on monte un PBN de A à Z, c'est quoi les DNS, comment on se fait griller avec les IP, comment on fait du reverse et tout. Et voilà, ça avait vraiment lancé un truc et je me suis dit, bah, l'année d'après, on remet ça sur le tapis et c'est devenu un peu une récurrence. On a fait Bordeaux par la suite. Et puis avec le Covid, bah, ça s'est forcément stoppé comme tous les events, mais ça, c'est le truc. Donc en parallèle de ça, quand je suis rentré en 2013-2014, moi j'ai une première startup, si on peut appeler ça, mais c'est un gros mot pour le truc, mais c'était un petit site qui bricolait de la réservation d'hôtels. Qui aurait pu devenir un gros truc, mais à un moment donné, c'est soit tu as des sous, soit tu sais bosser des années sans gagner ta vie, soit tu lèves des fonds et c'est plus ta boîte. Et puis à 24 ans, c'était compliqué. Genre, il y a une dizaine d'années, on est en 2009-2010, là, start-up, levée de fonds, accompagnement et tout, on n'avait pas toutes les structures qu'on avait aujourd'hui. C'est vrai. Mais j'avais, à l'époque, je faisais du PBN sans le savoir, je faisais du marketing sans le savoir, je connaissais ce genre de trucs. Et je ne m'étais pas pris pingouin, moi, parce que je ne faisais pas ce que tout le monde faisait et je ne savais même pas que je faisais ça. Donc, en fait, je le faisais sans là. Et puis, donc, ce projet a périclité parce que trop long et trop gros et trop lourd pour un premier projet d'un étudiant qui vient juste d'être diplômé, quoi. Par contre, je trouve des petits jobs dans du community management. Je remontais des pages, je créais des profils Facebook que je transformais en pages, que je revendais à des marques en disant, voilà, vous avez une page de 5000 fans de motocross, vous vendez de motocross, je vous vends la page pour 500 balles. Voilà. Des petites bricoles. Jusqu'à temps que je rencontre mon associé actuel, Alex, qui lui faisait la pub sur les voitures des particuliers, pour la petite histoire. Donc il avait une idée qui n'était pas con du tout. C'était de poser une pub sur l'arrière d'une voiture et puis la voiture circulait dans le bled. Voilà. En réalité, compliqué à mettre en place et puis compliqué de trouver des. T'avais fait des vidéos, des reportages vidéo là-dessus, non? À l'époque, à la télé, ouais, j'avais vu passer ça, ouais, je me rappelle. Ça avait eu un engouement, ça marchait beaucoup à Paname sur les smarts parce qu'en fait, ça venait compenser le loyer de la smart. Nous, on payait en fait le. Alors la smart était totalement cover, donc elle se voyait énormément. Nous, l'affiche, on payait le conducteur pour qu'il mette une petite affiche. Derrière. Et effectivement, bah, quand tu avais compté le prix de l'affiche, le coût de la pose, le déplacement, toute la création de la campagne, la rentabilité était super basse. Si on l'avait à le faire sur une plateforme Web 2.0, on le ferait d'une autre manière. Par contre, en démarchant, bah, on s'aperçoit que les artisans, les entreprises qu'on démarche sur Orléans n'ont pas forcément besoin de pub sur les bagnoles, mais elles ont besoin de choses beaucoup plus simples. C'est une page Facebook, c'est un site internet, c'est de la visibilité. Et en fait, on cumule nos forces pour faire du WordPress, du PrestaShop en mode agence web, mais vraiment ce qu'il y a de plus classique sans rien révolutionner. Sauf que moi, j'amène un petit truc en plus, c'est qu'à chaque fois, je fais gratos du SEO, quoi. Parce que ça me plaît, parce que ça me fait Ça kiffer, t'amuse, parce que je ne sais pas à l'époque que ça se vend, en fait, et que ça se vend cher. Et je le fais, donc pour moi, je livre un site web, mais il est là pour se positionner. Il y a eu une étude des mots-clés, il y a eu une organisation des pages, même si à l'époque, je vois ce que j'ai fait, je jure, mais ça marchait sur des petits boulots, voilà, École de langue Orléans, le boulanger Orléans, l'artisan Orléans, le petit truc des bleds, ça marchait très bien. Bon. Et puis de fil en aiguille, bon, on en arrive un peu plus à faire du dev sur mesure, donc du Symfony avec deux, trois beaux projets de dev sur mesure. Moi, je garde toujours ma partie SEO où je fais un peu plus de formation, de conseils et d'accompagnement. Et 2016-2018, j'essaye vraiment de me détacher à faire que de l'accompagnement, c'est-à-dire que de l'audit, que de la structure et du suivi, et plus faire d'exé. Par contre, en parallèle, j'avais déjà commencé à monter des sites e-commerce, deux, trois sur des petites idées qui vivotaient, qui continuaient tranquilles.
On organise des événements, on continue un petit peu comme ça entre deux. Et en 2000, 2019, on a une idée. On bosse pour un client dans l'imprimerie qui n'est pas du tout digitalisé. Et on se dit, on va prendre sa partie, on va digitaliser toute sa partie. Et on a accumulé en fait des forces de dev et de stratégie business pour en faire en fait un système d'impression à la demande où aujourd'hui, tu as une plateforme en ligne qui s'appelle Dropshipprint où tu peux mettre tes visuels. Soit on les imprime pour une entreprise, par exemple, ou pour une TPE-PME qui veut comme toi un polo floqué. Donc ça, ce qui est la plus petite des activités qu'on est en train de développer, mais surtout la plus grosse, c'est des gens qui vendent du textile en ligne, qui ne veulent pas de stock, qui veulent créer leur marque. Et en fait, ils nous shootent les commandes automatiquement. Voilà. Et là, la deuxième phase du business, c'est d'attaquer les plus petits e-com, c'est-à-dire des gens qui voudraient une connexion Shopify ou PrestaShop en direct par apps, tu vois, sans parler d'API, sans parler de développement. Ouais, tout à Un fait. truc vraiment clic-clic. Donc là, c'est la Bien sûr. deuxième partie du marché, parce que la première partie, c'est des gens qui ont des développeurs et qui peuvent se connecter par API. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, on achète des bâtiments, on monte une SCI avec des voisins avec qui on organise le SEO by Night, Aurélien et Alex, qui eux, louent leurs locaux depuis 5 ans à côté de chez nous. C'est-à-dire qu'on s'est suivi quand on a trouvé des nouveaux locaux à chaque fois. Et on se dit, bah, pourquoi on ne créerait pas nos locaux? Donc, on monte une SCI, on fait un entrepôt de plusieurs centaines de mètres carrés, des bureaux, on rénove et tout, on refait. Arrive le Covid, crise dans l'événementiel pour eux, puisqu'eux font de l'animation événementielle. Et ils se disent, bah, au bout de 4 mois de loose, on n'a plus de boulot, c'est pas prêt de revenir avant 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On vit des subventions de l'État et on branle rien, ou alors on essaye de remonter un autre job. Et moi, j'avais déjà en tête, mais manque de temps et puis peut-être de couilles pour le faire, c'était de racheter des shops à des gens qui avaient du mal à les faire tourner, les remonter en full multicanal, donc du SEO, du Facebook Ads, du Google, de l'emailing, tout ce qu'on peut, et soit les garder, les exploiter, soit les revendre. Et en fait, on remonte une société là-dessus, on se rassocie sur une activité et on retrouve des shops à racheter rapidement. On arrive à faire le job au moins sur du traf et de la vente. Après, de la marge, c'est une autre question. Et l'organisation, on va dire, logistique est une autre question. Mais voilà, donc aujourd'hui, en gros, en business, j'ai toujours SEO by Night que je vais essayer d'organiser dès qu'on peut repartir. Ce job de gestion de site e-commerce et de remontage de projet, mais vraiment pour nous, on fait quasiment plus du tout de cas clients. Et en termes de formation, j'ai monté juste avant le Covid, on a monté juste avant le Covid la box digitale qui était liée à l'idée du SEO by Night où tous les mois, tu avais un intervenant. Voilà. Donc ça a très bien marché, tout le monde était content pendant 3-4 mois. Le Covid est arrivé, tout le monde a coupé ses abonnements en mode on ne sait pas trop où On on n'a pas. va. Les intervenants étaient moins dispo, il y a eu un petit coup de flex et j'ai dit en juin-juillet, bon, on arrête de laisser traîner des abos et de rembourser tous les mois, on coupe et on reviendra plus tard La vie quand sera un tout peu plus repartira. normale. Voilà en gros pour le parcours issu initialement d'une école de commerce, ESC Toulouse, mais qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et qui m'a donné des bases, mais qui. Une certaine logique, mais en fait qui sont complètement décorrélées maintenant de ce qu'on fait et de comment ça fonctionne. Ok, bon, bah, c'est chouette, joli, joli parcours. Et puis en effet, je pense que c'est une activité sympa, cette partie e-commerce. Donc là, tu reprends que des boutiques qui sont sur du 100% digital. Tu ne cherches pas des gens qui sont avec des points de vente ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tu restes sur du 100% digital ou tu es ouvert à un peu tout On est ouvert à tout. Les boutiques, c'est un peu moins ma tasse de thé, donc pour l'instant, je n'irai pas tout de suite. Là, c'est plutôt des gens qui ont une petite boutique qui vivote, qui ont dû retrouver un job à côté. Ils n'ont pas su passer le pas. Tu vois, typiquement, un vieux PrestaShop de 2012, 1000 balles d'agence web et de serveur tous les ans. Bon, le prix était délirant, mais voilà, le mec, il se fait enfumer par son agence web. Il ne sait pas faire de SEO. Il sait plus l'emailing, le Instagram, le Facebook, tout ça lui vient. C'est dépassé pour lui. Il a 40-50 balais. Il a retrouvé un job à côté. Ça l'emmerde plus qu'autre chose. En fait, c'est un boulet plus qu'un autre truc. Par contre, bah voilà, il te refile des fournisseurs. Tu as une liste. Donc voilà, après, il y a d'autres shops qu'on remonte de zéro. Je repars de zéro. J'ai une petite idée. Je me dis, bah, vas-y, on teste. Donc, beaucoup de shops dans le textile aussi, hein, avec le site de t-shirt. Vu qu'on peut Ouais, tu as. imprimer, je Bien sûr. m'en donne à cœur joie sur les mots-clés. Forcément. Forcément. Voilà, il y a un peu de tout, c'est vraiment très vaste. Et puis après, bah, corréler, on peut corréler du comment dire, on peut corréler du
du textile avec d'autres produits. On n'est pas obligé de faire que du textile ou que du produit. Ok. Bon, ben impec. Eh bien, ça va être bien parce que du coup, ça va être vraiment pratique. Moi, tu sais que je bosse aussi pas mal dans le e-commerce, donc j'ai pas mal de e-commerçants qui vont pouvoir suivre ça. Et du coup, ben, l'idée, ça va peut-être d'essayer de garder en tête ce côté e-commerce quand on va parler du netlinking dont on avait prévu de parler ensemble et de peut-être essayer de se ramener des fois à des cas un petit peu concrets sur la partie e-commerce. On verra un petit peu au fur et à mesure comment les sujets vont s'enchaîner. Allez, on démarre sur ce netlinking. Alors, déjà, c'est notre ami Laurent Bourelli hein, qui m'avait expliqué ça. En bon anglais, on devrait dire link building. Hein. Le netlinking, c'est un mot 100% français. Mais bon, on va dire donc. Le référencement naturel. On va dire, netlinking ou link building. Et bah, pour comprendre un petit peu le départ de tout ça, pourquoi on en a besoin, c'est peut-être important de rappeler un peu le fonctionnement de Google, puisque ce moteur, depuis 1998, il a quand même basé son algorithme sur les liens. C'est ça qui a fait qu'il a été meilleur dès le début. C'est parce qu'au lieu de demander à un webmaster, décris-moi ton contenu, dis-moi de quoi tu parles, il a dit, bah, je vais déjà regarder qui est le plus populaire, et puis après, je vais essayer de comprendre de quoi parle le contenu. Voilà. Ça a été ce côté popularité, parce que quand tu as deux excellents contenus ou deux personnes qui déclarent parler de machine à laver, comment tu différencies les deux? Par contre, ce côté populaire, il n'y a pas de secret. Tu es dans une salle, tu dis quel est le meilleur pronostiqueur au tiercé dans un bar PMU, tout le monde te montre Dédé, c'est Dédé, quoi. Ah, il n'y a pas, voilà, y a pas à pipoter, quoi. L'image est parlante. Voilà. Non, mais voilà, C'est ça. tous les dimanches, il a bon. Bon, bah, C'est c'est lui. lui. Voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement, bah, ce critère, il est dur à contester, quoi. Sachant qu'aucun système est infaillible, hein, donc de toute façon, tu nous donnes n'importe quelle règle, on arrivera à la contourner, on arrivera à la truander. Donc, ce qu'on va décrire aujourd'hui, ce n'est pas une critique envers Google, hein, parce que je suis incapable de coder un aussi bon moteur de recherche, et Google reste le meilleur moteur de recherche du monde. Et d'ailleurs, c'est très souvent que sur des sites e-commerce, je fais un site de points, le site web, plus ma recherche, parce que le Google est meilleur que le moteur interne du site. Ouais, Donc, c'est pour dire que c'est c'est un exact. excellent moteur et c'est un excellent crawler, quoi. C'est une Donc, ouais. ce côté, si je me réfère à la première ligne, c'est fonctionnement de Google pour découvrir des sites ou pour crawler, quoi. Ça, je l'ai découvert avec Laurent et surtout avec les frères Perronnet. Je l'ai compris d'un point de vue mécanique avec Laurent, expliqué simplement mécaniquement, et je l'ai compris d'un point de vue algorithmique avec les frères Perronnet qui, eux, rentrent beaucoup plus dans la technique. Le seul problème des frères Perronnet, c'est quand tu dis. J'avais fait une vidéo avec Sylvain qui expliquait bien tout ça. Pour le coup, on avait parlé du surfeur aléatoire, surfeur raisonné, etc., etc. Donc, ouais, si vous voulez retrouver cette partie-là, sans qu'on peut C'est très reparler rapidement intéressant. aujourd'hui, mais sans qu'on re-rentre dans le détail, là, Sylvain avait apporté beaucoup aussi lors de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Ça vous donnera une bonne explication de tout ça aussi. Et c'est typiquement le référent sur le sujet, c'est le plus calé. Le seul truc, c'est quand on les écoute, notamment quand on parle de netlinking, on découvre que algorithmiquement, on se fait forcément flaguer, quoi. On est forcément vu. Donc en fait, on flippe. Et la différence, c'est de savoir ce que Google peut faire et ce que Google veut et va faire. C'est les trois petites subtilités, parce que sinon, on ne fait rien, en fait. Alors, Donc, c'est on va. intéressant cette remarque parce que aujourd'hui, bah, on vient de le dire, depuis le début, depuis 98, Google, bah, grosso modo, base une très grosse partie de son algorithme sur les liens. Donc, forcément, et tu l'as dit tout à l'heure, bah, des petits malins, et nous y compris, on va essayer de trouver tous les moyens pour tricher et aller amener plus de liens. Et Google nous dit que c'est interdit de manipuler les liens. Donc, là-dessus, aujourd'hui, est-ce qu'on Google te fait. dit ouais, que tu n'as pas le droit d'aller demander un. Alors, la page a évolué, ça faisait des dizaines d'années qu'elle n'avait pas évolué. Ouais. La dernière, elle a évolué juste avant, un peu avant période Covid, elle a évolué au mois de février-mars, si je ne dis pas de bêtises. La page qui parle netlinking a évolué, mais on reste dans la logique. Clairement, il faut le savoir dès qu'on parle de netlinking, on risque une pénalité, on risque un filtre si on se fait toper. Bon, en réalité, il y a très peu de chances de se faire toper, mais il faut garder quand même faut être clair avec tout le monde quand on parle de netlinking, il y a un risque. C'est clair et net. Après, est-ce que tu veux zéro risque et être le dernier de la course? Ou est-ce que tu veux être le premier de la course et risquer en cas de contrôle antidopage, te faire toper, sachant qu'il y a un contrôle antidopage tous les 20 courses? Voilà, c'est la question. Mais ce truc de netlinking, ouais, on a un risque. Voilà. Après, Google dit, tu Ah, n'as pas le droit de aujourd'hui, demander un lien. depuis malgré tout, depuis 2012, j'ai l'impression qu'on
Et tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est reparti dans des excès tels qu'on était à l'époque, finalement. Alors, de manière moins crade, mais aujourd'hui, il y a quand même des tas de plateformes de vente de liens. On va en reparler un petit peu plus tard. Tout le monde se remet à faire du netlinking. On a eu l'impression que pendant quelques années, tout le monde s'était calmé. Moi, le premier, hein, pour le coup, parce qu'en 2012, moi, j'étais e-commerçant et je me suis pris le pingouin sans avoir fait des choses qui me semblait excessive à l'époque, mais du jour au lendemain, à un mois des soldes, j'ai disparu de Google sur toutes mes recherches expressives, toutes mes expressions clés prioritaires. Donc ça fait un peu bizarre quand même quand ça t'arrive. Et c'est vrai que moi, pendant des années, ça m'a calmé, quoi. Pendant des années, j'ai fait zéro backlink. Et à mon plus grand tort, hein, pour le coup, mais. Tu sais, c'est comme c'est cyclique, hein, c'est comme les accidents d'avion. Hein, dès qu'il y a un avion qui s'écrase, qu'il faut tout de suite aller en vacances parce que les billets sont pas chers et tout le monde fait des contrôles dans ses avions. Donc c'est juste après le crash qu'il faut y aller, tu vois. C'est une bonne remarque, ouais. Et là, effectivement, plus on s'éloigne de pingouins, plus on risque un autre pingouin. Mais oui, Google dit bien, tu n'as pas le droit de demander un backlink pour manipuler mon algo. Après, si on demande un backlink, c'est forcément pour manipuler l'algo. Je vois pas pourquoi on irait demander un backlink sinon. Alors, mais il y a quand même des backlinks naturels, il faut pas l'oublier, parce que si Google a mis cette popularité en avant, c'est quand même que c'est un signe pour lui. Quand il y a un backlink, il y a un vote, quoi. Quelqu'un a voté pour toi, ça a quand même une, ça a quand même une, c'est un symbole, quoi. C'est pas rien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Google pourrait encore se permettre de lancer des pénalités, je dirais, algorithmiques et pas manuelles sur les liens, vu l'ampleur que ça a pris? Trop compliqué Ouais, pour on est d'accord, hein. les encres. Si, sur les encres, c'est très simple. Voilà. Et encore, on le nique avec le MD. Mais sur un voilà. Non, mais sur un. Après, tu vois, même sur les encres, c'est. Moi, je suis de plus en plus étonné de ce que je vois en ce moment dans les SERP. J'avais l'exemple que j'ai eu un prospect il n'y a pas bien longtemps sur la cigarette électronique. Et quand tu regardes les encres de ceux qui sont dans le top 10 de Google, c'est cigarette électronique à 90%, 80%, quoi. Mais moi, je ne pense pas que l'algo que Pingouin est incorporé dans l'algo classique de Google. Pour moi, c'est une couche qui est déclenchée de temps en temps, qui a été déclenchée et qui est déclenchée de temps en temps. Donc, elle n'y est pas au quotidien. Par contre, pour moi, elle peut déclencher un filtre, puisqu'aujourd'hui, on voit moins en moins de pénalités, à mon sens, de vraies pénalités. Il faut vraiment la vouloir, la vraie péna dans la Search Console où ça s'alarme en disant attention, netlinking agressif. Moi, je l'ai pris une seule fois, c'était pendant un concours, et je le savais clairement. Voilà. Les autres fois, jamais pris. J'en ai vu en prendre quand tu recheck un peu les domaines expirés qui passent au snap ou aux enchères, t'envoies qui sont fait éclater, tu comprends tout de suite pourquoi. Mais au-delà de ça, je pense que on va plutôt vers le filtre où Google te dit, moi, je coupe le jus de tel site web, exemple Forbes aux US. On voit bien que Forbes aux US, et notamment avec Patrick, là récemment, on a remonté une footprint, je pense, d'une régie qui vend des liens sur du très, très gros domaine. Très, très bien trusté, très très beau, des domaines très officiels, plutôt journalistiques. Il y a une grosse mention en haut qui dit truc éditorial publié par telle régie. Je suis quasiment persuadé que le jus est à zéro, quoi. Ça va pas te pénaliser, mais ça va rien t'envoyer. Mais le lien coûte 1000 boules, quoi. Je ne sais pas si c'est le même exemple dont j'ai parlé dernièrement avec Patrick, mais en Je effet, sur pense qu'on parle du même, des achats de liens bien costauds qui ont apporté zéro, quoi. mais ce lien-là est aussi là, faut pas l'oublier, un journal de ce type-là ou un site de ce type-là devient un journal, il est là pour être cliqué aussi. Donc, il est censé t'amener du traf par le clic du lien. Il n'y a pas que Google qui lit nos articles, hein. Il y a un vrai être humain derrière qui peut lire le truc et être intéressé. Donc, faut pas voir que le jus Google. Voilà. Quand on Ça, fait c'était des. justement, c'était un des points importants que je voulais qu'on évoque tous les deux. Et pour que les gens qui sont peut-être moins au courant sur tout ce qui est le netlinking, c'est vraiment important de dissocier ce que tu viens de dire, le PageRank d'un côté et le trafic de l'autre. Donc, le PageRank, donc c'est vraiment une notion de popularité au sens Google du terme qui dit quel est ton niveau de reconnaissance dans le web. Et ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un gros PageRank et pas du tout de trafic. Oui, alors le PageRank est quand même calculé, notamment entre autres via le TTF, le Topical Trust Flow. Je suis sur un site d'un garagiste, je parle d'un gars qui fait des cartes grises, c'est sémantiquement logique. L'internaute a un taux de chance de cliquer, donc il y a du jus qui passe. Moi, je le traduis comme ça. Hein. C'est Oui. quoi? Est-ce que l'internaute il a un 1% de chance de cliquer parce que c'est pas Théma, ou est-ce qu'il a 100% de chance de cliquer parce que c'est logique pour lui? Donc le jus va passer.
Donc, pour moi, il y a quand même une logique entre TTF, TF, CF. Voilà. Ouais, Mais tout à plus il y a fait. de CF, plus il y a de force de jus dans le tuyau, plus le tuyau est gros, quoi, il va passer. Par contre, tu es sur un site. Alors, on Donc, on parle va bien. rappeler un citation flow pour le CF qui correspond à grosso modo à un niveau de quantité de liens, Ouais. trust flow qui correspond à un niveau de qualité de liens et topical, ce que tu viens de dire, vraiment cette notion de sémantique et de qui va avec quoi et pourquoi, un peu pour reprendre les mots de Laurent, qui va vraiment être cette logique de pourquoi tel site va faire un lien vers tel autre site. Donc, il y a quelque chose de logique qui peut emmener du trafic et donc du vrai jus de bonne qualité en SEO. Et pour moi, le CF, c'est une estimation du page rank, quoi. Ouais. Assez gros, ce n'est pas vrai ce que je dis, mais c'est si on veut simplifier les choses. Voilà, j'ai un 32 CF, je suis à peu près PR3 de l'époque, c'est quand même pas dégueu. Bon. Par contre, pour moi, il y a des sites où clairement, il peut avoir un méga PR ou un méga TF-CF. De toute façon, le jus étant coupé, le site peut faire du traf. Ça peut faire du clic et de la visite. Le site ne transmettra pas de jus parce que Google a dit, toi, tu es identifié comme un vendeur de liens, Forbes aux US, tu fais trop de promotions, les mecs t'achètent des articles, je considère que ton vote est de zéro. Pour moi, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on dit, c'est je considère que ton vote est désormais à zéro. Mais ça fera du traf. Mais en toute logique, un site qui n'est pas filtré, s'il y a du trafic et s'il y a du clic, il y a une logique de TFCF derrière et il y a une logique de jus qui passe, quoi. Parce que si les internautes cliquent, c'est que sémantiquement l'article est cohérent et qu'il y a une envie de l'internaute de cliquer. Donc, il y a quand même une logique naturelle, quoi, derrière, quoi. Sachant qu'on parle bien d'URL, hein, je vois souvent une confusion avec le nom de domaine et l'URL. On peut avoir un site généraliste qui parle d'une dizaine de sujets. Si tout est bien cloisonné, est structuré et que ta page parle du même sujet que ton site web, le lien va passer du jus, quoi. Même si c'est un généraliste. Voilà. Après, effectivement, avoir un lien en footer, je sais pas, un lien de carte grise en footer sur un site qui t'a parlé de fleuriste, ça va te passer du jus, mais c'est minime pour moi et ça va aller de plus en plus flag, au truc qui t'apporte rien, quoi. Pour moi, voilà. Ok. Mais Alors, ouais, quand on est pénalisé, il se passe comme tu as dit tout à l'heure, on sort ou quand on prend un filtre. Bah, moi, j'ai eu un site web pendant 2 ans. Mon gros mot-clé principal, je faisais même plus un top 100. C'est pas que c'est, voilà. Et puis, du ouais, jour au tout à lendemain, fait. la date anniversaire s'est revenue comme de par hasard. Ouais. Toujours passé 12e. Voilà. Moi, J'étais pas là depuis 2 ans. j'avais mis mai, juin, juillet, août, septembre, 4-5 mois, moi, 5 mois pour revenir sur mes mots-clés. Et sur certains, je suis revenu aussi bien, si ce n'est mieux, et puis d'autres, on ne sont jamais revenus où ils étaient avant. Et à l'époque, vous n'aviez pas les outils qu'on a là et vous ne saviez pas ce qui avait été pénalisé parce qu'on le dit maintenant Et avec non. le recul. Ouais, il suffisait que. Non, quand c'est arrivé, je pense que tout le monde s'est regardé. Tu sais pourquoi? Et toi, et toi, et toi. Et je crois que c'est Kevin à l'époque qui avait sorti, SEO Observer, Kevin Richard, qui avait sorti avec les Péronnés une des premières études qui montrait le facteur commun entre tout le monde, c'était ça, quoi. Ouais, mais bon, ouais, moi, enfin, à l'époque, j'avais pas non plus été, enfin, j'avais pas fait de blast ou des choses comme ça, tu vois, j'avais dû être un peu violent sur de la création des annuaires, enfin, tu vois, rien d'exceptionnel à l'époque, et bon. C'est l'encre qui a trahi, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'était Comme l'encre. maintenant, hein, c'est Comme tout le l'encre. monde, hein. Enfin, C'est c'était l'encre. l'encre, hein. Très clairement, j'avais des encres optimisées sur toutes les marques que je vendais, donc oui, je m'étais pas embêté, et c'est clairement l'encre qui avait trahi, c'est exactement ça. Mais même aujourd'hui, il y en a qui se font trahir par l'encre. Bien Hein. sûr. Vu que ça marche, bah, les gars, ils y vont, Bah, mais ouais, c'est ce que je c'est dis pas dans l'abri. l'exemple de la cigarette électronique, là. Et j'en ai eu un autre exemple hier encore. C'était sur tableau décoration, tableau design. Et là, c'est pareil. C'est à fond suroptimisé, la SERP. Et tu te dis, bah, écoute, ça tiendra le temps que ça tiendra, quoi. C'est terrible. Profitez-en, les gars, vous êtes au top. Ça Mais tiendra le temps que ça tiendra. la logique n'est pas idiote non plus de Bien dire sûr, ça tiendra tant que ça tiendra. Moi, c'est les exactement ça. TTF, j'ai dû découvrir ça en 2013-2014. Ça fait 7-8 ans que j'entends que ça va péter demain. Et ça n'a toujours pas pété. Le mec qui s'y est mis il y a 7-8 ans, il a 7-8 ans d'avance, il a pris du cash pendant 7-8 ans. Peut-être que Ça. demain, il va se faire pénaliser. N'empêche que ça fait 7-8 ans qu'il prend la caillasse.
Donc, à un moment donné, ok, si on. Alors, par contre, le seul truc, c'est que si demain je saute, j'irai pas pleurer partout. C'est une honte, Google, connard, voilà, Non, bon. mais t'as joué, t'as gagné, et à un C'est tout moment ce que tu j'avais à perds, et voilà, apprendre. c'est logique. Alors, dis donc, du coup, l'idée, c'est aujourd'hui de réussir à créer ce qu'on appelle un profil de lien naturel pour faire croire à Google que c'est des vrais liens, en gros. Ce n'est pas des liens qu'on a été achetés, cherchés, créés. On va voir un petit peu tout ça par la suite. Et grosso modo, un bon profil de lien pour toi, c'est comment tu décrirais ça si tu devais le faire? Ça va dépendre de la thématique, de plein de choses, mais c'est quoi un bon profil de lien? Moi, ça ne dépend pas du tout de la thématique. Le bon profil de lien, pour moi, c'est un peu tout, tout le temps. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que si on prend distinctement chaque typologie de lien, il en faut un petit peu dans chaque. Voilà. Et aujourd'hui, on prend un peu la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais, c'est exactement comme dans le web, dans le e-com. Il y a des mecs qui sont focus AdWords. Tu leur en décocheras pas. Non, mais il n'y a que AdWords. Le SEO, c'est de la dope. Facebook Ads, c'est de la dope. Je veux AdWords. OK. Tu as des mecs, c'est que l'emailing. Mais moi, je cartonne en emailing. Je fais que l'emailing. Tu as des mecs, c'est que Facebook Ads. Parce qu'ils te prennent un produit winner, blabla, nanana, hop, tac, tac, Shopify. Et les mecs sont bons parce qu'il y a x15 en marge et parce que le produit est waouh, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est très bien marketé. Leur site est très propre et tout. Et il y a des mecs comme nous, le SEO, bah on veut voir que du SEO. Ah bah attends, je comprends, je prends du trafic gratos tous les jours, ça ne change pas, ça tombe, ça convertit. Le mec, c'est sa requête, c'est son intention, il achète, je ne comprends pas. Voilà. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est tout faire. C'est peut-être que du retargeting sur Facebook Ads et pas du neutre ou en partant de zéro. Mais une fois que tu as mis ton pixel et qu'en SEO, il a chauffé et que tu as au moins atteint 1000 ventes, je vais te dire que ton audience sur Facebook, ce n'est pas la même. Elle est déjà un peu plus rentable. Pareil sur Pinterest, il y a un Facebook Pinterest. Genre, il y a un Un pixel pixel. Pinterest, pardon. Voilà. L'emailing est rentable aussi. Sur plein d'actions, c'est peut-être des clients actuels qu'il faut relancer. Okay? AdWords est rentable sur plein de choses. Shopping est rentable sur plein de choses. Comme les partenaires Google, quand on allume un peu sur… tu vois, tu te retrouves sur Tinder, tu te retrouves sur des applis, tu te retrouves sur plein de blogs. Ou des gens qui ont mis AdSense sur leur blog, mais à un moment donné, peut-être que c'est rentable ce genre de stratégie. Le truc, c'est que c'est un peu tout et c'est pas juste une, quoi. Et voilà, c'est quand tu fais que du Facebook Ads et que tu te fais cramer ton compte pour X, Y raison, hein, que tu es bien ou mal fait. C'est comme le SEO, tu fais que du SEO. Demain, moi j'ai vu des mises à jour, Google a décidé que Amazon me passait devant, quoi. Et clairement, c'est une baisse de chiffre d'affaires. C'est pour ça que je me suis mis à Amazon. Parce qu'il y a eu un moment, pendant 8 mois, je n'arrivais plus à passer devant Amazon. J'ai fait tout, j'y arrivais plus. Donc, j'ai dit, bah, OK, au lieu de diviser mon chiffre d'affaires, je me mets sur Amazon. Et comme ça, il n'y a plus d'histoire de concurrence. Donc, c'est un peu pareil sur le profil de lien. C'est un peu de tout. Et ce n'est pas que de l'achat sur la même plateforme. Ce n'est pas non plus que de l'achat sur deux, trois plateformes. Ce n'est pas que du ninja linking en mode… En mode, j'essaie de faire ranker avec 0 euros, on en parlait tout à l'heure, sur notre groupe Skype, ou dire, bah ouais, il y a moyen de faire ranker pour zéro. Ouais, bien sûr. Mais voilà, un site qui n'a que du forum, que du web profil, que du machin, il va manquer quelques liens essentiels pour montrer qu'il est vraiment, toi, il est dans le game, quoi, il est vraiment là, quoi. Après, tu as des liens auxquels tu ne peux pas passer à côté. Tu fais de la carte grise, par exemple, tu as des liens sur les sites des points gouv, il faut que tu les aies absolument. Tu es artisan, il faut que tu aies un lien depuis la CCI, depuis ta mairie, depuis le journal du coin, depuis voilà quoi. Donc Donc là, on. on rentre dans cette première catégorie de liens que j'avais mis dans notre préparation. C'est un petit peu ces liens, pour le coup, que moi j'appelle quand même naturels, même si on va les chercher d'une manière ou d'une autre. Donc l'importance d'aller chercher ce que tu dis des mairies, des associations, des CCI, ça c'est des choses qu'il faut vraiment aller faire. Il y a un truc que je voudrais clarifier. Déjà, nous, on parle de référencement naturel en France. En anglais, c'est optimiser. Search Engine Optimization. Le naturel, il n'existe pas. On optimise. Donc, Dans pour tous les moi, cas, c'est pas naturel. un lien naturel, non, il est optimisé. C'est j'ai été voir ma CCI. Là, je suis formateur à la CCI, entre autres. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais j'accompagne des petits groupes, souvent des artisans ou des commerçants. Je leur dis, voilà, déjà, vous êtes 15 dans la pièce, vous avez 14 liens. C'est Que ça. chacun va avoir un site web. Après, vous allez aller à la CCI, vous allez vous inscrire. Il y a un annuaire, ouais, mais moi je suis à Bazoches les trucs, ta mairie elle a un site web. Il y a un listing de tous les commerçants, pose ton lien dessus. Voilà. Et
Et en fait, on s'aperçoit en Ça, fouillant comme ça. c'est des liens simples à aller chercher, Ouais. ça ne demande pas beaucoup de travail et c'est des liens pour le coup qui ont un gros trust, puisqu'on parle d'organisation, on parle de CCI, on parle de mairie, donc c'est des partenaires de confiance. Donc Les ça, pages c'est. jaunes, Yelp, Oui. Waze, mine de rien, l'annuaire Waze, Tout à vérifier fait. si. Voilà, c'est des trucs de base et je vois pas comment ça peut être pénalisé. Pourquoi est-ce qu'on va te pénaliser? Parce que la CCI t'a mis dans l'annuaire, quoi. Donc là, pour toi, tous ces liens, ils sont aussi bien valables si je suis sur du national que du local. Dans le principe, on va les chercher dans tous les cas, hein, on est bien Ouais, d'accord. complètement. Pour moi, c'est la base du boulot. C'est déjà les premiers liens un petit peu officiels. Voilà, des gens qui même les pages jaunes, c'est pas d'office que les pages jaunes vous inscrivent. Il y a un petit formulaire en footer à remplir, être partenaire des pages jaunes. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement à 3 000 balles l'année, même s'ils sont vachement bien améliorés, il faut le dire quand même. Leur offre a vachement évolué et Ouais. c'est pas toujours dégueu ce qu'ils proposent Non, aujourd'hui, c'est notamment. vrai. Après, moi, j'ai eu des soucis il y a quelques temps avec eux où, pour le coup, l'offre prioritaire était un peu précochée et que tu avais du mal à passer outre. Donc, tu t'embêtais un peu après pour la résilier. Mais c'est vrai que j'ai vu dernièrement, moi, des clients ou des prospects qui utilisaient les pages jaunes où ils ont une rediffusion automatique sur plusieurs médias. Ils centralisent un certain nombre de choses depuis les pages jaunes et c'est pratique, quoi. Faut pas que le bannir, faut réfléchir aussi. Ouais, tout à Mais fait. voilà, il y a même taper annuaire plus artisan, le nom de ton artisan, annuaire peintre plus ta région, ta ville, ton département. Voilà, il y a des annuaires nationaux d'artisans, il y a des voilà, même la fédération nationale de ta branche. Tu vas adhérer à un syndicat, tu vas adhérer à ça. Voilà, tu fais partie de l'UDEL, tu peux avoir un lien, tu fais partie du MEDEF, on peut te caler un lien, tu fais partie de la FFB, Fédération des bâtiments, il y en a dans le Loiret, mais il y en a partout, tu peux aussi avoir un lien, voilà. Et puis pas Après, hésiter à aller. d'avoir des fournisseurs aussi potentiellement. Exactement ce que j'allais dire, c'est racoler le lien de partout. Tu as un fournisseur, bah écoute, tu veux pas me faire une étude de cas à l'occasion, je t'achète de quoi, je sais pas, je t'achète de la peinture. Si un jour tu veux me citer dans tes partenaires, ça sera avec plaisir. Mais moi, juste un petit lien, et puis comme ça, je dirais que je suis content. Alors dis-moi, Elliot, sur ce genre de liens-là qui sont plutôt, même si on parle d'optimisation, mais. Moi, je classe dans les liens un peu naturels. Je peux y aller un peu bourrin. Je peux en faire 50 le premier mois ou malgré tout, toi, tu me conseilles de rester sur un ou deux par semaine. Enfin, comment tu vois ça, toi, ces liens-là qui sont finalement assez propres? Non, tu viens de créer ta boîte, tu as un Je peux y ensemble aller, hein? d'annuaires officiels, administratifs qui t'enregistrent. Il n'y a rien de. Ouais, on peut y aller. En fait, c'est toujours, si tu veux, cet aspect. Dès que tu n'es plus dans la norme statistique, qu'il y a une anomalie statistique, tu es flag. Voilà. Tu n'es plus comme les. Tout le monde est à 10, toi tu es à 16, ou tu es à 4. Voilà, ça se voit trop, quoi. Donc non, pour moi, tous ces liens-là, ils peuvent être faits dès le début. Et de toute façon, ce n'est pas parce que tu poses un lien que Google passe dessus le jour où tu l'as posé. Google, il vient, c'est Alors, le fameux cache ouais. de points. Il vient voir un site web de temps en temps, des sites web statiques. Et Google, il a une capacité de serveur qui fait 100. Il faut qu'il crawle tout le web dans 100. Et il ne faut pas aller à racheter de serveur où ça lui coûte plus de thunes. Donc s'il sait qu'un site de mairie, il change une fois tous les 6 ans, ou tous les 6 mois, pourquoi est-ce qu'il va venir dessus tous les jours? On voit des sites de mairie, sur les annuaires notamment, là j'en surveillais des fois, tous les 3 mois, Google passe dessus, et pas plus. Donc déjà, peut-être que ton lien est vu dans 3 mois. Voilà. D'entrée de jeu. Et puis non, pour moi, ces quelques liens-là, ils sont vraiment moins flag vu qu'ils sont un peu officiels. Ils sont quand même moins flag que du lien posé sur des sites partenaires ou des interviews ou des échanges de liens, quoi. Ouais, je vais revenir un petit peu après là-dessus, échange de liens. Alors, est-ce que si je démarre, que je lance mon activité, je lance mon petit commerce, je vais essayer de m'incruster sur des forums, je vais faire des commentaires dans les blogs, ça marche encore ces trucs-là? On fait pas? Ce qu'on appelle du ninja linking, il y a pas de, ça marche très bien, c'est un lien, c'est voilà, je veux dire, la réputation de Google, ça a quand même été le côté réputation de Google, ça a été de dire si quelqu'un prend la peine de répondre à un commentaire et d'apporter une réponse et qu'il fait un lien vers son blog, ça paraît logique qu'il soit un peu plus populaire que celui qui se bouge pas le cul et qui répond à rien sur le web, quoi. Voilà. Encore une fois, de manière intelligente. On ne s'appelle pas Serrurier Paris quand on vient déposer un lien sur un commentaire de blog. Un, déjà, parce qu'on a quasiment plus de chances de se faire valider le commentaire. Deux, on ne dit pas, ouais, c'est un super article, je te remercie. Voilà. On essaye d'amener une vraie discussion, quoi, un vrai truc. Et puis deux, bah, on ne pointe pas forcément vers sa page d'accueil, on va peut-être pointer vers la page Qui sommes-nous? Ou à propos, tu vois, ou notre historique.
Parce que c'est ça aussi, on bourrine les liens vers la page d'accueil, mais notre site, il n'a pas qu'une page d'accueil, quoi. Il a plein de sites internes. Donc, pour moi, non, les commentaires, on peut en faire. Alors, trouver des commentaires do-follow, parce qu'il y a aussi ce côté no-follow, do-follow, Ouais. ça devient de plus en plus compliqué. Avant, on avait Speep qui était très généreux. Maintenant, suite à beaucoup d'abus, bah, beaucoup de CMS, en fait, ont tout simplement coupé. Donc, je rappelle, do-follow, ça veut dire que quand Google arrive sur la page et découvre un lien, il va le suivre, c'est-à-dire qu'il va le compter dans son algo. Si c'est no-follow, bah, il fait comme s'il n'avait rien vu, quoi, en gros. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aussi un peu de no-follow, parce que anomalie Ça statistique. reste, voilà, ouais. Mais les no-follow, ils vont se créer un peu tout seuls par des annuaires auto, par des choses comme ça, par des voilà. Donc il ne faut pas être contre, je vois des mecs un peu contre le no-follow qui vont essayer de supprimer tout ce qui est no-follow. Mais non, laissez-les. Non, puis pour le coup, Moi, un c'est lien YouTube no-follow, ça me plaît aussi, hein. des choses qu'on voit aussi pas mal dans le local. C'est un certain nombre d'annuaires qui sont en nofollow, mais malgré tout, tu as ce que dans nous, les SEO, on appelle les citations, et finalement, ils retrouvent ton nom, ton adresse, et ça compte pas comme un vrai lien, mais pour Google, ça fait quand même un pseudo-lien, quoi. Donc, Je ça pense compte quand même. que ça amène une petite crédibilité ou un petit Ouais. truc plus. Même un lien, je te dis nofollow de chez YouTube, je prends. Hein. Ou même on parle de moi sur Facebook. Hein. C'est des liens nofollow, mais ça fait une nouvelle source de trafic. Donc c'est bien aussi. Et puis une vraie société qui n'aurait comment dire, que du trafic qui vient de Google, c'est étrange, quoi. Toi, c'est normal que tu aies du trafic qui vienne d'ailleurs, de Twitter, de Facebook, de. Voilà. C'est là aussi où il y a des choses intéressantes à faire. Justement, tu parles de ces réseaux. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, pas y aller en mode bourrin. Je commande tout de suite sur un réseau, je mets le lien vers mon site, mais essayer de rentrer en discussion avec les personnes qui sont déjà expertes dans notre domaine, qui tournent dans notre thématique, de créer de l'échange, de la discussion. Et petit à petit, ces gens vont peut-être naturellement venir mettre un lien vers notre site si on a fait du contenu pertinent, etc., etc. Donc, on re-rentre dans le link-baiting historique que Google nous inciter à faire finalement, créer du bon contenu pour que les gens aient envie de le lier naturellement. Mais c'est vrai que pas y aller en mode bourrin, salut, voilà mon article, il est super, créer de l'échange, créer des choses avec les gens avant de pousser des liens, quoi. Ça peut marcher un peu, on l'a tous fait, hein, le truc coucou, c'est génial. Ça marche alors, ça peut marcher si sur des gens non ouverts au SEO, des blogueuses qui n'ont pas la logique derrière de savoir tout ce qui se passe, qui se disent ouais, super, il y a un mec qui m'a remercié, je valide son commentaire. C'est extrêmement rare que vous allez vous épuiser à faire ça. Par contre, même des fois, des liens nofollow sur des blogs, vous allez amener une discussion intelligente, la personne va vous recontacter et peut faire un article C'est qui ça. parle de vous ou qui va linker vers vous parce que vous avez une vraie expertise. Donc, je veux dire, voilà, c'est comme répondre à un tweet. Répondre à un tweet, ce n'est pas un backlink. Pourtant, j'ai des gens en MP qui viennent me dire, tiens, j'ai vu que tu as répondu ça à tel tweet, tu pourrais m'en dire un peu plus, c'est cool. Bien Ah sûr. bah écoute, j'ai un blog, si tu veux, tu rédiges un article, je te ferai un lien. J'ai pas été chercher le lien au final, mais en répondant par ma sphère d'influence, en répondant sur Twitter, sur YouTube, sur machin, on parlait avec Jérôme Pasquelin qui veut m'inviter sur sa chaîne, c'est parce que j'ai répondu à un de ses commentaires en disant, putain, l'idée de repartir de zéro, il est cool. Et en plus, super sujet là-dessus, vous avez dit ça, c'est super bien et tout. Il dit, ah bah tiens, le prochain coup, tu viens, quoi. Pourtant, c'était un commentaire YouTube, j'avais pas de lien à poser, quoi. Mais C'est exactement ça. Dès que tu vas communiquer, tu vas t'intéresser aux gens, tu vas échanger. Naturellement, il y a des choses qui vont se créer et ça peut amener à des backlinks c'est du purement réseautage. naturels. C'est du Ouais, réseautage. c'est du réseautage. Hein. Même, alors, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Tu vois, quand j'organisais SEO by Night, c'était beaucoup plus simple de choper des backlinks sur Twitter parmi toutes les Forcément. agences et tous les mecs que d'aller. On en parlera un petit peu plus loin de ça, Ouais. de ces techniques un petit peu, on pourrait presque dire cheval de Troie, comme disait Laurent passé un temps. On va en reparler un petit peu après. Ce que je disais aussi dans ces techniques-là, peut-être que pour obtenir des backlinks, il faut interviewer des experts. On va reparler après. Alors dis-moi, en 2021, on fait encore des échanges de liens. Là, je contacte quelqu'un pour lui dire coucou, j'ai un site, si on se faisait un échange de liens réciproque. Bien sûr, pourquoi on ne le ferait pas? Ouais, je sais pas, moi je Le seul demande. truc, c'est qu'on va peut-être faire ça, on va peut-être pas faire ça le lundi et le mardi, quoi. Ouais. On va peut-être attendre 3-4 mois, 6 mois. C'est Hein. ça. Toi, tu pars, toi, 3-4 mois? Ouais, moi je portais même Bon, je pas. pense Ouais, que je c'est pas une disais science 2-3 exacte. mois, mais ouais. Ouais. Ouais, c'est pas une science exacte. Hein. Je te dis Ouais. 3-4 mois, ça peut être 2 comme 6. Ouais. Hein. Le seul truc, c'est que ça tombe pas. En même temps. Tu as vu une société belge qui s'est fait blacklister là, qui a pris une pénale justement à ce sujet, Google. L'idée était pourtant logique, c'était de dire, bah voilà, nous, on a fait un article sur le yoga. Vous êtes pro expert dans le yoga. Nous, on vous cite et toi, tu me cites. C'est vachement malin à faire. C'est-à-dire, moi, dans mon article,
te mets comme référent et tu me donnes des infos, t'aides à compléter mon article. Et en échange, sur ton blog, tu vas venir parler de nous. C'est vachement malin. Le truc, c'est qu'il fallait laisser un petit peu plus de délai entre et de se dire, bon, bah, laisse quand même. Voilà, mais si demain, le Figaro ne pointe pas vers le Monde et le Monde ne pointe pas vers le Figaro, C'est pas partage normal. l'actualité. Et voilà, on nous dit aussi, quand on rédige un bon article, c'est de citer des sources officielles en cohérence avec notre contenu et qui apportent une valeur ajoutée à l'internaute. Si mon contenu, ça apporte. Alors, si je cale un lien juste pour caler un lien, voilà. Si à un moment donné, tu as dit quelque chose d'intelligent ou tu as fait une étude ou tu as mis un document à dispo et que depuis mon article, je link ce document, je link tes paroles, je link ta vidéo ou ton truc, je vois pas pourquoi on peut me pénaliser pour ça, quoi. Mais C'est un encore une fois, truc, c'est un truc important que tu viens de dire là aussi, sur lequel j'essaie toujours de le replacer, cette chose-là. Je ne sais plus exactement avec qui j'en avais discuté dans une vidéo, mais en gros, c'était d'inviter les gens qui créent du contenu sur Internet, les gens qui ont des sites, d'être généreux au niveau du lien. C'est-à-dire que créer un lien sur sa page, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et finalement, le net, sans lien, le net, enfin Google n'existe pas. Et voire même, tu donnes des bons signaux à Google en envoyant des liens à d'autres personnes et potentiellement en envoyant même plusieurs liens. Ce que je regardais encore tout à l'heure, je regardais l'outil d'audit de backlink de Semrush, de mémoire. Et tu vois, il te sort en potentiellement toxique quand ta page envoie un lien que vers un seul site. Donc, il t'invite à aller faire des liens vers un ou deux sites par page. Donc, soyez généreux dans vos pages. enlever ça, ça gêne avec les On biens. Ouais, c'est puis je veux voit dire, ta belle coupe de cheveux. je suis sorti du confinement, j'ai pu retourner chez le coiffeur parce que je m'étais fait une coupe à zéro pour passer le temps et c'était horrible. Même ça thématise ta page, quoi. Tu as un lien sortant, Google, il sait de quoi tu parles. Exactement. Je veux dire, clairement, tu parles d'un contenu. Il y a un moment donné, il y a des gens incontournables dans le secteur, il y a des études que tu dois citer, il y a des choses. Alors oui, quand on parlera PBN, on en parlera. Hein. Il y a des pinces, un lien, c'est un lien. Alors si jamais je fais un lien sortant, je dis lui mon jus, oulala, oulala, oui, oulala, oui. Sauf que bah, le meilleur moyen de se faire cramer, c'est de faire des liens que vers chez toi, quoi. C'est ça. Jamais d'envoyer à tes concurrents. Moi, j'ai des PBN, ils envoient vers des concurrents. Moi, Bien sûr. et ouais, bah, je vais envoyer un peu de jus, mais quand moi j'ai 50 domaines qu'envoie vers chez moi, chaque concurrent n'a peut-être que un, quoi. Donc au final, c'est pas très grave. Donc non, Oh, l'échange puis de liens. et encore une fois, tu resimules le naturel. Il n'y a aucune raison qu'un site qui parle de vélo ne t'envoie que chez un vendeur de vélo. Potentiellement, il y en a partout sur la planète. Donc, ouais. Donc ouais, il y a YouTube qui a des vidéos de vélo, ouais, il y a plein de choses. Donc Ouais. non, et puis l'échange de liens, il est justement entre experts, les gens peuvent s'interviewer, peuvent avoir des échanges. Mais effectivement, ça fait pour moi, c'est le schéma répétitif de tout. Même si tu fais le lundi un échange et le mardi, le mec te renvoie le lien, mais qu'il ne fait qu'une fois, je vois pas le problème. Si par contre, comme nos amis les Belges là, qui avaient fait ça, c'était juste pendant le confinement, je pense juste après, parce que je l'avais eu en ligne, justement, on avait parlé de ça, et c'était vraiment une méthode déployée, automatisée, où chaque jour, il y avait 10 articles, le lendemain, il y avait les 10 backlinks qui revenaient, et ainsi de suite. Ça, c'est flag, c'est plus naturel. C'est Alors, clair. j'aime pas ce naturel, mais c'est plus. On voit que c'est organisé, quoi. On voit que oui, c'est parti Puis encore une fois, organisé, l'échange de automatisé backlinks, même. automatisé, ouais, l'échange de backlinks un à un, il intervient en plein de milieu d'autres backlinks. Il n'y a pas que lui, quoi. Voilà. Mais c'est un peu le tort qu'on a, c'est quand on a trouvé un truc qui marche bien, on essore le On truc. bourrine, Ah, c'est ouais. bon, j'ai acheté des liens sur des plateformes, ça marche. Eh, je rachète tout de suite. Et puis j'oublie le ninja linking, j'oublie plein de choses, quoi. Allez, Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Justement, bon, voilà, maintenant, on a un petit peu fait le tour de ces liens, entre guillemets, faciles. On a fait des annuaires, on a fait du commentaire. Alors, on ne rentrera pas dans le ninja linking tout de suite. On en reparlera peut-être si on a un peu de temps tout à l'heure pour automatiser tout ça, malgré tout. Mais si je reste dans de l'artisanat, enfin, dans du... pas à grande échelle. Allez, première étape, si je veux aller un petit peu plus loin maintenant, de ces liens naturels, qu'est-ce que je peux avoir comme bonne idée pour aller trouver du backlink un peu facilement finalement? Alors, moi, je me suis dit, bah, je peux peut-être aller voir les liens de la concurrence. alors là, ouais, tu es déjà dans une étape, moi, il y a encore plus simple à faire avant. D'accord, vas-y, vas-y, Ça, allez. bah déjà, je demande à tous mes potes qui ont un site si on ne peut pas regarder pour essayer de se faire un petit lien, quoi. Ouais. Voilà, je suis peintre, toi, tu es plâtrier. Tu vois, je prenais l'exemple, j'en parlais avec mon maçon hier. J'ai le mec des bandes qui vient et j'ai le carreleur qui vient. Ils se connaissent. Et ils n'ont jamais parlé plus que ça.
Il pose les carreaux, l'autre il finit des bandes en haut, machin. Parfait. Donc il fait les joints en bas, l'autre il finit une bande en haut. Bon. Et ils me disent, ouais, d'ailleurs, tiens, toi qui tu nous avais parlé du Bien référencement, tu sûr. voudrais pour notre site. Je dis, bah déjà, vous êtes deux dans la même thématique, vous ne faites pas un lien l'un vers l'autre. Voilà, déjà. Donc le maçon, il dit, tout simplement, moi je bosse avec machin carreleur, le carreleur, moi je bosse avec machin qui fait des bandes, un petit logo, un petit lien, voilà quoi. Et c'est pas parce que tu vas en faire 5-6 entre artisans que, ah là là, la péna, le truc, énorme, quoi, voilà. Tu l'étales un petit peu dans le temps, mais je veux dire, déjà, rien que par vos contacts professionnels naturels, vous connaissez plein de consultants. J'avais fait un jeu un jour à la CCI, donc tu avais tout un tas de un peu des activités, c'est plutôt du consultant, de l'indépendant ou autre, et personne ne s'échangeait entre eux. Personne. Alors qu'en fait, tu avais 60 pélos dans la soirée et tu pouvais prendre 20 liens ce soir-là, quoi, facilement. En disant, bah, écoute, demain, je te mets un article sur mon. Tout le monde a sur son WordPress d'entreprise un peu B2B, tout le monde a une section Ouais, bien B2B. sûr. Voilà. Demain, je te fournis un contenu là-dessus, toi, tu m'en fournis. Donc, le côté réseautage, alors moins maintenant, effectivement, mais le côté carte de visite fonctionne toujours. Donc, ça, voilà. Tout à fait. Les Oui, fournisseurs, pensez même. à, c'est toujours ce qu'on disait, hein, pensez à être généreux sur ces liens-là, donner des liens aux gens que vous rencontrez et forcément, Entre inversement, nous, ouais. moi je suis je suis fournisseur d'un client. Je lui dis, bah tiens, ça t'intéresserait que je te fasse un petit lien. Je sais pas, je suis carreleur, je lui dis, tiens, Bruno, toi qui fais les bandes, ça te dirait que je te cite sur mon site, qu'on a bossé ensemble et tout. Ah ouais, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que ça va t'aider à monter un peu en SEO et tout. Ah bah moi, je peux pas le faire pour toi. Il va forcément te Bien sûr, proposer. c'est C'est sûr. l'histoire de Laurent Bourelli, les donneurs et les C'est receveurs. À ça. un moment donné, quand on fait que recevoir, ça s'épuise. Et quand on fait que donner, je suis quand même persuadé qu'il y a un karma qui revient. Il y a un truc, c'est peut-être long, c'est peut-être pas scientifique, mais il y a pour moi une petite aura qui revient. Donc, faire le tour déjà auprès de ses clients. Alors, quand on est en B2C, c'est peut-être plus compliqué que du B2B, mais à un moment donné, vous bossez toujours pour une assoce, pour une mairie, pour un truc un peu officiel, en disant, bah, écoutez, est-ce que je peux vous citer et vous faire un lien? En plus, ça va optimiser votre référencement. Nanana. Après, vous revenez quelques mois plus tard, vous redemandez un lien. Il ne faut pas hésiter à le solliciter, hein. Le lien, c'est comme l'avis client, il ne vient pas tout seul. Auprès des fournisseurs aussi, bah, voilà, vous me citez dans vos pages fournisseurs. Vous citez mes concurrents, est-ce que vous pourriez me citer aussi? Moi, je vous cite comme quoi je prends la camelote chez vous parce que je suis content. Voilà. Donc déjà, quand tu as fait le tour des connaissances du réseau, que c'est régulier, que c'est tes fournisseurs et tout, pour moi, je veux dire, il n'y a pas besoin de, je veux dire, avec 50 backlinks, déjà, on fait un beau site, quoi. Oui, Ah. encore plus que si tu es Local. sur un petit commerce, un artisan, sur du local. Déjà, en ayant fait ça, il y a de grandes chances que vous soyez meilleur que la grosse majorité des gens qui sont autour. Donc, Donc déjà, j'ai fait 4-5 liens, 6 liens d'annuaire, j'ai été chopé 5-6, déjà tu en es à 12, j'ai fait 5-6 annuaires, on arrive à une vingtaine. Voilà, donc déjà, là, c'est les liens simples. Et après, tu me dis, donc on a dit Bon, qu'on a été faire on a un fait peu. ça, on n'est pas encore premier sur notre thématique, finalement c'est un peu concurrentiel notre De toute façon, on thématique, vient de lancer notre site, on donc va essayer d'aller un peu plus loin. on vient de lancer notre site. On a fait un peu d'annuaire, donc on en parlera sur de l'annuaire, voilà. Éventuellement, on a commenté du blog, on a été voir aussi des forums sur lesquels on a échangé, on a vraiment posé une question, on a vraiment répondu à un autre. On peut la faire en mode un peu plus margoulin. Est-ce que vous avez trouvé ce site web-là? On crée deux personas. Le premier, est-ce que vous avez créé, est-ce que vous avez déjà acheté sur ce site web-là? Il vient de se lancer, je suis pas certain, mais les prix sont super bons. Vous attendez 3-4 jours, un autre persona rentre en compte, mais qui lui avait déjà répondu à d'autres commentaire, parce que sinon c'est flag, qui vient dire, ouais, moi j'ai acheté la semaine dernière, ouais, c'est top, pouce en l'air. Voilà. Donc on peut jouer à un truc un peu schizophrène là-dessus, sur des forums et tout. Ça marche aussi. Et puis on peut aussi aller chercher du lien vers d'autres gens qui ne nous connaissent pas, tout simplement en démontrant une expertise et en disant, voilà, moi je suis expert de. Je suis carreleur sur Orléans, j'ai carrelé plus de 10 000 mètres carrés, je sais faire ceci, cela. J'ai vu que vous aviez un blog sur la thématique des travaux des bâtiments. Est-ce que je pourrais rédiger un truc carré avec des photos, des vidéos bien propres de 500-600 mots et en échange, vous faites un lien vers chez moi et vers chez d'autres, quoi. Voilà. Alors, il y a des thématiques où dès que tu rentres dans l'artisanat, c'est souvent du lien payant. C'est rare qu'un blogueur fasse un truc, voilà, mais il y a plein d'autres dans les blogueuses mode, les blogueuses beauté.
les domaines de la chasse, de la pêche, du jardinage. Tu as encore plein de fans qui animent leur petite communauté, genre leur petite ou grosse communauté, mais qui animent leur site de manière un peu artisanale et qui sont heureux de recevoir un guest blogueur. Ouais, et après, et tu vois, ça c'est un truc que moi, typiquement, sur lequel j'ai pas forcément été bon moi, quand j'ai été e-commerçant. C'est vrai que la gestion avec ces influenceuses, parce que moi j'étais dans la mode, hein, je la gérais pas forcément bien parce que à l'époque, moi je le voyais juste en me disant, je veux avoir déjà des gens qui ont une grosse communauté pour que ça m'amène beaucoup de trafic. Mais en fait, si j'avais été un peu plus malin à l'époque, déjà rien que prendre du backlink, j'aurais été content. Donc même avec des petites personnes, enfin des petites influenceuses avec des petites communautés, Du backlink. un petit backlink plus un petit backlink plus un petit backlink, ben ça vaut un gros quoi. Il y a un petit backlink méga thématisé, hein. Ouais, c'est clair. Une blogueuse qui parle de mode qui envoie vers un site de fringues C'est ou clair. un site de chaussures ou de voilà, je veux dire, à un moment donné, voilà, on en parlera au moment des choix de domaines expirés pour les PBN. Voilà, je vois des domaines qui n'ont pas été achetés au Snap, qui n'ont pas été achetés aux gens qui se retrouvent à 5 balles. Je ne comprends pas comment c'est passé à travers les mailles du filet, tellement c'est beau, quoi. Ouais, Pour certaines c'est thématiques, on est bien d'accord. il y a des miettes qui restent et dont on peut Ouais. profiter. Et moi, le premier, je snap jamais un domaine. J'achète des miettes ou après je vais chez des domaineurs quand j'ai un peu plus de Oui, besoin. oui. Mais bon, on en parlera un Ouais, petit peu après. Mais rien qu'avec les miettes, on peut déjà s'amuser. Hein, même des domaines qui ont que entre 5 RD, 6 RD, 7 RD, ça suffit. Enfin, ça permet de faire du lien. c'est toujours là, ouais. Donc non, après, voilà, l'idée, c'est de se faire un peu reconnaître comme l'expert un petit peu dans ta thématique. Alors, c'est un grand truc. C'est facile à dire, quoi, mais effectivement, c'est très compliqué à faire. C'est petit à petit par de l'échange, par du LinkedIn, par du Facebook, par des réseaux sociaux, par des vidéos que toi tu vas produire, d'essayer de te faire, de te faire identifier et que des gens se disent, bah, tiens, je vais l'inviter à parler, je vais l'inviter à écrire un contenu ou je vais l'inviter à échanger. C'est aussi l'envie de produire du contenu, des photos, en disant, bah, tu utilises ma photo, mais tu viens venir mettre ma mention en dessous, de faire une infographie. De faire deux fois une notice d'utilisation, une notice d'usage sur un produit. J'ai déjà vu pour un client des produits étrangers dont les notices ne sont pas traduites. Il a fait traduire les notices, qui n'a pas coûté très cher. Voilà, vous utilisez des parties de ma notice pour vos thémas. Par contre, vous me mettez un petit lien en dessous, quoi. Un petit truc que moi je fais pas assez, que je trouve qu'on devrait beaucoup plus faire aussi, c'est de se mettre une alerte de branding quoi, sur notre marque. Et finalement, à chaque fois qu'un site va parler de nous, parce que des fois il y a des sites qui parlent de nous et qui font pas de lien, bah, Oui. ça coûte pas grand-chose d'aller les contacter et de leur dire hey, coucou, tu parles de moi, mets-moi un petit lien, quoi. Un petit Google Alert, quoi, tout Ouais, simplement. c'est ça, ouais. Simple à faire, ouais. Mettre un petit Google Alert, puis dire, voilà, ça serait sympa de me faire un lien. Je peux te rajouter un petit paragraphe Ouais. où je peux venir Je te donne un compléter. petit peu de contenu, ouais. Ouais. Alors après, ça peut aussi être. Alors, il faut l'amener intelligemment, mais ça peut venir aussi compléter un article en disant, bah voilà, j'aime bien votre article. Moi, alors là, je suis sur une thématique des masques en tissu, je l'ai fait pas mal. Vous avez parlé de masque en tissu, machin. J'ai vu que vous n'avez pas parlé de cette section et cette section-là. Peut-être que vous n'avez pas eu d'expert dans le domaine. Si vous voulez, je peux vous rédiger quelques mots, venir compléter votre truc. C'est assez bien vu. Alors, en fait, officiellement, sur les blogs, la nana, elle est journaliste santé. Tu creuses sur LinkedIn, elle est responsable SEO et affiliation, machin, dans telle agence web et tout. Et en fait, c'est du contenu vendu, quoi. C'est du contenu sponsor vendu. C'est pour ça que le web reste quand même assez vérolé sur le vrai contenu. Et quand je vois des trucs aussi flag que ça, que des gens ont peur en disant ouais, mais il ne faut pas acheter de lien, et qu'en fait, la moindre RP, il n'y a quasiment plus d'RP sur le web maintenant, plus de relations presse, c'est de la vente de liens parce que certaines plateformes qui viennent critiquer l'achat et vente de liens et ainsi de suite vivent elles-mêmes, sont sponsorisées et vivent par la vente de liens. Sauf que comme c'est une autre régie qui s'en occupe, les journalistes sont pas forcément au courant. Donc c'est assez drôle à voir. Mais ouais, voilà, c'est d'aller essayer de poser des contenus, de proposer de rédiger des contenus. Puis c'est aussi de proposer à d'autres de venir poser des contenus chez vous en disant bonjour, aujourd'hui je fais un article sur les 5 meilleurs blogs dans la théma beauté. J'ai vu votre truc, est-ce que vous me permettez de vous citer, de faire un petit paragraphe de 5 trucs sur vous, de 5 lignes sur vous? Ah oui, bah, pas de problème et tout. Puis vous faites quoi? Et puis on en mange la discussion en disant, bah, du coup, moi je suis dans tel truc, je fais ça. Voilà, si un jour vous voulez parler de tel thème, n'hésitez pas, quoi. Mais c'est la même chose de laisser un commentaire sur YouTube, hein, en disant, ta chaîne, je vois qu'elle prend bien, moi je suis dans le.
Je suis en impression textile. Tiens, tu as fait une chaîne où tu parles de création de vêtements. C'est vraiment bien ce que tu dis. Tu pourrais aborder tel point. Moi, je le vois dans mes clients, ils galèrent, quoi. Sur tel sujet, n'hésite pas à en parler. Ah ouais, bah, tu sais quoi, je t'invite, on fait une interview, comme ça, on en parle à deux. Alors, bah, voilà. Et la vidéo va se retrouver sur un blog où il y aura un lien vers chez toi. Et voilà. Et Ok. Tout ça, c'est ouais, c'est très comment je vais dire? Voilà, faites vivre votre communauté, allez chercher des contacts, faites du réseau dans la vraie vie, ça vous emmènera du backlink j'ai envie de naturellement. dire, c'est un peu, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, hein, si tu écris partage apprécié ou liker SVP, les gens like, les gens partagent, quoi. En C'est fait, ils ne vrai. savent pas de quoi tu as besoin. Donc, le truc, c'est de dire le besoin. Et moi, j'hésite pas des fois sur des. Alors, pas forcément. Je ne suis pas aussi bourrin sur le netlinking sur Twitter que certains où ouvertement, ils vous montrent un domaine. Tiens, j'ai tel domaine sur lequel on vend du lien ou je cherche à acheter 10 liens pour tel thème. Je suis un peu plus discret que ça, quoique je suis pas non plus parano, mais je fais un peu plus gaffe. Voilà, sur des communautés privées, je dis ouvertement, ben voilà, moi, en ce moment, je lance tel business, il me faudrait quelques liens dans tel truc. Je suis prêt à rédiger des articles qui ont de la gueule, qui sont pas des trucs dégueux, pourris, qui sont pas du Google, du contenu Google. Hein, c'est pas du Google Word, c'est vraiment des stratégies derrière. Est-ce que vous pourriez poser sur tel ou tel site? Ah oui, vas-y, parce qu'on a tous besoin de contenu au final. Il faut se mettre à l'inverse d'un webmaster, c'est on a besoin de contenu pour animer notre truc. Donc, on nous en donne du bon. Et c'est là souvent où je le vois notamment sur la plateforme Dealer de Temps. Quand tu proposes un bon contenu, il est souvent accepté. Tu proposes un contenu daube, les gens te disent, mais je ne vais pas publier ça, quoi. Et ils ont raison. Donc, en fait, Ah, dès que ça tombe bien, tiens, je l'avais noté dans les choses dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Alors, c'est une plateforme que moi j'ai regardé de très loin jusqu'à maintenant. Je suis inscrit, mais je pense que je suis jamais vraiment allé dessus. Ça fonctionne comment cette plateforme Dealer de temps pour le coup? Alors, en fait, t'inscris ton site web, tu donnes un nombre de points. Alors, c'est une idée qu'on avait eue il y a quelques années, comme toutes les idées que j'ai pas eu le temps de lancer. Nous, on l'avait appelé Buddy Linking. C'était linking entre potos, tu vois. Un peu cette idée, on joue au poker entre potes, on se fait confiance. Bah là, on se fait du lien entre. Voilà. Alors, c'est Vincent Youyou, alors qu'il a un autre nom, mais sur Facebook, c'est Vincent Youyou qui a créé le truc et qui va même plus loin que des idées qu'on avait eues. Soit t'inscris des sites et tu publies du contenu gratuitement et tu gagnes des points. Tu les réutilises à d'autres pour publier du contenu. Voilà. Soit bah, tu achètes des crédits et ces points-là te permettent de publier du contenu. Voilà. D'accord. La seule limite de ce genre de système, c'est que bah, effectivement, toi, tu recherches du spot Megathema et tu es souvent en concurrence avec le type qui est Megathema avec toi, quoi. Tu vois, tu veux une boutique steampunk, par exemple, bah, tu vas sur la boutique du steampunk, j'en sais rien, c'est pas ce vrai nom, mais voilà, le type va se dire non, tu es concurrent avec moi, je ne vais pas poser un lien, quoi. Donc, c'est la limite de la chose. Mais il y a de très, très belles choses à faire sur des sites un peu plus généralistes ou sur des blogs, voilà, ou de gens qui recherchent du contenu, qui sont tout simplement très heureux de recevoir du contenu. Toi, tu gagnes des points, tu publies, mais l'échange se passe très bien du moment que tu publies un contenu De de qualité. qualité. Voilà. Et effectivement, je vois trop de gens qui disent, ouais, mais l'échange de contenu, ça ne marche plus, les gens veulent plus publier gratuitement, nanana. Non, c'est que vous proposez un contenu dope que tout Ouais, le c'est monde ça. aura. Ah, Donc, je oui. vois pas l'intérêt de venir pourrir mon blog. Si c'est pour un truc qui est vu et revu, Ouais, quoi. tout à fait. Ouais, il faut apporter quelque chose au sujet, il faut avoir sa petite patte personnelle, il faut c'est sûr que si on fait un contenu qui est juste là pour faire du SEO et qui apporte rien, ça, dans le principe, tout le monde sait faire, quoi. Faites-le sur votre propre réseau de site, faites-le Voilà. avec des potes en C'est ça. voilà, des gens qui acceptent, mais si vous voulez aller sur d'autres sites, voilà, genre, toi, tu vois le site de ton agence. Si demain je te fais un contenu sur le netlinking, il faut que j'ai un truc quand même assez calé, quoi. Deux, Bah, trois mille mots, c'est des sûr, c'est exemples, sûr, des. Voilà. c'est sûr. Ok, alors est-ce qu'on essaye de chercher des liens cassés via des outils, se dire tiens, tel site dans ma thématique, il y a tel lien qui est cassé sur ce site, est-ce que je me dis bah, je rachète le domaine qui s'il est pas s'il existe encore, puis j'en ferai quelque chose, ou je les contacte pour leur dire bah hey, vous avez un lien cassé dans votre thématique, là, les gars, moi c'est mon boulot. Là, on rentre dans les techniques un peu plus énervées, mais qui marchent très bien, ouais, c'est de se dire bah, quel meilleur lien que celui qui vient de ton outil. Avant de parler de l'achat de liens et des PBN, on rentre un petit peu Oui. dans de l'énervé quand même, il faut y aller, hein. Ouais, non, mais là, ça reste du gratuit. On a des petits Voilà. outils, on a du Xenu, on a du Screaming Frog en mode gratuit, on a des petits crawlers qui nous permettent de faire la chose. On a Expired Pack qui est passé en mode gratuit. Alors, je n'ai pas eu l'explication de pourquoi il est passé en mode gratos, mais maintenant, vous pouvez, sur une liste publique, tout ce que vous crawlez,
C'est-à-dire, en fait, vous inscrivez des sites web à crawler. Le vote va gratuitement aller crawler les sites web. Il vous ressort OK. tous les expirés trouvés. Il y a à D'accord. boire et à manger. Par contre, c'est une liste publique. Et si vous voulez payer, vous gérez votre propre liste qu'il Alors, vous dit. expiré ou lien cassé, est-ce que ça peut être un domaine qui n'est pas expiré, mais ils ont enlevé la page, on va dire des liens cassés, quoi, tu veux dire? En fait, il vient crawler le site web. Voilà. Il retrouve tous les liens sortants Ouais. dont le domaine est public. Et dans le domaine public, c'est-à-dire C'est qu'on peut ça. l'acheter pour Ah 5 oui, euros. d'accord, eux, ils te sortent cela. Parce que derrière, ça peut être aussi intéressant de se dire, bah, peut-être que le lien, il est en 404, la boîte existe encore, mais ils ont viré la page, et toi, tu peux venir te remplacer, prendre la place, quoi, pour le Alors coup. oui, toi, tu étais vraiment Proposer dans un la première contenu. option. Ouais, alors tu étais Ouais, dans la première. j'étais encore en mode un peu clean pour l'instant. Ouais, donc le mode un peu clean, pardon, c'est de dire, bah voilà, vous aviez fait un lien sortant pour parler de tel sujet. À ce jour, le site n'existe plus. Vous avez un lien Ou la cassé. page n'existe plus, Ou ou la voilà. page, Ouais. voilà. Donc vous pointiez vers slash trucbidule.html et maintenant ça renvoie une 404. Le mec en face, son domaine, il a même. Ou alors il a redirigé en C'est 301. ça, Et en fait, la page n'existe plus. Donc oui. soit une Donc, redirection. c'est plutôt un mauvais signal qu'on envoie à Google, hein, quand on a un lien vers une page qui n'existe plus. Donc, Donc, si vous faites du consulting ou agence web, vous pouvez même amener un conseil en disant bah, sachez que ce n'est pas top pour votre propre site web. On pourrait résoudre cela. Bah, moi, j'ai un autre contenu comme ça, gratuitement. Je vous invite à me linker. Et puis après, on peut échanger, on peut faire plein de choses. Ça, ça fonctionne. Je n'ai pas eu des résultats flagrants. C'est-à-dire, quand je fais ça, c'est que je vais chercher les miettes, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que probabilité de tomber sur le site web qui parlait de mathéma. Et qu'il y a une 404 en face ou une URL qui n'existe plus, ça commence à. Il y en a, mais c'est plus beaucoup, quoi. Mais il y en a, ça peut. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de concurrence, faites-le quand même, quoi. Après, ouais, on verra après la deuxième partie dont tu voulais parler, de se dire bah, si ça pointe vers un domaine qui est disponible, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça, je voulais en parler un petit peu après. Je veux dire qu'on est plus on va s'enfoncer dans la partie sombre. Et je voulais avant bah, qu'on parle quand même de ce fameux achat de liens, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a envie de vendre des liens, quoi. Bah oui, Et c'est puis, tu vois que ça devient un truc, ça passe sur BFM TV, quoi. ouais, c'est alors pour ne citer personne. j'ai eu une réflexion. Alors au-delà de ça, on a eu peur un peu comme pour le concours SEO, c'est trop gros, c'est trop visible, on est trop vu, nanana. Smartphone pliable à l'époque. Là, c'est Nico, SEM juste pour ne pas le citer, qui passe sur BFM. Ça fait du bien aussi au métier d'expliquer ce qu'on fait, Ouais. dédramatiser le SEO. On n'est pas des sorciers, ce n'est pas des formules magiques, on ne fait pas des incantations. C'est un truc carré, c'est un vrai métier. Vous payez pour un vrai service. Voilà. Et si vous avez des Ça a un gens, gros côté pédagogique, en effet. Ouais. là-dessus, moi, je suis super clean. Au-delà de ça, alors là, je ne citerai plus de nom. Parce que je ne voudrais pas les faire. Voilà, qu'on nous dise, ouais, tu t'avais dit de ne pas répéter. Ouais. Quelqu'un qui met 150 balles dans un lien, globalement, il va quand même soigner son site web et son offre. Voilà. Ouais, on avait Quelqu'un, échangé de ça déjà. voilà. Ouais. Bon, quelqu'un qui va aller foutre des liens sur des forums en mode gratuit, qui va créer du web profil sur Ciné. Après, enfin, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, tu voudrais dire que, et c'est un peu officieux, mais tu voudrais dire que finalement, Google, il se dit, si le gars, il est prêt à acheter 150 euros de lien, c'est que c'est un gars qui fait quand même de la qualité. C'est un peu ça que tu es en train de me dire, J'ai quoi. pas dit que Google se disait ça, j'ai dit que Google pourrait se dire Pourrait peut-être se dire ça. et que la réflexion n'est pas débile. C'est-à-dire, effectivement, si le gars est prêt à dépenser plusieurs centaines d'euros dans un lien, c'est que derrière son business tient la route, il n'est pas là pour arnaquer mon client. Et s'il se positionne, c'est que son offre doit tenir la route parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec du learning to rank et notamment Rank Brain, même si ton site, tu viens venir premier parce que tu as poussé très très fort, mais que ton offre est décorrélée, t'es trop cher, tu as un site pourri, l'expérience utilisateur est mauvaise, le gars il sort, il retourne dans la SERP, l'internaute retourne sur le lien de ton concurrent, tu peux être certain que ton concurrent te passe devant. Et ainsi de suite, et tu Bien sûr. dégringoles. Aujourd'hui, travailler le off-site sans avoir un bon on-site avec des bons signaux on-site, alors ce n'est pas forcément mauvais d'avoir un taux de rebond élevé. Il y a certaines thémas où on cherche une date, où on cherche une heure, on a trouvé la réponse sur Wikipédia, on se barre. Voilà, le taux de rebond est élevé, pas C'est gênant. normal, c'est Sur un normal. e-commerce, c'est un peu plus, c'est moins souvent que le taux de rebond doit être élevé. Le taux de rebond doit quand même lire la page produit, on doit se renseigner, lire des prix, des choses comme ça.
Voilà. Mais il y a plein de signaux, notamment avec Google Chrome, que Google arrive à voir assez facilement, hein, de savoir bah, est-ce que ton lien plaît à l'internaute. Donc, je me dis, effectivement, moi, j'ai un projet un peu crado, black hat, où mon produit, je n'ai pas envie d'y mettre des sous, je ne veux pas investir. Je vais plutôt aller poser des liens gratos sur des forums, sur des blogs, me créer un web profil au TEDx, me créer un profil sur Quant, me créer un profil sur le truc du cinéma, Allociné, me créer un profil sur Uber Eats, voilà, des choses comme ça. Et puis, je vais caler mon petit lien dès que j'ai un petit champ ou dès que j'ai une petite bio, une petite description, quoi, par exemple. Voilà, ça, c'est l'affût, la dégénérescence, j'ai envie de dire, du SEO, c'est dès qu'il remplit un profil sur un service, il faut qu'il cherche un endroit où il calme. On peut mettre un lien. Ouais. Voilà, s'il peut. Bon, bref. mais voilà, je veux dire, quelqu'un qui est dans des techniques comme ça, et ça fonctionne, et ça fait monter des sites, ça fait ranker des sites, il n'y a pas de discussion sur le sujet. Mais à partir du moment où on fait ça, effectivement, est-ce qu'on a un projet aussi long terme qu'un e-commerçant qui dit je mets 1000 boules sur telle plateforme et j'achète 1000 euros de lien. Voilà. C'est une question, j'ai pas la réponse. Non, mais c'est une discussion qu'on a déjà vu tourner, toi et moi, pour le coup, et on a vu passer ça, et c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui. Donc, oui, la vente de liens est beaucoup plus facilitée aujourd'hui via les plateformes, parce qu'effectivement, en quelques clics, c'est simple. Il y a notamment SEMJS qui accompagne beaucoup le client, je crois, où tu choisis pas ton spot, comme sur Next Level, tu vas choisir plutôt ton spot en fonction, donc il faut être un petit peu calé, quoi que tu peux leur déléguer aussi. Alors, si j'oublie une plateforme de lien, vous m'en voulez pas, hein, mais il y en a tellement, les gars, que je risque d'en zapper un. Chez Jackie, Links Garden, bah, c'est de l'accompagnement aussi. Chez Zaxtan, qui est plus du mybag.link, on se débrouille tout seul, un peu plus comme chez WeWantLinks ou t'as tes métriques, et voilà. Mais si tu leur demandes, ils t'accompagnent, les gars, il n'y a aucun problème. Ouais. Je veux dire, il y a vraiment des plateformes où c'est fait pour dire j'ai envie que tu me contactes et qu'on gère pour toi, notamment netlinking.fr. Tout à fait. Ils sont plus là-dedans, c'est écoute, t'embête pas à choisir sur la plateforme, donne-moi ton projet, on a une équipe pour ça. Comme SELG, ce qui te dit, moi je vais plutôt préférer gérer. Et tu as du service et on te fait un package tout compris, on te fait un devis sur 6 mois. Et ouais. Et de toute façon, c'est ça, hein, c'est pas acheter 3 fois 3 liens le mois 1 qui va faire quelque chose, c'est parce que tous les mois vous y revenez, on est bien d'accord. Donc, au moins, quand tu es e-commerçant, que tu n'as pas trop envie de te prendre la tête avec le SEO, tu délègues sur une plateforme qui ne fait pas agence web, attention. Toi, des fois, agence SEO, agence web, plateforme. C'est un petit peu proche quand même, hein, même si on essaye d'y manger pour tout le monde. Mais au moins, tu délègues cette partie-là et tu dis je m'occupe plus du off-site, j'ai des gens qui achètent pour moi. Moi, à mon sens, c'est dangereux d'avoir que du lien qui vient de plateforme parce que c'est la même typologie de lien. Checkez vos IP, par exemple, hein, les vendeurs de liens qui se mettent sur O2Switch et vous pensez avoir acheté 3 routes de domaine, mais en fait, vous avez 2 fois la même IP. Je dis O2Switch, je les adore. Ce n'est pas du tout de leur faute, mais ils ont une offre qui est tellement performante et pas chère qu'on peut héberger des dizaines de WordPress chez eux. Alors, il y a quelques failles. Oui, il y a quelques. Attends, tu payes 60 balles par an et des fois, tu te prends quelques 503. Oui, donc, non, mais c'était même pas par rapport à ça. Enfin, je hochais de la tête, pas forcément par rapport à ça, mais finalement, aujourd'hui, sur une IP mutualisée comme un O2Switch où tu as peut-être 500 sites, dont 10 qui sont à toi, est-ce que réellement Google peut y voir un pattern sur l'IP, quoi? Pas un pattern sur l'IP, mais tu peux te retrouver en ayant acheté 4-5 liens avec 2-3 fois la même IP dedans. Alors que pour le même prix, tu aurais pu quand même avoir que des IP neuves. Oui, d'accord. Ah. Mais bon, ce n'est pas forcément anormal sur une IP où il y a 1000 sites dessus, quoi. Pas du tout. Les IP OVH, là, tu regardes le nombre de sites qui a cramé avec le nombre de sites coupés, s'il fallait pénaliser tout ce petit monde-là. C'est ça. Pour moi, l'IP n'est pas une pattern. Autant si on commence à mettre des PBN sur un serveur privé ou on a notre IP à nous, là, ça va être un red flag tout de suite, mais sur du mutualisé. J'ai vu fonctionner à une centaine de noms de domaine sur une seule IP, ça a marché très bien pendant des années. D'accord. Comme quoi, Comme quoi. Mais en fait, c'est ce que je disais au début, c'est ce que Google va check, ce qu'il peut check et ce qu'il veut faire, quoi. C'est ce qu'il peut et ce qu'il va faire, quoi. Il y a plein de trucs qu'il peut faire, mais comme ça lui coûte de la ressource serveur, il n'a pas envie d'aller jusque-là. Le seul truc que je voulais dire, c'est à 100 euros le lien, j'ai envie, moi, d'acheter une nouvelle IP, j'ai envie d'acheter une ref IP pour bien moi. Bien sûr, tu as raison. Voilà, c'est juste ça que je dis, mais je ne critique pas du tout le fait d'avoir du multisite sur O2Switch. L'offre est top, ça marche très bien. Ouais, c'est clair. Mais simplement, voilà, à un moment donné, on a une nébuleuse où c'est vrai qu'on se retrouve à acheter beaucoup de WordPress
souvent généraliste, avec deux, trois thémas en menu, pas forcément clusterisé, où on parle un peu de cuisine, de popote, de jardinage, de machin. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention. Je dis qu'il ne faut pas que ça, encore une fois. Je dis, vous en avez une vingtaine, une trentaine. Si vous avez 100 ou 150 referring domain ou referring IP, ce n'est pas gênant. Si vous avez 50 referring domain et 40 proviennent des plateformes, je dis attention, allez vous mettre à faire un peu de lien, allez vous mettre à faire un peu de web profil, allez sur des forums, vous-même allez foutre sur des annuaires, ne serait-ce que pour diluer vos encres, diluer tout ça. Alors si vous achetez par les plateformes, les encres, à moins que vous les gériez vous-même, mais les encres sont généralement pas trop mal gérées. Donc, On reviendra après sur cette ouais. question encore. Pour moi, les plateformes, ça simplifie très bien le Alors jeu. moi, j'ai une question encore pour toi, et c'est une question que m'a posée encore un prospect hier, et je pense que c'est important qu'on en parle. Voilà, le prospect, bon, ouais, c'est un dropshipper, il a une boutique sous Shopify, ça fonctionne tranquillou, hein, tu vois, il fait entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et puis bah, voilà, il veut s'optimiser son SEO, il bosse pas pour le coup sur de la pub Facebook, il a bossé il bosse son SEO, puis je lui demande s'il fait un peu de netlinking, il me dit ouais, mais j'ai commencé à faire du netlinking, donc je vais sur une plateforme, j'achète un lien de temps en temps, mais bon, vu que j'ai pas de budget, j'y vais de temps en temps, puis j'achète plutôt un gros lien. Et alors moi, du coup, je te pose la question à toi. Est-ce qu'il vaut mieux, si je n'ai pas beaucoup de budget, acheter plusieurs petits liens à 20, 30, 40 euros, ou une fois de temps en temps, je vais acheter un gros lien à 150 euros? J'ai envie de dire, il faut un peu de tout. Alors, tu sais, dans SEO, on est les plus fortiches de peut-être bien que oui, Ça peut-être dépend. oui. Non, ça dépend déjà de ta stratégie. C'est tu veux faire monter quoi? Est-ce que déjà, avant de faire du netlinking, tu as déjà réfléchi à quel mot-clé tu fais monter? C'est Quel mot-clé va te rapporter exactement plus ce que de je leads? lui ai dit. En fait, il n'avait pas de logique de mots-clés, Et de... acheter un gros lien envoyé vers la home, ouais, cool, ouais, ok. C'est ça. Cool. Si demain tu me dis bah non, moi voilà, je suis dans la fringue par exemple, Et ce que je veux c'était faire. exactement son problème, hein, pour le coup, pour revenir sur cet exemple-là que je trouvais intéressant, sur son mot-clé sur lequel il veut se positionner, qui est un mot-clé plus ou moins concurrentiel, mais voilà, pour le coup, c'était sa home qui se positionnait, alors que pour moi, la logique aurait été, quand on regarde la SERP, c'est des pages catégories d'un e-commerce qui se positionne, et forcément, sa home sur laquelle il avait envoyé deux, trois liens avec des gros liens, comme il disait, avec une encre un peu opti, elle était en 95e position, parce que sa home, elle n'était pas conçue, Google attendait pas ça comme type de page, et puis de toute façon, elle n'était pas optimisée en termes de Elle ne contenu. convertit pas, même si tu la mets en premier, tu la testes, Exactement. tu vois qu'elle ne convertit pas. De toute façon, il y a un exemple très simple, hein, c'est pour voir si votre page répond à la question de l'internaute, c'est de faire de l'AdWords, cramer de l'AdWords en 3 jours. Si tu vois que tu n'as pas de vente derrière, alors l'AdWords n'est pas forcément rentable, attention, sur une première vente, notamment si tu vends des petits montants, il faut vendre des choses assez récurrentes quand même, hein, ou que le client revienne, ou qu'il ait plus de choix à mettre dans son panier. Mais si déjà votre page a converti mal, c'est-à-dire que si déjà vous n'êtes pas à 2,5, 3, voire 3,5%, c'est élevé, mais c'est quand même pas mal de tomber là-dessus. 3,5% de conversion, c'est que l'internaute arrive sur une page qui n'est pas conçue par rapport à son intention de recherche, quoi. Il a tapé un nom de produit, il arrive sur la fiche du produit, mais lui, il voulait plusieurs offres de produits. Il voulait du rouge, du C'est noir, du ça. papa, du maman, du truc. Et à contrario, des fois, il arrive sur une offre de plein de produits, il est perdu parce que lui, il voulait qu'un truc, Ouais, ça quoi. dépend vraiment de son intention de recherche. Qu'est-ce qu'il recherche à ce moment-là? Il faut trouver mettre la bonne page face à la bonne expression de C'est recherche. ça. Donc moi, je parle beaucoup d'off-site en disant bah, on est tous capables de faire du on-site. Oui, en amont, ça veut dire qu'on a identifié nos mots-clés, on a réfléchi aux mots-clés business, sur quoi on veut se positionner. Et effectivement, des fois, genre, on oublie ça, mais genre, la puissance du lien, on l'oublie tellement qu'on réfléchit à mettre des sommes et tout dans des liens de dingue et tout. Mais si vous envoyez ne serait-ce que 3, 4 petits liens très thématisés, avec une belle page en face qui parle bien de la même chose sémantiquement que vous et qui link avec une encre de manière intelligente, même sur une petite requête à 7-8 000 recherches mensuelles, avec le jus de votre site, si votre site il est déjà là et que le nom de domaine il a de la patate, quand le maillage interne s'est linké intelligemment, vous avez du résultat. Là aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un maillage interne qui n'est pas maîtrisé, on ne sait même pas quel mot-clé on veut faire monter et on va aller acheter du lien en envoyant un C'est peu au. ça. Tiens, C'est je vais envoyer exactement vers ça. telle catégorie. Oh, bon, là, je vais envoyer vers ça. Tiens, on m'a dit que le blog, c'était bien. Je vais envoyer vers le blog. Oh, bah maintenant, c'est vers ma home, quoi. Alors que c'est le netlinking, il est Il est chirurgical, quoi. chirurgical, ouais, c'est exactement ça. Je sais comment Et ma page. ouais, c'est un truc,
Pour le coup, bon, je pense que tout le monde fait comme ça, mais moi, je trouve qu'un outil comme ça s'appelle comment, Competition Checker, je crois, dans SEO Observer, qui te permet de voir la SERP sur le mot-clé que tu veux aller positionner, et tu vois bien le nombre de liens des concurrents de Interne ton et top route 10. humaine, ouais. Tu vois exactement ce qu'il y a sur la page et sur le route. Alors, c'est vrai que bah, des fois, tu vois des gens qui ont un lien sur la page, mais qui ont un route qui est costaud, donc tu sais pourquoi ils sont là. Et puis, en échange, tu as des petits sites qui ont 5, 10, 20 liens, et tu te dis, bah, OK, voilà mon objectif, quoi. J'en parlais avec Pascal parce qu'il s'était pas énervé, mais il avait gueulé contre je sais plus qui dans une conf de DERF qui avait dit je vais vous montrer comment on fait du SEO en fait. Alors, je schématise, c'était pas tout à fait ça la Sans faire conf. de lien. Voilà, on dit en gros, c'est un truc un peu qui capute, mais ce que t'es fun, c'est de dire voilà comment ranker sans lien, quoi. Mais en fait, il s'est fait un trust sur le domaine on discutait avec Alexandre Turiot il y a très longtemps déjà, C'était radin.com. l'exemple, pour le coup, c'était Macway, hein, de mémoire, l'exemple, je crois. C'était donc bon, ouais, Il y a du lourd y a derrière. du lourd sur le domaine, ouais. Radin.com, vous leur faire mettre, vous créez une page, vous mettez n'importe quoi dans la title, je suis sûr qu'on fait un top 5 ou un top 6 parce que le domaine est tellement. Mais avoir un domaine puissant, ça tombe pas nulle part. Le mec a bossé des années Bien sûr. pour route domaine, il soit costaud. Mais si votre page est mal linkée, le route domaine, il sert à rien. Si vous avez un domaine costaud, mais que vous avez des fuites de page rank, que sur la baignoire, à ce moment, en ayant des fuites à tous les tuyaux, quoi. Donc à un moment donné, c'est bien réfléchir, avoir visité son site comme Google. Un lien, un jus qui part. Et on cartographie sur un Xmind. Quand on prend le truc un peu, alors on peut faire des audits, Cocon SE est parfait pour ça quand on le maîtrise un peu, notamment quand on reprend des gros sites qu'on n'a pas conçus, où plusieurs référenceurs sont passés dessus, où il y a eu plusieurs migrations ou autres. C'est vrai qu'un Cocon SE, on voit tout de suite la fuite. Mais on Après, il visite pas. faut savoir un peu lire, c'est pas forcément trivial, mais ouais. Voilà. Et toi, c'est bien ce que tu dis là, parce que tu as commencé la conférence en disant, enfin l'interview en disant le netlinking, le off-site, c'est 80% du boulot, mais si tu n'as pas fait les 20% sur le site, bah, tu remplis une baignoire qui se revide toute seule, quoi. Ouais, il est moins conséquent en termes de boulot. Et encore en le disant, je m'aperçois que je dis peut-être une bêtise parce que j'avoue que faire des fiches produits, c'est très long. Remplir le site web et le contenu, c'est très long. Mais j'ai envie de dire, sur toute la durée d'un site web, si on fait des fiches produits et qu'on se dit que son offre a duré dans le temps et qu'on n'a pas toujours besoin de la renouveler ou un petit peu, une fois qu'on a fait son off-site, on a ses mots-clés, on est bien organisé, on a rangé les bons produits dans les bonnes sections, on a bien linké intelligemment le maillage interne. On n'a plus que du off-site à faire, j'ai envie de te dire, quoi, en termes de SEO. Si on vient mettre du charbon dans la machine, et tant que la machine, elle n'a pas atteint plus vite que le premier, la vitesse de 188 miles à l'heure, tu vois, on était parti sur la base de la conf avec une DeLorean derrière au lieu d'avoir l'entrepôt là. Et retour vers le futur en disant bah, en fait, j'ai l'impression qu'en netlinking, je reviens en 2010, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est ton CF pardon, que tu viens mettre dans ton link et dans ta machine, elle vient alimenter le moteur. Une fois que le moteur y tourne, bah, on lui demande de prendre de la vitesse, quoi. Ah, OK. 80%, c'était peut-être plutôt l'efficacité, on va dire. Voilà, c'était pas forcément en termes Ouais, c'est pas forcément en de sorte kilos, de quoi. travail, mais en termes Les d'efficacité. Ouais. 20-80, quoi. Mais ouais, si t'as pas un bon on-site, forcément, tu vas investir à perte. Ça se rattrape toujours, mais c'est des fois plus Ouais, compliqué. Donc, ça ça sera coûte plus 301, long, c'est ça sera. Ouais, c'est Apple. ça. Ouais. Et puis un lien qui est acheté, hein, je reviens dessus encore, vous comprendrez plus tard, un lien qui est acheté, c'est compliqué de faire modifier l'encre. Compliqué de faire des mises à jour sur ce lien. Alors, quand vous passez par une plateforme, j'ai envie de dire, c'est le moindre des mal parce qu'ils sont super sympas. Moi, ils me l'ont fait plusieurs fois. Ils m'ont arrangé des petits trucs qui ne me plaisaient pas. Je dis, est-ce que tu ne peux pas modifier ça? Ouais, il n'y a pas de problème. Quand vous faites du pur échange ou que le site change de main ou autre, des fois, c'est plus compliqué, quoi. Donc ça fait partie, pour le coup, d'un bon enchaînement avec la suite. Ça fait partie des problématiques qu'on peut avoir sur les plateformes. C'est que, en effet, une fois que le lien est parti, et finalement, c'est vrai pour les plateformes, mais c'est vrai aussi pour les échanges, tu le disais très bien, on maîtrise plus rien. C'est pas à nous, quoi, ce truc-là. Donc moi, j'ai entendu parler d'une technique Black Hat, là, les PBN. Mais bon, moi, je me dis, les PBN, c'était un truc qu'on faisait il y a longtemps. Aujourd'hui, ça ne doit plus marcher, ça. Ça marche toujours. Ma question, c'est pourquoi les Péronais me répondent souvent parce que c'est compliqué pour Google de couper le jus d'un site web. Moi, je vois pas ce qui est compliqué de dire à partir du moment où le site web il revient dans le domaine public, on le remet à zéro.
Voilà. Il n'a plus de lien entrant, il n'a rien, c'est zéro. Ah, attends, tu vas un peu vite Pardon. pour nous là. Donc PBN, ça veut dire Ouais, qu'on en pardon. revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Okay. quand tu parles d'un site qui change de main, c'est-à-dire que nous, les petits Aider. malins consultants SEO, on va aller chercher des sites, enfin des noms de domaine qui existaient déjà, qui ont eu une vie, qui ont eu de l'autorité, et on va essayer de les reprendre pour en faire quelque chose à notre profit. Dédé, qui est populaire pour le tiercé au PMU. Avant, il était agent immobilier. D'accord? Il avait créé ddimo.fr, un bon nom de domaine. Et ddimo, bah, dans sa vie, pendant ses 20 ans d'agent immobilier, il a reçu des liens. Il a été inscrit à la CCI, il a reçu des liens d'annuaire. Il a peut-être fait bosser une agence SEO. Il a eu des potes qui lui ont fait des liens. Voilà, le site a vécu, il y a eu du contenu. Il a peut-être écrit des articles de blog. Il a fait plein de choses, Dédé. Il part en retraite. Est-ce que Dédé, il sait qu'il peut vendre son nom de domaine? Est-ce qu'il s'imagine que des mecs vont aller aux enchères remettre plus de 1500 euros, 2000 balles pour acheter son nom de domaine qui, lui coûte 10 balles par an? Le mec, il nous fait interner tous, tu vois? C'est clair. Il nous fait interner. Il appelle C'est clair. Fleury-Mérogis. Il dit, prenez ces types-là, mettez-les à l'hôtel psychiatrique. Là, il y a un problème. Puis les gens n'ont pas du tout conscience de ça, hein. Enfin, Il y a un moi, tu marché vois, autour de ça. j'ai dernièrement une cliente là, qui avait un site il y a 2-3 ans, qui n'a pas renouvelé son nom de domaine. Là, elle me dit, ah, je vais refaire un site, il faut reprendre mon nom de domaine. Oui, mais en fait, il y a un petit souci, ton nom de domaine, il y a un PBN dessus, donc tu oublies. Voilà. Voilà. Et donc, bah, le nom de domaine, alors je vous passe la cycle de vie d'un nom de domaine, mais en gros, il y a une période où, alors ça dépend si c'est du .fr, du .com, .net ou .org, déjà, ce n'est pas tout à fait pareil, mais en gros, le nom de domaine, il peut, donc vous avez une date auquel il faut le renouveler, vous ne payez pas, vous ne renouvelez pas, vous avez très généralement une trentaine de jours pour renouveler ce nom de domaine, parfois avec des frais, parfois sans frais, et après, il tombe dans une période où il va être cédé, mais il ne peut plus être renouvelé. Et après, il tombe dans une période de généralement 5 jours où on peut, où des registrars, c'est-à-dire des sociétés qui ont l'habitude d'enregistrer des noms de domaine, peuvent racheter et se positionner sur ce nom de domaine-là. Et c'est au plus rapide qu'ils le rachètent. D'accord. Il se trouve aussi des fois que ces plateformes-là n'en veulent pas ou n'identifient pas le site web-là ou autre, et ce site-là retombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Il peut Public, être réacheté pour 5 balles ou 10 ouais. balles. La question, c'est quand vous achetez un nom de domaine, vous ne connaissez pas forcément l'historique qu'il y a derrière. Donc, on a des outils. On a expireddomaine.net qui est gratuit, PBN Premium qui est Premium. beaucoup plus évolué et qui est payant, mais c'est le cockpit de gestion parfait, quoi. C'est la 380, tu as tout. Tu sais parfaitement piloter, tu appuies sur tes boutons, c'est nickel. De notre ami qui nous agace là, avec ses photos de soleil et de Ouais. plage sur Facebook tous les jours là, hein. Il bosse Bon, du coup un peu. on ne le nommera même pas parce que là quand même ça Oui, moi commence je vais le nommer à parce bien qu'il faire. m'a tellement appris Ninja Ouais. Linker que David qu'il m'a tellement appris que Alors, tu vois, faut que je le cite. ça fait partie pour moi des personnes que comme toi je disais que je remerciais pour leur bienveillance, leur gentillesse, leur dispo, ça fait partie de ces personnes-là. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ces photos de plage tous les jours. Enragé quand même de voir qu'il est un pauvre homme. Et non, il est comment dire, il est il a autant donné qu'il est bon. Je pense que ça peut se résumer comme ça. S'il est C'est un excellent, bon il a donné résumé. énormément à tort, à travers. Même des fois sur Twitter, on pose une question, il prend 10 minutes pour regarder mon cas. Nika, essaye ça. Je ne sais pas, mais essaye. Ouais. Bon, voilà, Souvent, ça marche. Mais donc, en fait, bah, par ces outils-là, on identifie les noms de domaines qui sont dans notre thématique et qu'on va pouvoir redéposer pour 5 ou 10 euros. D'accord? Et on va pouvoir s'auto-faire notre propre lien. C'est-à-dire qu'on remonte un site web. Alors, il y a plein de stratégies, mais clairement, on remet du contenu et on s'auto-fait un lien chez nous. Et on est maître du nom de domaine, maître du contenu et donc maître du lien. On choisit l'encre qu'on veut, on la met ou on l'enlève. Si un jour on a une pénalité ou un filtre, on peut s'amuser à tout enlever pour essayer. Chose qu'on ne fait jamais. Hein. Quand on a un site web qui se casse la gueule, le premier réflexe, c'est qu'on ne touche à rien. D'accord? Tant que le cassage de gueule ne dure pas plus de 3 semaines ou un mois, on ne change rien. Parce que justement, la meilleure technique d'être pris la main dans le sac, Oui, c'est de bouger trop voilà. vite, de surréagir. Vous regarderez le mentaliste, la série, il chope toujours le tueur parce qu'il lui fait croire qu'il a oublié la clé dans le hangar et il chope le mec parce qu'il retourne dans le hangar le soir même récupérer la clé et la preuve, alors qu'il n'y a pas de preuve qui est tombée au sol. Il n'y a pas de clé qui est tombée au sol. C'est comme ça qu'on se fait gauler. Donc, Ah, on... c'est pas mal de comparer Google au mentaliste, c'est pas mal quand même. Non, J'aime mais bien l'analogie. dans les épisodes, c'est toujours ça. C'est vrai, Il c'est fait vrai. croire que... Voilà. Donc c'est ça, Google, il ne peut pas savoir qu'on a posé un lien volontairement ou pas. Si on fait bien les choses, il a du mal à savoir que le nom de domaine, c'est nous qui l'avons racheté, que c'est nous qui le réhébergeons et que c'est à nous.
Donc, le seul moyen qu'il a de savoir, c'est de nous tendre des petits pièges et puis de voir si on va tomber, Ah, on va tomber dedans ou pas. j'aime bien ta petite remarque, il a du mal à savoir si c'est nous qui l'avons racheté. Ils ont un petit peu accès au registre, non, pour savoir ça quand même. Google est registrar, donc il pourrait avoir accès au registrar, oui. Je ne le vois pas aller checker des millions et des millions de sites web pour venir faire des comparaisons entre eux. Pourquoi 500 Français qui Cas, font pas de manière automatique, tu veux dire, quoi. ben, il peut de manière automatique, mais c'est Ça serait quel... trop. Non, mais ça lui coûterait trop cher de faire ça. Ah, on ne faut pas oublier que sur l'histoire des PBN et du netlinking, on est 500 connards de Français à bricoler. Hein. Aux États-Unis, ils font pas ça. En Europe, ils bricolent pas du comme nous. On est les seuls. Donc, je veux dire, Ouais. éliminer 500 Gaulois pour Google, il le fera peut-être un jour, mais pour le moment, pour moi, ce n'est pas du tout sa priorité. Hein. Au contraire, on lui montre des failles de temps en temps. Il est au courant. Il préfère être au courant des failles et les laisser tourner que justement les bloquer, qu'on aille en trouver d'autres et qu'après, il faut qu'il recherche encore les nouvelles failles qu'on a trouvées, quoi. Je pense que ça l'arrange plutôt qu'il sait exactement où on est, quoi. Mais j'ai envie de dire, entre soi, là, on parle de PBN. Alors, pour le nom, c'est Private Blog Network. C'est créer un réseau de sites. On parle aussi de MST, Ouais, notamment c'est ce Paul que j'allais dire. Sanchez. J'aime bien la version de Paul, les mini-sites Mini-sites thématiques. thématiques. Ouais, on parle de MST, mini-sites thématiques. Il y a plein de termes, on a trouvé tous des termes un peu rigolos, tu vois, tourne autour du cul ou des trucs pour donner son nom, mais en fait, le private, il est quoi? C'est qu'à la base, il est privé pour toi, quoi. Il n'y a que toi qui connais, tu vois. Et aujourd'hui, le private est passé de je mets mes sites sur les plateformes. Il n'y a plus que toi quand tu mets sur les plateformes. Moi, je suis vendeur de liens, par exemple, j'ai des sites. Ils sont pour moi vraiment privés. Il y en a d'autres qui sont sur les plateformes, mais ceux que vous trouverez sur les plateformes, ils linkent quasiment aucun de mes sites. Parce que je veux bien cloisonner les deux. Je ne dis pas encore une fois que les sites qui sont sur les plateformes se feront éclater par Google. Je dis juste que si tu fais bien les choses à chaque fois que tu publies un contenu sur ton blog, alors déjà on parle de blog, mais moi je parle de site plutôt, hein, parce Ouais, que tout à fait. ce n'est pas du blog. À chaque fois que tu publies un contenu avec un lien sortant, c'est bien d'en remettre quelques-uns sans lien sortant ou avec des liens peut-être sortants aussi, mais diluants, mais tu vois, pas que des articles qui sont vendus, quoi. Sauf que bah, tu en as qui sont pour le profit et ça peut se comprendre et qui font que engranger du lien de l'article sponsor, quoi. À un moment donné, ça fait un peu de sapin de Noël, ça peut se voir. Donc, je dis pas que Google le fera, je dis quand on tire la pelote et qu'on s'aperçoit qu'un WordPress, c'est facile d'identifier un WordPress avec beaucoup de liens sortants de chaque article et qui sort d'un domaine expiré parce qu'il a changé de thématique ou il a changé de modèle. Je veux dire, algorithmiquement, ça se fait bien pour Google, quoi. Voilà. Après, Après toi, aujourd'hui, pour le coup, si Google détecte ça, tu penses qu'aujourd'hui, il te considère ça de manière négative ou finalement, il te dit, bon, allez, ça vaut zéro? moi, je pense qu'il dit ça vaut zéro. Ouais. Et il ne va même pas dire ça vaut zéro parce que pourquoi on serait pénalisé de mettre un contenu intelligent sur De un site? qualité. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment, si j'écris un contenu qui n'a aucun rapport avec mon site web, si j'essaye de gratter des liens en footer ou d'ajouter mon lien vraiment pour ajouter mon lien, tu vois, ou si j'ai un contenu qui est vraiment dupliqué, qui est dégueulasse ou qui n'a pas de sens pour l'internaute, je pense que oui, on peut avoir le jus, on dit bah, ça t'as zéro. Il n'y a plus de flotte qui arrive dans le tuyau, le robinet est coupé. Donc ça veut dire que le lien ne nous sert plus. Mais pour moi, il n'apporte pas du négatif. Il sert plus, quoi. Voilà, il arrive, il est zéro. Par contre, pourquoi est-ce qu'on pourrait me pénaliser, même si c'est mon propre PBN? Pourquoi est-ce que Google va me pénaliser? Parce que j'ai rédigé 1000 mots sur qu'est-ce qu'une goutte pour qu'est-ce que des gouttes pour le nez, quoi. Pourquoi mettre des gouttes pour le nez? Je parlais avec mes étudiants ce matin. Est-ce qu'un chien doit manger du concombre? Puis-je donner du concombre à mon chien? Je vends des croquettes pour clébards. Je fais un PBN avec le titre de mon contenu, c'est est-ce que les chiens doivent manger des concombres? Non, il faut leur donner des croquettes. Je fais un backlink de il faut leur donner des croquettes de boutique machin, de croquettes à Tor. Ah, croquettes à Tor, le meilleur vendeur de croquettes. Bah, au final, j'ai quand même bien répondu à la question de l'internaute. Est-ce qu'on doit donner du concombre à manger aux chiens ou pas? Pourquoi est-ce qu'on va me pénaliser pour Pourquoi est-ce qu'on ça? serait pénalisé pour ça? Parce que c'est mon propre nom de domaine. Alors, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir plusieurs noms de domaine. Si, j'ai le droit. Mais j'ai fait un lien vers un autre site web qui est effectivement aussi à moi, hein, mais qui est le meilleur vendeur de croquettes. Sémantiquement, c'est logique. Le lien est cliqué par l'internaute. Et en plus, j'ai fait d'autres liens par rapport à ça, vers peut-être d'autres Vers vendeurs d'autres de croquettes, sites, ouais. vers d'autres sources officielles, vers d'autres choses, vers d'autres des gens qui ne vendent pas des croquettes, mais qui vendent peut-être des gamelles anti-étouffement, tu sais, ce genre de choses, quoi.
Donc de quel droit Google viendrait me pénaliser pour ça? Voilà. Après, si j'ai un contenu dégueulasse, si j'ai un contenu qui n'est pas informatif, si mon lien n'a pas de rapport, si par exemple je fais un lien vers des fauteuils et qu'à la base je parlais de voiture, peut-être que voilà. Mais je veux dire, cette lubie là de le PBN est interdit, le lien interdit, machin, c'est vrai qu'on manipule, mais à partir de quand on manipule plus, quoi? Ouais, c'est un peu ça. Et dis-moi, on pourrait imaginer aussi qu'un concurrent vienne nous dénoncer si on fait ça, parce que quand même, on est un petit peu en dehors des guidelines de Google. Donc, tu essayes de cacher tes liens, tu essayes de faire des choses dans ce sens-là, toi, ou tu les Ouais. caches tu les caches à SEMrush et compagnie, ou tu laisses tout visible? Moi, alors, ça dépend. Si je veux vendre du lien, il faut bien que je monte parce que le gars Là, qui oui, vend si tu veux du le vendre. lien, Non, mais je parlais plus dans le cas où tu le fais pour toi. il va se branler devant son TFCF. Donc, si je lui en apporte pas, il va me dire ton site est naze. Ça va pas marcher, on est bien Voilà. d'accord. Mais mon PBN à moi, mon PBN à moi, voilà, il est tout planqué. C'est-à-dire que tu peux regarder mon money site, tu verras pas de lien. Parce que j'ai caché tout le monde. Voilà. J'ai planqué tout le monde. Il y a des petites subtilités, hein. Notamment, ce n'est pas si facile que ça de cacher, de se camoufler vraiment. Hein. Tu as des gens comme SEMrush qui s'annoncent quand ils arrivent, hein, qui Comme sont étant Google. pour SEMrush, donc tu peux dire non, toi je te veux Oui. pas, je ne viens pas crawler. Tu as des Russes qui n'en ont rien à foutre, qui vont venir crawler quand même. Tu as un outil courant de. Alors, SEMrush est russe, mais ce n'était pas par rapport à ça. Je disais, il y a un autre checker de backlink qui est russe, qui lui, il s'en fout complet de savoir si ton robot, les règles de crawl, il s'en fout. Et après, il y a des gens comme SEO Observer qui sont un peu plus malins, qui eux, bah, viennent pas crawler en mode robot en s'annonçant, ils viennent plutôt trouver les liens, quoi. En fait, tu peux pas dire SEO Observer, toi, je te veux pas comme robot, Comme puisque robot. c'est un crawl plus basique, genre plus compliqué, Alors moi, plus développé, voilà, plus enrichi, donc il voit beaucoup plus de choses. Donc il y a plein de subtilités je suis un peu techniques. bourrin. Moi, je montre les liens qu'à Google, en fait. C'était la solution un peu plus technique que je disais. Voilà, c'est Ouais. soit tu caches à tout le monde, soit tu montres que à un, quoi. Oui, effectivement, c'est ce que tu dis. Dans ce cas-là, on ne montre le lien que à Google et on cache même à l'internaute et on cache à n'importe quel robot, quoi. Donc là, on va avoir un lien qui ne pourra jamais être cliqué par l'internaute. C'est pas forcément Pas de ce qu'on cherche. trafic, ouais. Par contre, effectivement, Google va passer, va nous voir ce lien, quoi. Donc Et là, là, on est. toi, tu penses que, enfin, j'ai ma petite idée sur la chose, mais Google, ils peuvent nous shooter pour ça? Alors, le cloaking white hat, tu ne dois pas changer le texte Le brut de ton texte, site. ouais, tout à fait. Donc, aujourd'hui, je ne change pas le texte brut de mon site. C'est Je juste, il y mets a un lien ou pas un lien, ouais. Donc, normalement, je ne peux pas être peinard. En soi, je pense que si j'étais dénoncé sur un gros volume, peut-être que, et encore, moi, les dénonciations, je ne crois plus que Google prenne le temps de les regarder. Ah oui. Il y a eu l'autre fois, il y a quand même un gars qui a sorti 600 noms de domaine il y a quelques années de ça. Il ne s'est rien passé. Il y en a eu 50 de shootés et encore, le gars en face, il n'a rien fait. Et quand vous connaissez, tout le monde se dit wow, 600 noms de domaine, c'est tout son PBN. LOL, c'est 3% de son truc, quoi. Tu vois? Alors Comme quand. dis-moi, Elliot, parce que le PBN, c'est bien joli, mais c'est quand même un truc, c'est un peu compliqué de se lancer tout seul là-dedans. Là, jusqu'à maintenant, on a vu des méthodes où on pouvait se lancer tout seul. PBN, c'est quand même un peu plus risqué. Donc là, il faut faire appel à des gens qui savent faire. Il faut faire appel. Alors, ça dépend. Encore une fois, est-ce que tu gères le PBN pour des clients, l'agence, et tu veux gérer et tu veux dire à tes clients, bah, écoute, moi, je t'amène plein de choses en on-site et tout, mais là, off-site, je sais prendre une presta chez un gars. Donc là, tu vas déléguer. Moi, je préfère, au lieu de déléguer, de cacher, de bosser en marque blanche et tout, c'est plutôt de dire De officiellement, dire c'était le un gars, tel, ouais. il est expert dans ça, je te fais bosser avec lui, quitte à ce qu'il y ait des rétrocoms ou des remises aux clients, tu vois, mais que ça soit clair, un tel fait ça, un tel fait ça. Voilà. Alors, sachant que moi, sur l'activité PBN, je ne suis pas du tout tout seul là-dessus. Je bosse avec Patrick Valibus, donc c'est 410 Gone, qui a fait toute la machinerie technique. Qui a une usine assez impressionnante. Moi, je suis que le petit artisan du truc, quoi. Tu Ouais. vois, toute l'intelligence vient vraiment de lui, quoi, là-dessus. Alors, on a discuté sur plein de sujets, on a réfléchi à des choses, à des méthodes et tout, mais je veux dire, tout le savoir-faire technique vient clairement de lui. Moi, je suis une grosse burne en Ouais, serveur, voilà. Le cloaking, c'est son pas. usine est assez impressionnante, puis elle a évolué au fil du temps et ouais. Ouais. Et donc, demain, tu veux héberger un petit PBN pour toi, par contre, tu peux avec un O2 Switch, un Planet Hoster ou un OVH.
prochainement de retour. Tu peux te faire un petit PBN à 40, 50 sites. Allez, 20, de 20 à 50 sites avec des IP propres. Un coup, tu montes un WordPress, un coup, tu montes un Joomla, un coup, tu montes un PrestaShop, un coup, tu te fais chier un peu faire un site statique en HTML pur. Tu peux même monter des faux e-com en ajoutant des produits AliExpress que tu vendras jamais ou que tu mets à des prix exorbitants. C'est pas bête. Puis, voilà. Ou tu mets tout en rupture de stock, par exemple. Ou voilà. Ou tu mets un produit que tu sais que tu vas trouver chez Cdiscount, mais si tu le vends, tu sais que tu vas refaire une gratte en mode un peu dropshipping, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, tu peux créer des pages statiques, tu fais des faux sites d'agence. Il y avait un mec qui était très très fort là-dedans, mais il y passait un temps fou, c'était Olivier Aubé. Hein. Il remontait des sites web. T'aurais dit souvent des WordPress, il faisait du Joomla aussi, mais t'aurais dit des sites web d'entreprise, quoi. Il appelait ça des PPN, c'était des Private Persona Network. Donc, il Oui, créait. Persona. Ouais, il est Ouais. très très fort sur cette partie Persona, ouais, Olivier. D'ailleurs, ça sera certainement l'un des. Il passera un de ces jours sur la chaîne. On en avait discuté tous les deux pour venir parler de tout ça. Et ouais. Donc, il va jusqu'à créer une page Facebook, un faux Twitter, un Ouais. faux Pinterest, une persona, quoi, C'est quelqu'un. ça, ouais. Ouais. Voilà. Ce mec-là, il est inscrit sur des annuaires, il a son lien sur le. Il a son profil TEDx, il a son profil de tel et tel web profil, tu vois, par exemple Photolia ou Photopea ou je sais pas quoi, tu vois, et ainsi de suite. Et il crée vraiment toute une vie autour. Donc, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, mais c'est une méthode de faire. Et de créer voilà, une trentaine de WordPress, de PrestaShop, de Joomla, de machin. Ça, c'est pareil, c'est un truc aussi qui en local peut être super puissant, quoi. Tu te crées des entités locales tout autour de toi, là, et tu les inscris dans des annuaires, dans des machins, et ça peut Achète être les super anciens puissant. patriés. Voilà. Et puis après, il ne faut pas non plus être. On parlera thématique de PBN tout à l'heure, TTF. Je veux dire, si on a acheté Artisan Plâtrier 59, il peut linker un mec d'Orléans, tu vois. C'est pas parce qu'il y a 59 dans le domaine qu'il est que de Lille, tu vois, et on peut faire que des liens vers Lille. Donc, voilà, il y a ça quand même, mais c'est du temps. Les WordPress, en termes de sécurité, c'est très, très compliqué à maintenir, hein, ça pète souvent. Joomla, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus top of the pop. Donc, il y a plein de contraintes quand même à prendre en compte, mais j'ai Et envie de puis dire, c'est aujourd'hui, on trouve des petits CMS XML où ça génère du HTML, où c'est pas forcément joli, mais ça permet de faire le taf aussi, quoi. ouais, plutôt, tu as encore des générateurs de Ouais, sites. Il y a des encore générateurs. Dreamweaver qui fonctionne. Hein. Il est toujours live, lui. Bah ouais, hein. Il fait des trucs pas beaux, mais il te génère un petit site HTML de C'est ça. 5-6 pages que tu uploades sur ton FTP. Et ça fait le Donc, taf. pour moi, si on est en mode artisan à 20, 30, 40 sites, 50 sites, on peut se débrouiller seul pour son site à soi, pour son entreprise. Et je rappelle encore une fois, alors je vois souvent sur Twitter, là, les mecs, waouh, telle plateforme de liens, c'est génial, les mecs, vous êtes les meilleurs du monde. J'ai envie de poser la question, c'est la plateforme qui est vachement bien ou c'est le netlinking qui est vachement bien, quoi? Quand tu discutes avec les gars, ils te disent, mais en fait, ouais, on n'a jamais fait de netlinking, on découvre. Bah ouais, tu vois que c'est méga puissant. Donc déjà, 30 PBN à toi, plus 10-15 annuaires, plus du forum, du lien, nanana, tu vois, on est vite à 70 IP ou nom de domaine ref, quoi. Et c'est. Puis c'est vrai qu'après, bah, comme tu le dis, hein, c'est des choses qu'on peut faire à des tarifs bah, tout à fait raisonnables. Un nom de domaine, on va acheter ça entre 5 et 10 euros. Monter un site, on sait le faire. Après, tu vois, je pensais à une offre comme celle de François Tréca. Oui. Tu fais appel à François, tu peux avoir tes premiers sites pour 10 euros. Donc, bon, ça ne fait pas faire de miracle, mais pour 20 balles, tu as un site qui va faire du lien, qui peut être dans ta thématique et qui va venir prendre de la position, peut-être top 50, top 80, et ça donne du jus, quoi. Et puis encore une fois, si on est toujours dans le même mode, on peut prendre à François quelques petits. Alors lui, je crois que tu lui fournis le nom de domaine, il héberge, et il te fait un Oui. temps presse C'est avec ça. quelques pages, mais tu peux te prendre quelques sites à Après, François. tu peux, enfin, pour le coup, tu peux personnaliser, hein, tu peux lui mettre 50 pages si tu veux, tu peux mettre autant de caractères que fin de mots que tu veux. L'offre de base, c'est un truc à 9 euros où tu as 4 pages de 100 mots, quoi. Mais après, oui, tu peux, et il t'héberge pour ce prix-là sur la C'est première année. Enfin. que des monopages à 1000 mots, ça se voit. Si vous avez que des sites à 4 pages, ça se voit. C'est ça. Il Il faut faut diversifier toujours. de temps en temps acheter un domaine à 100 euros. Allez, notre ami David Chély, Dom Cop. Domstock, ouais. Dom Stock. Ouais, je confonds. Je dis tout le temps Dom Cop. Dom Stock. Ouais. Domstock, il y a des beaux domaines à 30-40 balles qui sont très bien. Ouais.
D'autres sites aux enchères où vous pouvez en trouver. Il y a des gens qui en vendent. Il y a VIPSO de Fabien qui vont aussi des Et ouais, domaines. tout à fait. Et c'est vrai que là, c'est même si on n'est pas, même si on n'est pas expert là-dessus, on va acheter un domaine chez David Chély et dans la foulée, on demande à François Tréca de mettre du contenu dessus. Bah, en une semaine, on a un site qui fait le taf, quoi. Ouais. Et donc, ayez des petits domaines à 5-10 balles à 2-3 pages, ayez un gros à 20 pages, ayez un WordPress qui simule le site d'une agence. Si on se met dans l'IMO, bah, c'est une agence IMO. Montez un PrestaShop qui vend, j'en sais rien, des produits IMO. Voilà. Et je veux dire, il ne faut pas qu'une méthode, même dans la méthode du PBN, qui est une sous-méthode de toutes les méthodes de linking, n'ayez pas toujours le même schéma. Le même schéma se voit algorithmiquement. Quand les Péronnais nous ont fait des démos à coup de code en R, qui leur paraît simple, moi, ça me paraît la lune, mais eux, c'est simple. Là, on voit, on t'a grillé là, ça. Ah ouais, mais tu peux pas me griller. Bah si, parce que tu as fait trop de trucs comme ça. Wow, ah ouais, quand D'une même. manière ou d'une autre, on a laissé notre empreinte, les fameuses footprints. Ouais. Donc, faut pas être parano. Google a un brevet d'ailleurs sur les rédacteurs pour identifier les textes qui ont été rédigés par le même rédacteur. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai dit qu'il l'avait déposé. J'ai pas Ouais, dit tout à fait. voyez. Attention encore une fois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez encore une fois le même rédacteur pour faire tous vos PBN, par exemple, ou tous vos contenus que vous dispatchez à droite à gauche, peut-être que ce n'est pas une bonne idée aussi. Et Voilà. juste petite parenthèse sur cette partie PBN avant qu'on enchaîne sur le point suivant. Toi, aujourd'hui, si tu devais acheter des noms de domaine, donc tu irais sur des plateformes genre Expired Domain ou PBN Premium, et tu as deux, trois petites astuces à donner, peut-être pour des gens qui démarreraient, pour comment on va qualifier un domaine, se dire, tiens, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, des red flags à aller regarder avant de racheter, enfin, rapidement, deux, trois petites astuces. Alors, si vraiment je suis débutant, pour me faire la main, je vais chez Kifdom. Je pense qu'il reste. C'est-à-dire que Kifdom l'a chopé au snap. Ça veut dire qu'au moment où le site est dispo, le robot de Kifdom l'a pris. Il l'a mis aux enchères. Ce n'est pas parti aux enchères pour X raisons, parce que c'est peut-être un trop petit domaine. Et pour 30 balles, je le trouve en achat immédiat. C'est le plus simple. Vous n'aurez pas des trucs de fou, on est d'accord. Vous aurez les miettes, comme tu as dit tout à l'heure, mais les miettes, c'est déjà très bien. Voilà, on mange avec plein de miettes ou on fait un repas. Voilà. Ce qu'il faut comprendre dans le passage de jus du PageRank, c'est le coût du TTF, Topical Trust Flow. Le Topical Trust Flow, il va avec le contenu de la page, quoi. Le TTF, il est donné par les backlinks qui rentrent sur le domaine que vous achetez. Vous achetez un ancien domaine d'une agence IMO, même si elle a 5, 6 backlinks, 7 backlinks. C'est très thématisé. Voilà. Et sachant que votre PBN, il n'est pas voué à rester dans le temps avec les liens que vous lui avez donnés. Vous allez peut-être aller sur Dealer de temps, remettre des textes qui renvoient vers vos PBN tous les mois. De temps en temps, un PBN, on s'en occupe, un deuxième, un machin. On a un truc qui s'appelle e-référeur, on peut aller acheter de l'annuaire dessus, pas très cher. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas une petite campagne d'annuaire vers certains PBN qui ne l'ont pas eu à l'époque ou qui n'ont pas eu les nouveaux annuaires? Voilà. Pour qu'on en cite plein, tu bosses avec des gens comme Access Link. Oui, Oui. je bosse avec des gens comme AccessLink, plutôt sur du tiers 2. Ouais. En fait, ce qui me gêne Alors, sur les c'est plateformes, intéressant, on va en parler juste après de ces notions de strates et de tiers, mais ouais. est-ce qu'il ne faut pas que j'allume pour Non, voir tout va si bien, ça nickel. regarde? Ouais, Parce que j'ai nickel. le soleil qui baisse du coup. Non, Tout à l'heure, on est embêté avec trop de soleil et là. l'entrepôt est toujours bien allumé, tout va bien. Moi, j'ai du mal avec les plateformes où je ne vois pas le lien que j'achète. À Il l'avance. me dit, tu auras un lien, t'inquiète pas, et je le vois. J'ai toujours un poil de stress. Mais si tu n'y mets pas d'encre exacte, que tu mets le nom de ton domaine ou le nom de ton entreprise, au final, ça serait trop facile d'aller sur AccessLink, acheter 100 liens vers ton concurrent et dire, ouais, Google va le pénaliser, quoi. C'est comme si Exactement. tu faisais un blast. C'est En fait, exactement ce que je me disais aussi. le blast, il valorise ton concurrent plutôt que le pénaliser. Moi, j'ai vu des concurrents monter avec des blasts de chez EGEX, tu sais, le plugin WordPress. Non, je connais pas, mais ouais. En fait, il vient en auto te pomper tes images et il te fait Oui, un lien de l'image vers chez toi. eh oui, bah oui, bah Moi, ça, oui, ça monte, ouais, ça monte, voyez ouais. mon putain de concurrent monter, un site des années 90, dégueulasse, pas de HTTPS, pas mobile, tout. Et je voyais, il se prenait des centaines de backlinks chaque jour, quoi. Et en fait, ça serait trop facile. Ça marchait avant en négative SEO, maintenant beaucoup plus quasiment.
Et ça serait Ben trop facile de faire ça, quoi, et de dire, bah, je t'envoie, voilà. Donc, non. moi, le seul truc. C'était une parenthèse pour le coup, c'est bien parce que je voulais qu'on en parle, cette histoire de parce que je voulais qu'on parle un peu de négatif SEO, mais voilà, là, juste ce hot linking où les mecs viennent te piquer tes images. Bon, moi je m'amuse à les bloquer un petit peu, alors on bloque rien, mais je leur sers une belle image d'un gars qui fait comme ça en général, comme Ouais. ça, ça me fait rire. Au moins, moi ça m'amuse, puis je mets une image qui fait pas beaucoup de poids et comme ça me bouffe pas trop ma bande passante, Moi, je laisse mais faire parce que ça fait un peu comme The Globe, les domaines ils vont tomber quelques mois ouais. après. J'ai jamais eu de pénalité Mais toi d'appartement. là-dessus, du coup, tu t'enquiquines pas à venir désavouer ces liens-là, tu les laisses là, et puis Si ils je t'emmènent désavoue, ça finalement veut. du traf, et puis enfin, ils Si je t'emmènent désavoue, du rank. ça veut dire que je check. Moi, je ne suis pas SEO, je ne check pas, j'y connais rien, moi, monsieur Google, je ne sais pas tout ça. Moi, je laisse faire naturellement, donc voilà, il faut laisser faire. Access Link, alors, pour le Et prix. malgré tout, sur ces liens-là, ouais, tu te dis pas qu'il faut que tu arrives à mettre du beau lien en face, finalement. Enfin, tu le fais naturellement, mais ceux-là, tu les laisses vivre, tu t'inquiètes pas de qu'ils soient là, quoi. Non, ils seront dilués dans la masse. Voilà. Franchement, ils m'ont jamais affolé. C'est comme les The Globe. Hein. D'ailleurs, on voit plein de PBN qui ne se rachètent pas ou qui ne sont pas en Chili ou qui tombent, qui sont rachetables à 5-10 euros parce qu'ils tombent. Ils ont juste été spammés par du The Globe. Ouais, c'est vrai. Ouais, et encore, c'est SEO Observer ou SEMrush qui vous dit qu'il y a du The Globe. Vous les mettez dans la Search Console Ouais, ils après sont les pas avoir forcément là. rachetés. Ouais, tout à Le fait. The Globe, il a été dégagé par Google. Depuis Ils ne le voient longtemps, même ouais. plus. Hein, donc. Exact. Ouais, tout à fait. Pour revenir à Access Link, c'est des super prix. Il y a des très beaux spots. Par contre, c'est toujours sur le même modèle. Alors, je ne dis pas par contre, ce n'est pas bien. Je dis c'est un modèle et il en faut. C'est-à-dire que sur une strate de tier 2, tier 3, j'aime beaucoup. Même des fois, je l'envoie sur mon monnaie-site, mais un peu parce que vous avez un site, si Google se met dedans, il voit que c'est cramé pour vendre du lien, quoi. Parce que c'est toujours du WordPress en généraliste, multi-théma. Avec 4-5 catégories verticales et on bourre d'articles dedans. Par contre, Bon, j'ai. après, tu vois, ben, c'est, enfin, exactement dans le sens que tu disais tout à l'heure, moi je m'en sers pour diluer des encres, tu vois, mettre du générique, du branding ou du cliquer aussi, voire aussi, et en me disant que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si Google venait me pénaliser avec ça serait trop facile d'aller flinquer n'importe quel de mes clients, quoi, pour 100 Ah balles, oui. enfin, pas de mes clients, de mes concurrents, tu mets Wow. 500 balles et tu détruirais tout le monde, quoi. Donc, Voilà, ça n'a pas de sens, quoi. ça n'a pas de Et. sens. Par contre, il faut dire un truc, parce que genre en netlinking, j'aime beaucoup faire par strat, c'est je fais un truc, j'attends. Je fais un autre, et c'est pas je fais tout en même temps, et puis je ne sais pas ce qui a marché. Un truc qui est vrai avec Access Link, c'est que dès que j'ai envoyé du Access Link, j'ai pris des positions. Toujours. C'est concret, c'est un fait, c'est comme ça. C'est clair. J'avais un machin, j'ai pris 5-6 liens. Alors encore une fois, la bonne encre, le bon texte vers la bonne URL qui La fait bonne monter un page. mot-clé. Hein. Bien sûr. Et sur ce mot-clé-là, il a monté. Et C'est clair. voilà. Parce que, bah oui, c'est quoi? Il prend quand même, il arrive quand même à trouver des beaux expirés, contre la patate. Ouais, Il n'y a c'est pas à clair. dire, voilà, vous avez quand même pour 10 balles, vous retrouvez quand même avec des sites CF, TF, 20-30, Ouais, quoi. c'est ce que j'allais dire à 20-30, exactement. Ailleurs, des fois, Ouais. c'est 50, 80, 100 balles, Ouais, voire. c'est exactement ça. Ouais, j'ai souvent été impressionné par les métriques, ouais, des sites à 10 balles. Donc moi, je pense qu'il sait qu'il va vendre tellement de liens à 10 balles qu'il ne regarde pas au prix à l'achat, il enchérit, il prend le maximum qu'il peut prendre. Il y a aussi des noms de domaines qui ne sont pas forcément qu'en .com, donc je pense qu'il a quelques astuces pour acheter dans d'autres pays, des domaines où il n'y a pas de SEO qui cherche, donc où il a des putains de beaux spots. Moi, le seul bémol, mais ce n'est pas un bémol, encore une fois, si c'est bien utilisé, c'est que c'est toujours le même modèle, Toujours le c'est même du généraliste pattern. sur du WordPress où on s'en fout du CMS, mais je veux dire, c'est du généraliste et la cocotte minute qui côtoie le fauteuil, qui côtoie Tout à l'assurance fait. obsèque avec la carte grise. Je dis juste Exact. ça, mais ça marche. Voilà. Mais C'est encore ça. une fois, voilà, en le mettant dans une logique, c'est finalement naturel d'avoir des liens vers des sites qui parlent de généralistes. Si tu vas mettre des sites thématisés autour, etc. OK. C'est-à-dire le petit blogueur qui monte son blog, il parle bien de Pierre-Paul Jacques. Hein. Alors du coup, tu me parlais là de tes stratégies différents tiers. Donc c'était intéressant parce que je voulais vraiment qu'on en parle ça dans cette partie, justement monter une stratégie de netlinking. Donc toi, tu fais du lien vers le lien. Ouais, du blast vers le blast même. Alors Oui, explique-nous un petit peu ça. On a acheté un nom de domaine expiré, donc qui a passé la période du bac à sable, donc qui a déjà montré patte blanche à Google. Un bac à sable, c'est Google, il ne le positionne pas trop, il tâtonne un petit peu avec, il ne sait pas trop s'il est viable ou pas. Là, on On s'indexe. attend de voir où il en est, quoi. Ouais. On a déjà du jus, donc on vient Ouais. de s'apercevoir que c'est un bon PBN, il n'est pas pénalisé, il s'indexe, il a du jus, il rank sur son branding, donc Et là, c'est-à-dire. c'est, enfin, pour le coup, hein, malgré tout, c'est un peu la loterie, hein, ça. Hein. Des fois, tu rachètes des noms, tu te dis, ça va être top, et puis, bah, ça redémarre jamais, quoi.
Ouais, c'est voilà, c'est moi je vais te dire, je passe de moins en moins de temps à analyser mes noms de domaine et j'achète de plus Ouais. en plus en masse. Ouais. Et Ouais, je comprends. Je comprends. je me dis sur 100%, bon bah j'en ai voilà, parce que je vois des analyses fines qui au final sont complètement foireuses. On a acheté des domaines à 400-500 balles complètement foireux et je sais toujours pas dire aujourd'hui pourquoi c'est foireux, je perds Ouais, je suis d'accord. Et Ninja Linker l'a même dit, il a témoigné, il m'a dit j'ai mis 100 domaines avec la même strat sur les 100 trucs, j'en ai 90% qui prennent, 10% qui restent à l'arrêt. Voilà. Ouais. Ouais, moi j'en ai acheté un avec un joli nom il n'y a pas bien longtemps. Et... Bon, il avait pas, c'était pas un gros domaine, mais j'ai dû payer ça peut-être 100 balles. Le nom était très sympa, tu vois, ça va reprendre ce truc-là. Ça n'a rien repris pour l'instant. Mais après, en termes C'est de pas fou à branding, 101 ans. peut-être qu'un jour, ouais, puis peut-être qu'un jour, en termes de branding, il a un peu de valeur, parce qu'il est un peu sympa. Donc je verrai ce jour-là. Au bout d'un an, tu vas sortir d'un filtre quelconque ou d'un truc quelconque. Mais moi, je continue à penser que la meilleure des stratégies pour Google, c'est de justement foutre un gros truc d'aléatoire en plein milieu. Parce qu'on est tous des pseudo-analystes, on fait du rétro-engineering, on réfléchit à plein de trucs. Le seul truc qu'on ne peut pas prévoir, c'est ce putain de ça dépend. Ouais, Je un dis petit que peu quand tu d'aléatoire, quoi, là, au milieu. Ouais, quand Ouais. tu mets un mode aléatoire en plein milieu d'un truc, en fait, tu Ah, sais tu pas. fausses toutes les cartes. Ouais. Et alors, c'est ça qui fait que notre esprit il va chercher plein d'explications à des choses qu'on n'a pas. Et c'est simplement à dire, c'est aléatoire, pour que justement, on ne puisse pas en faire une science exacte. C'est encore une fois mon avis. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, j'ai aucune preuve, j'ai rien, mais c'est comme ça que je raisonne. Donc, je me dis, mon petit PBN, bah, il s'indexe. Donc, encore une fois, phase par phase, hein, j'ai remis du contenu, ce contenu se positionne, le nom de domaine repart, il s'indexe, ça n'a pas l'air pénalisé, cool. Je me dis, bah, pourquoi je ne peux pas racheter du lien PBN, quoi? Donc, soit je rachète d'autres PBN qui font un lien vers mon. Donc, d'autres domaines expirés. Quand je dis PBN, en fait, il faut comprendre Les noms de domaine. domaines expirés, Je rachète d'autres domaines expirés que je remonte vers ce domaine-là, vers peut-être plusieurs domaines expirés. Voilà. Je ne saute jamais une étape. C'est-à-dire que Et un PBN qui a pas reparti, tu peux essayer de le faire repartir avec du lien aussi? Oui, je peux Ouais. essayer. Un access link, 30 boules, 3 Voilà. liens, Ouais, on voit si ça donne quelque chose ou pas. Ouais. Oh. Franchement, si déjà avec 2-3 liens, un domaine ne re-rentre pas dans le top 100 sur des petites requêtes non concurrentielles, c'est que c'est foutu, quoi. C'est mort, ouais. Dire, quand on est sur des requêtes comme peut-on donner du concombre à manger à un chien, on doit faire top 20 ou top 30 avec le moindre des petits expirés, quoi. Ça C'est devrait. avec un beau contenu un peu propre. Ouais. Bon, ça, je le dis encore au pif, j'ai protesté, mais je veux dire, Je voilà, on pense, doit ouais. voir. Voilà Ah, mais où on je est peux. d'accord. Ouais, Où je peux racheter un petit peu de lien vers mon PBN pour dire bah lui je le sens bien, il faut l'entretenir dans le temps, parce qu'au fur et à mesure je peux avoir perdu des liens. On n'oublie pas que sur les annuaires ou sur des forums, bah, notre lien il va dans la profondeur du site, donc il pousse de moins en moins. Voilà. C'est ça aussi que je n'ai pas précisé avec le Ninja Linking, mais ça marche aussi avec les sites achetés sur les plateformes où au début, bah, ton lien il est linké depuis la Bon, home. ouais. L'article que tu as acheté, il est linké depuis là-haut, mais plus on vient en mettre, plus tu Plus vas il passer en s'enterre. pagination 2, c'est généralement du nofollow. Donc, du coup, ton article, il n'est plus linké depuis Et là-haut. Il faut moins. enfin très bonne remarque aussi, je trouve, des fois sur des gros liens, justement, tu vas mettre 1500 euros sur un lien, puis finalement, bah, dans 6 mois, il est tellement profond qu'il ne vaut plus rien, quoi, ce lien, quoi. Alors, il ne vaut plus rien, mais peut-être qu'on peut le blaster gentiment. On peut. Peut-être lui racheter 10-15 liens pas trop dégueux. Pour renvoyer vers ce lien-là, hein, le Ouais, page pour lui redonner de la vie. Ouais. ouais. Et justement, genre moi, j'aime bien essayer. C'est là où, enfin, c'est ça qui est important, je pense, dans ça, c'est de, il faut les aimer, quoi, nos sites. Il faut, et puis même les sites sur lesquels on a des liens, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner de la vie, il faut les, ouais. Le profil de lien, genre on a chopé dans la presse un beau lien. Bah moi, je lui donne un petit coup de main. Hein. Qu'est-ce qu'il a? J'en parlais avec bon, Samuel, pour ne pas le citer, il est moins connu, donc personne, tu vois qui c'est en groupe Skype. Oui. Il a un beau blog sur un beau média, il m'a fait avoir un lien. Je lui dis, à coup, je vais te le blaster. Il me voyait sortir GSA, tu sais. Il me dit, ne me blaste pas mon truc. Je dis, oh, je vais te foutre 5-6 liens Cinq, six propres liens. et tout, chirurgical. Ah oui, ah là, il me dit, c'est juste faire du neat linking, c'est bien. Alors, voilà, moi, j'utilise le mot blast dès que je dis 5-6 liens, quoi. Mais je veux dire, Tu c'est un peu. forces un peu l'indexation des liens quand tu as pris un lien, tu vas faire du index express, des choses comme ça, ou non, tu attends gentiment que ça s'indexe? Je posais la question l'autre jour parce que on a eu un problème sur un. En fait, c'était. On a eu un problème sur un VPS et plusieurs sites sont. Alors, la manière dont on est organisé, ça n'impacte aucun Money Site, puisqu'en fait, il y a très peu de PBN sur chaque IP qui pointe vers mon Money Site. Donc, quand en fait, j'ai une IP qui crash, ça me fait une ref IP sur chaque Money Site, quoi. Donc, Google ne le voit pas.
Mais je me suis posé la question, est-ce que pour réindexer, je ne fais pas un coup d'index Indexeur express, express là. Et au final, j'en ai déduit que je laisse Google naturellement repasser sur sa... Je lui laissais faire sa vie, que justement, il ne revoie pas les remises en ligne ou qu'il ne voie pas les noms de domaine expirés quand je les relance, qu'il ne les revoie pas le même jour. Que... Si, par exemple, j'en laisse 10 domaines expirés le même jour, il va en voir un lundi, un mercredi, deux semaines plus tard, quoi. Ça, c'est j'aime bien vraiment. Même la même manière, et moi, je suis le premier à le faire. Des fois, j'ai une petite folie acheteuse où je vais acheter 10 domaines le même jour. Ce n'est pas une bonne idée, quoi. C'est mauvais, mais on le fait tous. Voilà. Alors après, en même temps, les 10 domaines que tu as achetés, tu ne vas pas les remonter le même jour. Ils ne vont peut-être pas pointer le même money site et ils ne seront peut-être pas indexés le même jour. Ouais, donc des fois, je suis un peu trop en mode bourrin. Mais oui, dans le principe, tu as raison. mais en même temps, anomalie statistique, combien chaque jour il y a des domaines qui reviennent à la vie, combien chaque jour il y a des sites qui reviennent. Tu vois, c'est... Je ne pense pas que ce soit nous avec 10 petits sites qui... Bon, alors dis-moi, tu me parlais de faire du blast vers le blast. Alors, on peut faire du blast, comme tu nous l'as dit, de manière propre, une dizaine de liens, 5 liens. Et donc ça, tu vas faire ça sur 2-3 niveaux. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Déjà, quand tu es à 3 niveaux, tu es propre. Ouais. Voilà, c'est déjà bien. Donc, plus tu t'éloignes de ton money site, plus tu peux te permettre d'être crade, entre guillemets. Ou tu restes propre à tous les niveaux. Sur un vrai money site, j'irai jamais faire ce qu'on appelle un vrai blast, c'est-à-dire un vrai truc avec GSA ou pour ceux qui connaissent ce type de logiciel, j'irai quand même acheter du lien ou faire du PBN qui va sur du PBN, quoi. Mais, mais bon, je veux dire, en fait, ce que j'essaye d'identifier, c'est quand j'ai un vrai site qui pousse bien, où je vois qu'il a de la patate, c'est de lui renvoyer de la patate et de lui remettre du contenu. Ouais. Parce que il va bien pousser, donc il va encore mieux se positionner. Il a en fait matière à, tu sais, c'est comme tu as 10 élèves, tu en as un qui sort du lot, tu mises un peu plus sur lui, que tu laisses pas les autres tomber, mais tu mises quand même un petit peu sur lui, quoi. C'est ça. Et donc aujourd'hui, du GSA, tu peux en faire sur un niveau 2, un niveau 3. Tu fais ça, ça fonctionne encore ou... Alors GSA fonctionne encore, mais je le fais que sur des sites qui sont vraiment liés au Black Hat. Ok. Uniquement des Black Hat. Si demain ça pète, si ça tombe, c'est pas grave. Je pleure pas, je dis ça m'ennuie pour mon projet, mais c'est vraiment des sites qui sont clusterisés que, c'est-à-dire que même mes PBN sont, j'ai des PBN que pour le Black Hat. Je ne link jamais mes PBN, c'est peut-être un peu trop parano, mais je veux dire, ce qui est vraiment crado reste dans le crado, quoi. Et dans cette même logique, tu as déjà eu l'occasion de jouer avec des services de blast, enfin des trucs genre Sarkar SEO, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, alors moi je l'ai fait, je ne les achète pas. Je préfère acheter les listes et les mettre dans GSA. Ouais. De toute façon, ce qu'on grille, ce n'est pas l'outil GSA, c'est les listes et les spins. Mm-hmm. Et les spuns, pour être plus précis. Mm-hmm. Et en gros, c'est si tu reprends la bio en présentation spinée de. Avec le texte à trous là, de base de GSA, tu es grillé, t'es pour moi grillé, quoi. Par D'accord. contre, tu refais ta propre bio, tu refais tes propres. Mon téléphone qui sonne. Tu refais tes propres contenus ou tes propres commentaires ou tes choses comme ça. Tu rachètes des listes qui est à jour et tu peux t'envoyer un peu d'URL, quoi. Sachant qu'encore une fois, on parle de blast à coup de 1000 ou 2000 URL. Même des fois, je vois des blasts sur Fiverr à 100 000. On est bien d'accord que quand tu achètes 100 000 URL, tu n'en as peut-être que 1000 qui vont rester, 100 qui vont s'indexer et 60 ou 80 qui vont pousser, quoi. Donc, des fois, il faut mieux en faire que 100 ou 200 liens avec une liste propre, des trucs que tu as un peu mieux choisi. Et voilà, mine de rien, 50 liens ou 60 liens, des fois, on pousse avec beaucoup moins que ça, quoi. Une petite question rigolote. J'ai trouvé un super expiré. Il a du jus, il a tout ce qu'il faut. Puis je me dis, tiens, et si je faisais une 301? Tu peux. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché avant 2010, même un peu après 2010. Moi, je trouve ça moins naturel, moins flag, parce que tu veux te justifier de quoi d'avoir fait une 301 quand les deux domaines ne se ressemblent pas du tout. Quand les noms de marques sont pas du tout pareils, là la pénalité, tu prends une pénalité. Alors ce qui est compliqué avec le filtre, c'est que tu peux pas contester. Le filtre, personne te le dit que tu as pris un filtre, il n'y a que toi qui le vois. Ouais. Par contre, si tu prends une péna pour linking agressif, tu peux quand même essayer d'en sortir en disant attendez, je comprends pas, lui je le connais pas, lui je le connais pas, lui je le connais pas, c'est pas moi monsieur, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Donc, au pire, Google te dit
désavoue tout, ou alors on va désavouer pour toi, il peut te rouvrir. Voilà. Quand tu as fait une 301, tu peux dire aussi, c'est pas moi qui. Moi, je n'ai pas fait la 301. Toi. Tu peux Ouais. aussi la jouer comme ça, mais c'est. Voilà. Et puis, sémantiquement, je trouve. Moi, je. J'ai jamais trouvé que ça a poussé de dingue. Alors, peut-être que je suis arrivé un peu tard. Il y a une époque, très clairement, ça a poussé énormément. Il y a eu, je crois d'ailleurs, c'est Laurent Bourelli avec, dans le concours de Cigogne qui avait quasiment gagné, qui a coupé 301. Alors, il n'avait pas gagné, il était deux ou troisième, je ne sais plus, mais c'est quasiment que des coups de 301 qu'il avait fait. Moi, je pense que comme sémantiquement, maintenant, c'est plutôt l'environnement du backlink, la sémantique qui va autour et la relation avec ce dont tu parles qui compte. Je préfère remettre un contenu parce que déjà, je peux linker plusieurs money sites avec le même PBN que si je fais une 301, je peux en faire qu'un. Je peux rajouter du contenu et puis je peux venir pousser ma page d'accueil avec d'autres contenus en dessous, quoi. Que sur une 301, je suis un peu limité. Et puis ma 301, je ne peux pas lui racheter du lien. C'est-à-dire qu'aucune plateforme va m'autoriser à racheter du lien vers une 301, quoi. Ils vont me dire, attends, t'es gentil, Coco, là, ton truc. Voilà. Donc, OK. je suis moins fan. D'autres vont certainement me contredire et dire, ah, il est con, il ne le fait pas s'il savait. Je l'ai essayé, j'ai re-essayé récemment. Je sais pas, je suis pas. Voilà. Ok, allez, je reprends un petit peu mes petites notes. On a quand même vraiment bien tourné sur le sujet. Alors, Il faut que j'allume parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans le noir en fait. bah écoute, vas-y. Tu veux que j'essaye? Ouais, vas-y, c'est pas un souci. Ça, on a une belle vue sur ton entrepôt. Ouais. Bon, ça fait pas tellement des t-shirts hein, quand même hein, dans ton entrepôt. Hein. Je suis un peu. Est-ce que ça donne un peu mieux comme ça, ouais? Bon, c'est pas pire, écoute. Ouais, Ok. tout va bien. Ah merci. Allez, deux trois choses qu'on a évoquées, mais alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à en dire, mais voilà, c'est vrai, quand on parle netlinking, pas mal de gens ont peur du négatif SEO. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore du négatif SEO avec du netlinking? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a vraiment des sites super toxiques qu'on peut repérer dans nos profils? Alors, je ne veux pas expliquer comment on fait du SEO, mais comment on peut s'en du négatif, mais comment on pourrait s'en prémunir si jamais on avait, si on soupçonnait quelque chose. Alors pour moi, le négatif SEO à coup de blast, il est dépassé. Ouais. Que bon, envoyer 10 000 URL vers ton site, je pense que Google va être capable de voir voilà, que c'est. Alors peut-être qu'à un certain seuil, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste dans le négatif SEO, donc je n'ai jamais fait trop de tests, mais peut-être qu'à partir de 10 millions d'URL, tu vois, j'en sais rien, Google fait sauter le truc parce qu'il trouve que c'est vraiment trop, mais il faut trouver l'infrastructure pour le faire. Il y a une technique en négatif SEO pour vraiment faire sauter le site. N'importe quel site, genre n'importe quel site, faire vraiment sauter le site, je la donnerai pas, mais il en reste. La manière de s'en prémunir, c'est quand même d'essayer que il n'y ait pas de caractères spéciaux qui passent dans les URL, et qu'on puisse pas ajouter à une URL en fait un dièse ou un point d'interrogation pour venir recréer une URL avec un mot précis dans cette URL-là. Par exemple, tu as ton URL, je ne sais pas, mon beau produit. Point d'interrogation, certains trucs. Voilà. Et en fait, si cette URL-là répond comme étant une URL en 200 et que Google croit qu'il peut l'indexer, que tu l'as fait indexer et que tu lui envoies un vrai blast avec certains mots d'encre, là, tu changes de thème et tu peux. Et ça ne marche plus avec le porno, hein, c'est Alors, encore. tu vois, c'est rigolo parce que je pense avoir eu le cas hier. J'en parlais avec une consultante SEO, une copine là qui est venue me voir et qui m'a dit, tiens, c'est bizarre, notre site, il est tombé là au mois de novembre, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'en analysant, bah, on a des requêtes à indexer dans Google qui sont exactement dans cette situation-là, slash point d'interrogation, quelque chose. Et elle me dit, ouais, mais pourtant, ça sort sur une 404. Et en fait, pas du tout, ça sortait sur une 200 qui dit aucun résultat, parce que ça a hacké un peu un moteur de Ça recherche. peut t'afficher la 404 du CMS, mais si Et ça ouais, répond c'est aux 200 exactement ça. Ça Google. affichait la 404 du CMS, mais c'était un code 200 pour Google. Donc je lui dis, écoute, commence déjà par les passer en 404, celle-là. Mais et pourtant, bon, il n'y en a pas 50 hein, des liens comme Même ça. Mais 410, tu peux même faire une 410, hein, là, dans ce cas-là, ouais, il peux faudrait même libérer faire une une cause, 410. Ouais, casse-toi, tu as tu ne raison. reviendras jamais. Tu as raison. Ouais. Et Et il n'y en a pas tant que ça des liens comme ça, mais je pense que c'était une des explications qui fait que c'est tombé. Ouais, tout à fait. par contre, il faut du backlink derrière. Il n'y a pas juste créer l'URL, il faut Oui, blaster bah, il y a eu du dans lien un sur ces certain URL, temps. ouais, tout à fait. Alors, il n'y en a pas eu. Enfin,
C'était Il n'y a pas pas du gros trop blast, mais il y en a eu, ouais, il y avait du lien vers ces URLs-là, tout à fait. Ouais. Avec la bonne encre qui va bien, on en C'était, parle tu vois, de. c'était des encres. Alors, pour coup, c'était des trucs, club de, enfin, site de rencontre, des choses dans ce style-là derrière. Donc, ouais, je pense Ouais, qu'il y mais a eu. ça, c'est encore soft pour y aller, mais Ouais. Bon, encore après, une voilà, je me fois, disais que quand c'était est-ce peut-être que. une des explications. On verra dans les semaines qui Mais viennent, déjà, mais. si tu demandes à. Si, un infogéreur, ça coûte des thunes, hein, je suis désolé, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas avoir un serveur mutualisé à peau de zob. Voilà, à un moment donné, faut des gens, chacun son métier. Moi, je ne suis pas On l'a infogéreur, vu, j'en ai un parce que tout hein, ça. on l'a encore vu il y a une semaine avec l'incendie chez OVH. Hein, tous les gens qui avaient, qui ont, soit qui savent le faire et qui le font, ou qui a un infogérant qui le fait pour eux, ça s'est bien passé. Et d'autres pleurent encore aujourd'hui. Et pour le coup, on a parlé de quelques plateformes de liens qui sont encore aujourd'hui en carafe. Ouais, et j'ai envie de te dire, Les pauvres. c'est facile après coup de dire Ouais, ah, c'est vous clair. l'avez dit. C'est clair, hein, Ouais, mais. c'est un peu. Mais attends, mais moi, je dis surtout pas ça, parce que moi, je suis allé voir certains de mes clients qui sont aujourd'hui chez OVH, et je leur ai dit, bon, les gars, soit on s'en va, soit on met un truc en place, mais là, si on avait été dans ce data center, on était mort, et moi, le premier, alors que je suis là pour leur faire des sauvegardes, etc., mais que j'ai été négligent parce que bah, c'est eux qui ont fait le choix de rester chez OVH, et que je dis, bah, on va s'appuyer sur les sauvegardes d'OVH, et heureusement qu'on n'était pas à Strasbourg, quoi. Donc, C'est une voilà. bonne piqûre de rappel au final, parce Ouais, qu'on c'est clair. parlait des crashs d'avion tout à l'heure. Bon, bah, c'est là C'est que clair. tout le monde va se mettre à jour son plan d'action en caca et tout. Donc oui, voilà, déjà un bon infogéreur qui va bloquer tout ça dans les URL. Et déjà, on va limiter pas mal, éviter de se faire hacker, c'est-à-dire que quelqu'un vienne créer. Je l'ai eu sur un WordPress récemment. Le mec, alors le gars a fait une liste de plugins et de thèmes qui étaient hackés. Ouais. Il a lancé une requête qui a été placée du PHP dans ma base SQL, qui lui a renvoyé en clair tout mon WP config. OK. C'est mon associé qui l'a trouvé en fouillant parce qu'il voulait comprendre comment on se faisait éliminer. Et du coup, il s'est retrouvé avec. Alors, il faut trouver une première faille, Ouais, évidemment. bien sûr, hein. Et une fois qu'il a été rentré dans la base de données, il avait l'accès en clair. Le mec m'a cloqué des pages. C'est-à-dire que mes pages me paraissaient parfaites, comme je les avais faites, sauf qu'en fait, sur un cache de points. Ouais. Ça répondait des URL chinoisées avec des liens vers d'autres sites chinois, quoi. Et quand je faisais un site de points dans Google, j'étais que chinoisé. Et Ouais, c'était pas mon j'ai vu data. ça. J'ai eu ça il y a 6 mois ou un an. J'ai vu ça sur un site d'avocat pour le coup, donc c'était pas Ouais. très rigolo, tu vois. Ils étaient et en fait, c'était en bossant sur un audit pour un site, enfin, concurrent de ces avocats-là que j'avais vu ça. Et bah, je les avais prévenus et il n'y a jamais eu. Ils ont dû croire que c'est moi qui les avais piratés. Je Ouais, pense qu'ils ont peut-être eu ils vont peur, se mais dire, bah non, quand on va sur notre site, c'est tout va. ça, tout va bien, ouais. Voilà. Mais oui, mais c'est pas facile à analyser quand même de se dire, ouais, l'internaute, il voit pas le problème, mais il n'y a que Google. Alors tu te dis, mais il n'y a que Google, quel est le problème? Tu vois, mon internaute, il voit bien mon site. Hein. Ouais. Parce que quand on tape cabinet avocat, truc bidule, on me trouve. Donc c'est que je suis référencé, tu sais, le truc. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc oui, il y a encore une manière de faire du négatif SEO, de moins en moins, heureusement. Et il y a quand même moyen de s'en prémunir, notamment avec un site un peu blindé, tu ne te fais pas hacker, alors Mais ça bon, c'est voilà. pire. Aujourd'hui, moi, j'entends encore plein de gens qui, et pour le coup, certainement pour vendre de la presta ou de vendre du lien, qui, face à du hotlinking, vous dites, oh là là, vous prenez du négatif SEO, venez acheter des gros liens chez nous. Bon, faut pas se stresser sur le hotlinking, ça va pas vous faire tomber. Hein. Puis ouais non, et puis s'il y a des. C'est, genre un gros lien ne va pas compenser C'est un ça. as. Non. Alors, c'est pas parce que tu te fais taper sur les doigts là sur ou tu prends un lien dans le thème qu'on vient de parler, c'est pas parce que le monde te fait un lien que tu vas sortir de problème, quoi. Ok, alors je voulais en final qu'on fasse un petit résumé de la stratégie, mais on en a finalement tellement bien parlé que je pense qu'on a vraiment vu tous les points. C'est pas forcément besoin de résumer. Pour finir, moi je me demandais si tu avais des outils que tu te servais, toi, pour monitorer tes backlinks, pour savoir ce qui se passait, si les backlinks étaient toujours là, plus là, si tu avais des outils pour suivre un peu tout ça. Alors, nous, on s'est fait un petit tool en interne où, D'accord. quand je me pose un backlink que je l'ajoute sur un truc Ouais. PHP, ben, genre une interface basique, Ouais. toutes les nuits, il vient de checker si l'URL répond bien en 200. Je lui colle une ligne. Il vient voir si cette ligne existe bien dans la page. Parce que des fois, la page pourrait répondre en 200, mais le gars est venu enlever mon lien. Ouais, Je ne tout à sais pas fait. pourquoi. Voilà. Donc, je vérifie ça et puis tout, ça m'envoie un mail s'il y a quelque chose qui a Qui sauté. va pas? Ok. L'autre matin d'OVH, ça faisait ça par mail dans tous les coins, normal. Donc j'ai ça, c'est un petit tool interne, mais il y en a qui existent, ça ne doit pas coûter très cher à faire développer. Et puis il y a des
HTTP en tête, HTTP 200, bull code checker, un truc comme ça dans Google. Si vous gérez un fichier Excel, vous pouvez quand même toutes les semaines aller, ou tous les samedis matins, c'est votre routine d'aller vous mettre tous vos liens, puis vous voyez ceux qu'on sautait, quoi. Donc ça, ouais. Alors j'aime beaucoup SEMrush, hein. Ils sont partenaires souvent de mes événements, ils sont adorables, ils sont hyper sympas, ils font des super webconf et tout, leur chaîne est géniale. Pour moi, leur outil est usine à gaz et j'ai jamais réussi à m'y faire. Et en fait, j'ai commencé par SE Observer et j'arrive pas à passer à autre chose qu'SE Observer. SE Observer, il est simple, il réunit plein d'outils, il me donne exactement ce que je veux. Avec une ergonomie assez simple, et j'arrive à qualifier des domaines et à comprendre des choses très rapidement. Donc, je suis resté sur SEO Observer, j'en ai pas 50. J'admets qu'il me manque des choses par rapport des fois à des fois sur des audits à l'époque, j'étais un peu bloqué avec SEO Observer sur des URL ou des choses comme ça. Mais là, en plus, il a ajouté, maintenant, on peut checker une URL seule. J'ai ce qu'il faut, je peux faire des exports CSV, Franchement, je suis pas. Je garde SEO Observer. Un autre outil que j'utilise beaucoup, YourTextGuru. Pour tous mes textes, il n'y en a pas un qui sort sans passer par YourTextGuru. Ils ont des nouveaux. Alors, ils ont nouveau Babar.tech que je n'ai pas testé, mais Babar.tech est intégré dans les chaînes. Il y a des choses qui sont intégrées dans YourTextGuru, tout à fait. Ouais, et au lieu du CF, l'indice Babar.tech. Babar. On voit que le plus haut dans les SERP a souvent l'indice Babar élevé. Okay. Je me dis, ça doit quand même être un bon indicateur à moyen terme, parce qu'ils sont quand même assez dans le vrai. Comme le danger SEO et le score SEO sur YourTextGuru, on voit souvent des corrélations. Il faut toujours le corréler avec le CF du domaine, parce que tu peux avoir le meilleur contenu du monde sur un petit domaine qui vaut zob, il ne va pas pousser. Par contre, un beau domaine te poussera un contenu pour l'ingue, quoi. Mais un contenu sur un magnifique domaine, jackpot. Et donc, j'adore YourTextGuru. Ils ont sorti un système de questions, de réponses complémentaires. Ils te calculent le cocon sémantique, c'est-à-dire la proximité sémantique entre… Tu crées un groupe, tu balances toutes tes requêtes, il te fait la proximité, tout. J'adore. Donc, voilà, c'est les deux principaux outils que je paye tout le temps. Et PBN Premium, que je paye par tranche quand je suis vorace de PBN. Quand tu es en train d'acheter. Ça chiffre un peu. Donc, quand je suis en période où… En fait, j'ai souvent des périodes où j'achète, je monte pendant quelques mois, je monitor et après, je rachète. Donc, en fait, PBN Premium, je le fais en mode… Opportuniste quand tu as besoin. Alors, moi, je suis par mode de quelques mois. J'ai mon abonnement, c'est vrai, PBN Premium. Et puis, je vais très peu m'en servir. Mais bon, voilà, je suis aussi content de l'avoir pour David. Mais tu as raison, c'est une bonne façon de faire, de l'acheter quand on est dans cette phase de folie acheteuse. Ce qui est idiot un peu en finale, parce qu'il m'avait fait une offre tellement intéressante qu'au final, je gagne un mois sur les 12, tu vois. Donc, c'était peut-être débile de faire comme ça. Mais à la base, c'était pour un problème de facturation parce qu'on avait changé de CB et que par PayPal, je ne pouvais pas la changer. C'était tout con, en fait, à la base. Mais au final, maintenant, je fonctionne comme ça. Mais j'ai toujours un œil sur Kifdom. J'ai toujours un petit œil sur ce qu'ils proposent aux enchères. De regarder un petit peu, qu'est-ce que tu proposes, il y a quoi, est-ce qu'il n'y en a pas des fois qui ont passé la période des enchères et qui retombent à 30 ou 50 euros, qui sont un petit peu intéressants. Donc j'ai toujours ce truc-là. Et puis j'oublie pas mon copain Xenu. On parlait tout à l'heure justement de checker les 404, les broken links, là, et de venir le remplacer. Moi je kiffe, première théma quand je rentre, c'est de crawler le site web de mes concurrents. D'essayer de voir si mon concurrent, il n'a pas laissé un petit domaine, il n'avait pas fait un lien vers un domaine, et puis ce domaine se retrouve dans le domaine public, je peux le racheter. Quoi de mieux qu'un lien vers le site de mon concurrent? Alors, c'est mon concurrent, l'expiré, moi, j'ai quand même une source de mon concurrent. J'aime bien faire ça aussi, personnellement. Et on en chope sur toutes tes maths, on chope 3-4. J'avais eu le cas comme ça, c'était même pas un concurrent, c'était un gars qui était dans la même thématique qu'un de mes clients, quelqu'un que je connaissais. Je dis, tu veux pas qu'on se fasse un petit backlink là? Oh non, non, je veux pas, machin. Ok, d'accord. Bon, allez, hop, 404. Oh, ça c'est mort. Allez, hop là. et sur tout domaine, t'en as. Sur beaucoup de thémas, t'as ça. Donc c'est SEO Observer. Là, ça m'avait plus fait rire. C'était une des premières fois que je le faisais. Ça m'a fait rire parce que la personne m'avait claqué le backlink au nez. Et je trouve ça tellement débile. Et je lui dis, tiens, tu vas voir, je vais te montrer que je te prends un backlink quand même. Et voilà, ça m'a fait rire. Et on n'en a pas. Il y a tellement de choses à aborder qu'on ne l'a peut-être pas abordé aussi. Mais l'échange de liens fonctionne encore. Hein, sur
Facebook entre copains. Ouais. Voilà, tiens, coucou, je recherche dans la santé en ce moment, t'as quoi? Tiens, t'as ça, tu me rendras l'appareil. Ouais, vas-y, c'est cool. Ouais, tout à On fait. a oublié cette mentalité. J'ai l'impression C'est, qu'elle il y a, y a, y a plein de groupes, ouais, enfin, il y a plusieurs groupes comme ça. Moi, je suis dans quelques-uns aussi et j'ai pas le temps d'être assez actif dessus, mais ouais, c'est bien, c'est pas mal, ouais, un c'est peu clair. du hors de temps, c'est un peu cette logique-là. Ouais, mais en mode à l'ancienne, quoi. Ouais. Donc ouais, à l'ancienne, ça marche encore de se faire, puis même des fois sans rien attendre en échange, Tout à fait. rien que pour aider, si je peux te faire rien, écoute, du Oui, moment. puis tu vois, il y a des, on a des cas aussi où moi, je sais qu'hier, j'ai pris deux petits noms de domaine bah, à 6 balles parce que tout simplement, un confrère, je dois être sur le Slack de Laurent pour le coup, dit tiens, bah, je me sépare de tous ces domaines-là. C'était des petits domaines, mais écoute, moi, il y en avait qui correspondent à des choses dont j'avais besoin. Il y avait 4 ou 5 backlinks, et hop, je prends. Et c'est juste le. Ouais, il m'a juste fait le transfert, et puis voilà, quoi. Lui, il perd pas d'argent, ça retombe pas à n'importe qui dans C'est le ça. domaine, ça va pas aller enrichir les sociétés de Snap néerlandaises Co. On le fait C'est ça. entre nous avant, voilà. Donc, il a envoyé ça à 7 h. À 8 h, je lui répondais. J'étais le premier. Bon, dans sa liste, il y en avait deux qui m'intéressaient sur 50. Mais écoute, voilà, tout le monde est content. Voilà, je pense avec ces outils-là, on peut déjà en gratuit, on peut en faire un petit peu avec quelques commandes Google, un peu de bon sens, deux trois trucs gratuits. Ah ouais, Donc on a pas trop parlé de ça, des commandes Google. C'est vrai que je voulais en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des petites commandes qui permettent d'aller chercher ce qu'on appelle les footprints pour retrouver des spots, quoi. ah, un truc genre valider entre quotes, valider ou confirmer plus livre d'or ou une URL livre d'or, livre tiré à le D avec des tirés ou autre, truc comme ça par exemple, ou commentaire plus le nom de la thématique ou forum. On sait que les forums, les annuaires Arfou par exemple, ont une footprint. Vous trouvez un forum, vous allez fouiller en bas, vous regardez s'il n'a pas réalisé par tel truc. Vous prenez cette ligne-là, vous la mettez entre quotes dans Google, ça vous ressort tous les forums qui utilisent le même CMS. Si vous avez plus posé un lien une fois, bah vous le thématisez quand même. Hein. Vous mettez plus dans Google entre quotes la requête et votre nom, quoi. Et ça s'est perdu. C'était du ninja linking. Il y a des mecs très très bons qui le font encore. Hein. Je vois des. Moi, j'adore checker les backlinks des sites, des consultants SEO, des agences web ou ces trucs-là. On retombe sur des petites pépites. Effectivement, ces plans-là, avant, quand personne les voyait avec les outils, ça allait. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde le check À et le partir truc, du moment où il est vu, bah, il tombe très vite. le livre d'or est spammé pendant, voilà, pendant, ça s'arrête plus, quoi. Donc, à un moment donné, quel intérêt Je ne d'aller. sais plus quel Julien avait donné à Corleone quand il était venu dans ma vidéo. Il avait donné un truc et je crois que ça a été bien utilisé. C'est tombé assez vite de mémoire. Donc, forcément, dès qu'on a un truc un peu hors du commun et qu'on le partage, bah oui, ou qu'on se fait voir, on l'a fait, ça dure pas très longtemps. Généralement, quand il donne un site, il s'était fait avoir avec son baby cook, je crois, et les mecs lui avaient spammé, mais de manière même pas intelligente, si tu veux. Alors, le problème, c'est que c'est de manière pas intelligente. Tu es tout seul, tu te dis, ouais, c'est intelligent, mais quand tu es 100, en fait, tu es 100 à pourrir le truc, mais en même temps, il n'y a pas d'office, quoi. Le truc, c'est. Alors, c'est pour ça que le ninja linking, à mon avis, est peut-être moins utilisé. Je ne dis pas qu'il ne marche pas, attention, je dis qu'il est moins utilisé. Parce qu'il y a peut-être moins de CMS, tous les CMS ont bloqué les dofollow pour justement pas être embêté, ainsi de suite. Mais, je ne sais pas, vous prenez O2 Switch, par exemple, il y a un logiciel, c'est Softaculous. Vous pouvez installer tous les CMS du monde sur des racines. Bah, tester, quoi. Installer un coup je sais pas, un Pinterest-like, un Fotolia-like, un Twitter-like, plein de trucs comme ça. Regardez s'il y a des footprints. Il y a peut-être des fois, voilà, comme il n'y a pas de langue non plus dans le lien, on peut poser un Et lien sur. après, bah, même titre que ce qu'on disait tout à l'heure, sans dire de chercher des footprints, mais si on veut se créer nos petits sites à nous, bah, le Softaculous, un O2 Switch, c'est parfait. Hein, on peut en prendre un de chaque et hop, on a déjà fait de la diversité. Ouais, et puis complètement. Déjà, vous avez. Alors, faut apprendre plein de CMS, mais c'est aussi Ouais, intelligent. après, bon, bah, ça permet aussi de. Il y en a qui sont plus ou moins simples à utiliser, donc ouais. Ouais, je veux dire, demain, installer un prix PrestaShop, un PrestaShop, configurer un Stripe ou un PayPal, foutre 3-4 produits, voilà, il n'y a Ouais, rien. mais même sans aller jusqu'à là, tu juste monter, comme on disait tout à l'heure, tu montes un PrestaShop en mode catalogue, tu mets 10 produits dedans, tu fais des liens vers ton site, ton money site à toi, bah, ça te fait un type de site différent. Et finalement, c'est même encore plus naturel, je trouve, que de faire un e-commerce. Que bon, e-commerce, tu peux dire c'est bizarre qu'un e-commerçant on fasse un lien vers un concurrent, mais en mode catalogue, c'est tout à fait Il y a logique, un quoi. mode blog, il y a des pages et un mode blog aussi sur le Ouais, PrestaShop. c'est clair. Ouais, bien sûr. Donc,
Mais voilà, ouais, s'il y a un truc à garder, c'est rien n'est cramé, rien n'est mieux que ou moins bien que, c'est un peu de tout le temps, Ouais. l'anomalie qui est vraiment un profil qui essaye au maximum. Donc on n'a pas trop abordé les ancres tout à l'heure, mais Justement, j'étais en train de me dire que ça serait une chouette conclusion et j'allais te poser la question fatidique que j'avais dû poser à David Ninja Linker quand il était venu. Parce que tu sais, c'est le grand truc, le pourcentage d'encre optimisée. Alors, j'allais dire, il y a un pourcentage d'encre optimisée, Ouais, Elliot? 7,3 pour tout le monde, pareil. Exactement. Non, encore une fois, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que Google fait de la thune avec AdWords sur votre requête, quoi? Ouais. Si c'est le cas, faut que vous payiez de l'AdWords et que vous ayez du mal à vous positionner. Ça, Est-ce qu'il check votre carte pour ou le coup, pas? c'était un bon exemple sur la cigarette électronique où il n'y a pas d'AdWords. Bah, les mecs, ils vont en bourrin et tout va bien, quoi. Demain, quand les mecs vont se faire pénaliser ou que quand tu auras une encre exacte, un tel, tu coupes. Et donc, il va falloir faire de l'AdWords. Bah, Google va rentabiliser comme ça. Il y a quand même un jeu du singe. Hein. Voilà, Google est là pour faire de la thune. Hein. Il nous permet de faire joujou avec le moteur gentiment. Mais à la base, si on veut vraiment faire du e-com et faire des sous, on est censé utiliser AdWords et faire de la pub. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de pourcentage d'encre exact, pas exact. Pour moi, déjà, Pingouin, il n'est pas intégré à l'algo classique. C'est-à-dire qu'il y a des déclenchements de temps en temps, il y a des mises à jour, il y a des trucs qui viennent check. Mais il y a certains thèmes où on peut avoir des encres exactes. Voilà. Quand on a un EMD, un exact domaine ou un semi-EMD, on peut être encore plus bourrin que si on n'est pas un EMD. Voilà. Après, C'est j'ai clair. beaucoup. Voilà. Moi, j'ai pas jamais Tiens, été. en parlant de ça, tiens, tu remontes des fois dans tes PBN des EMD qui n'auraient pas du tout de jus. Tu vas acheter des EMD pour les remonter dans des PBN, toi, ou c'est des choses que tu Ouais. fais pas? Ouais. Oui, je remonte dans mes Ouais. petits. Alors, je les monte en mode PBN, je vois ce qu'ils donnent. Alors, quand je dis en mode PBN, c'est je remonte un petit WordPress Oui, de oui. ou un petit HTML. Je vois si je ne peux pas le linker, lui acheter un peu de lien. Puis s'il commence à prendre, je réfléchis à ce que je fais du projet, quoi. Est-ce que, tiens, je ne vais pas lui mettre un catalogue, un tout à l'heure. Voilà. Ouais, un Il y peu a des fois, d'affil. même j'ai acheté des sites en mode PBN qui étaient des EMD, donc qui avaient des backlinks que j'ai transformés en e-commerce par la suite. Ouais, ça. Parce que je voyais que le truc prenait, je me dis, attends, c'est le plus recherché. Voilà. Donc, j'ai essayé au début de mettre des offres. J'ai vu que ça prenait un peu. J'avais de la demande, du contact. J'ai dit, ah, vas-y, on passe au truc sérieux. On engraine un Shopify dessus. C'est Ah, c'est pareil, on avait bien parlé avec Julien de la manière de gagner de l'argent avec ces sites. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez retourner voir. En effet, si vous avez des domaines que vous avez achetés puis qui finalement ils ont l'air pas mal, bah, essayez d'aller faire de l'affiliation, aller faire du lien, aller faire du bon. e-commerce, aller faire plein de choses à faire. Jérôme Pasquelin, une formation a justement sur la vente de, sur la monétisation par la vente de liens et l'affiliation des NDD, qui est très complète, qui est une très bonne méthode. Il donne de très bonnes choses dessus et il fait des belles. Il monétise bien ses sites, quoi. Il fait plusieurs milliers d'euros de rentabilité, hein, de rentabilité, hein, avec certains sites. Et en faisant des choses très propres. C'est-à-dire, même pour dire, je achète des fois, genre même plusieurs fois, j'ai acheté des liens pour des clients ou même pour mes sites à moi. Pas pour aller manipuler entre guillemets les metrics. Toi, on parlait d'Access Link tout à l'heure. C'est un super bon moyen de faire monter tes metrics, alors artificiellement, parce que tu reçois Bien des sûr. liens de CFTF, mais je veux Ouais. dire, c'est des liens qui font monter, c'est des liens qui font pousser. Mais à un moment donné, n'avoir que ce type de lien, il va te manquer des trucs un peu plus officiels avec un plus de patate, quoi. Donc là, tu passes à autre chose, mais encore une fois, un peu de tout. Mais il y a une conférence que, quand je dis qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup apporté, donc notamment Corleone. J'ai beaucoup observé son réseau à l'époque où il faisait de l'affiliation Amazon, CMFA et tout. Je pense que j'ai retourné. Alors, j'ai retourné 10% de son réseau, hein, mais parce que quand tu arrives à gratter, tu vois que la petite couche. Mais j'ai tellement appris en regardant un peu ses stratégies et tout. J'ai écouté une conf. Alors, c'était la conférence organisée par Links Garden Jackie où il recevait Régis de Headzep SEO sur les encres de liens. Et j'avoue que moi, j'étais un peu trop binaire. Soit branding de mon nom de domaine, soit exact ou semi-exact, d'accord, soit cliquer ici, machin. Et en fait, il prône le remplacer le cliquer ici, ancre ici par du sémantique Ouais, des encres neutres, sémantiques, ouais, tout et, à fait. qui n'est pas du tout ton mot-clé ou ta requête, hein, Ouais. qui n'est pas une ancre exacte. Et vraiment, lui, il prenait l'exemple de pizza emportée, c'était pizza cuite au four, quoi, Ouais. ou pizza à la sauce tomate. Je pense Voilà. que ça a ouvert plein d'idées à beaucoup de gens, cette conférence, en effet, où on s'est dit, tiens, mais c'est super, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, des fois on le faisait, mais sans le faire, mais sans trop de méthode. Mais là, j'avoue, ouvrir son Urtex Guru, aller farfouiller dans la sémantique, et là, on a tout de suite 50
entre Ouais. les liens qui arrivent naturellement, pas pénalisables, qui sont pas exacts et qui sont beaucoup mieux que le cliquer ici ou voir le site, quoi. C'est clair. Voilà. Et encore une fois, hein, cliquer voir le site, il passe du jus. Bien sûr. Il aide peut-être moins à se positionner sur un mot-clé parce qu'il a moins cette essence, mais il passe du jus, quoi. J'ai entendu l'autre fois sur un mec sur Dealer de Temps qui me dit non, mets pas l'encre cliquer ici, tu passes zéro jus. Ah bon? Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas, du coup, sur les annuaires officiels sur .gouv.fr, il y a lisez plus. Je ne savais pas que ça envoyait pas de jus, quoi, tu vois. Mais effectivement, si tu amènes de la sémantique, et encore une fois, gardons un peu de cliquer ici, de liser, de lire plus, en savoir plus. Je suis partisan d'en garder, quand même un petit peu, quoi. Pas de faire que de la sémantique, quoi. Ok, eh ben écoute, on s'était dit avant que ça serait dense, ça a été dense, on a vu plein de choses. Je crois qu'on a grosso modo traité tous les points qu'on avait préparés ensemble. Je suis Bah en train tout, de relire un petit ouais, peu je tout relis la ça. liste, mais Je crois qu'on n'a rien oublié, que ça a été bien dense et qu'il y a m'avais mis plein de. cylindre autour de l'encre. Tu voulais parler du contenu sémantique de l'encadrement du link? Ouais, c'est ça dont je voulais parler. Bon, écoute, je pense qu'on en a parlé après de l'importance d'avoir autour du lien. Sur une certaine distance du lien, on va dire un certain nombre de mots du lien, de la sémantique qui aide à Google à comprendre vraiment qu'on est dans cette bonne sémantique et thématique. Mais encore une fois, n'avoir que des liens qui proviennent d'une page sémantiquement parfaite aux petits oignons n'existe pas non plus, hein. C'est Des fois, on chope un lien. une anomalie statistique d'avoir que des liens qui viennent de ça, on est bien d'accord. Des fois, sans le vouloir, on chope un lien d'une page qui n'est pas du tout thématique avec nous, qui n'a pas de rapport. Ouais. Non, mais finalement, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où du hotlinking ben, nous fait pas de mal parce que ça nous rajoute un autre type de lien. Alors, tant que ça nous bouffe pas toute notre bande passante, tout va bien, quoi. Oui, alors je disais, je laisse les petits robots tout à l'heure, là, les exe et tout, parce que j'ai jamais été grossièrement attaqué, ça m'a jamais fait de Voilà. ralentissement. Mais et puis j'ai un infogéreur qui bloque un peu, qui bloque en amont ça. Mais je veux dire, si effectivement ça commence à faire des ralentissements sur votre site, que c'est lent, que machin, bon, posez-vous la question. Mais en soi, ça ne me gêne pas qu'on vienne faire du nofollow vers chez moi, ça ne me gêne pas qu'on me fasse un peu d'angle dégueu. Au Pas contraire. assez, quoi. Ok. Voilà. Bon, écoute, il va quand même te laisser quitter ton entrepôt parce que là, c'est quand même 19h30 et il est temps de rentrer à la maison. Hein. Et puis, Alors écoute. pour l'info, en fait, je suis déjà chez moi, c'est pour ça que j'ai mis l'info. Parce que maintenant, mon bureau étant situé au-dessus de l'entrepôt, j'ai tout le temps des bruits de scotch, de portes sectionnelles qui s'ouvrent pour recevoir les colis, repartir, de palettes qui bougent, de transpalettes, machin. Ça fait un bruit de fond, moi, qui ne me gêne pas, mais qui sur une vidéo peut être un peu stressant. Donc je me suis mis chez moi au calme où il n'y a pas de bruit, et puis j'ai mis un beau fond d'écran. À la place de la DeLorean, on a choisi l'entrepôt. Ben voilà, je vais peut-être certainement, là, je vais avoir peut-être un poil plus de temps. J'ai testé pas mal de trucs depuis 2 ans, donc je vais peut-être relancer un peu ma chaîne YouTube avec des petites vidéos éducatives. Génial. Si vous voulez checker, c'est Elliot Bobier tout simplement sur YouTube. Je vais Je pense certainement refaire des que petits tutos. Et puis si vous avez du temps. beaucoup de gens vont te retrouver avec plaisir, en tout cas, parce que ta chaîne était vraiment appréciée. Ben, Donc, ça frappe du bien. ça date un peu, mais il y a peut-être des gens à réécouter qu'on voit un Ouais. peu moins ou des trucs qu'on dit un peu moins. En plus de ta chaîne, ça peut compléter et vous faire une vraie idée Je de. sais que bon, je vais parler de notre ami David Chély, notre ami commun, qui il n'y a pas quelque temps avait fait un petit quiz comme ça sur le groupe Skype de quelle était la meilleure chaîne, le meilleur intervieweur sur YouTube et tout le monde avait un peu cherché et. Et c'était ton nom qui était ressorti de David, et je trouvais qu'il avait bien raison. J'avais bien, mais tu vois, avec David, on avait parlé justement du Snap et tout ça. On était peut-être en En 2016, avance, ouais. 2017, si je dis pas de bêtises, bien avant Ouais. que beaucoup de SEMrush machin se mettent à en parler. Tu Tout à vois, fait. on en parlait au SEO by Night 1, on en parlait Ouais. déjà de ça, de ces Snaps. Voilà, donc c'est marrant un peu de voir que. Il y a des choses un peu plus en avance, mais qu'on garde les mêmes logiques. Hein. Ce n'est pas un truc de la NASA, hein. Ça reste du SEO, c'est du simple et bon sens, quoi. Et puis, eh ben voilà, comme c'était moi à la base, c'est parti de mes interviews sont parties d'un.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette anecdote, même si j'en ai déjà parlé à quelques-uns, mais c'est parti d'un live du Bootcamp SEO où Laurent Bourelli, dans un des lives, disait bah, écoutez, allez interviewer des gens, ces gars, s'ils vous répondent, s'ils veulent pas venir chez vous, c'est des gros. Enfin, en gros, c'est des cons, quoi. J'ai dit bah, écoute, Laurent, quand est-ce que tu viens dans ma chaîne? Et voilà, je fais ma première vidéo avec Laurent, puis après, c'est parti comme ça. Et tu vois, je ne savais même pas, en fait, que toi-même, tu avais lancé ce truc-là quelques années avant, et je l'ai découvert après. J'ai dit, tiens, bah, c'était un bel exemple pour moi. Sur l'influence de Laurent aussi, hein, je ne l'ai pas réinventé. On était dans le module Cheval de Troie. Patrick, lui, lançait son Inclocking Veritas en Cheval de Troie. Moi, je me dis, mais comment on peut ne pas te refuser un lien Ah tiens, allez, pour le plaisir, parce que moi je l'aime bien cette notion-là, explique-nous en 2 minutes le cheval de Troie, cher notre ami Laurent. Ah, bah, le Cheval de Troie, c'est de créer quelque chose. Un outil, un service dont ton buyer persona a besoin, dont ton client parfait a besoin, et il ne peut pas te refuser un lien, quoi. Il ne pourra jamais dire non. Exemple, je sais pas, un correcteur automatique, le SEO Hero de Walid, quoi. C'était un SEM Rush quasiment gratuit, couplé un peu à Your Text Guru. Tu vois, c'était un outil qui faisait un peu de sémantique, de backlink et tout. Il était gratos. Tu pouvais pas ne pas faire un article sur lui pour lui dire on a mis ce contenu en ligne. Patrick Valibus, lui, il a créé, donc c'est une des spécialités de son agence à Lyon 410 Gones, c'est de faire entre autres de l'e-commerce et un peu de cloaking sur du PBN ou autre, mais voilà, il a une grosse spécialité e-commerce, c'est très technique. Il a créé Inclocking Veritas, script de Alors, on pourrait juste pour rétablir, hein, on va dire que Patrick, il est très très fort en Magento, et que si vous avez besoin de faire du PrestaShop, il y a une autre agence pas très loin qui est écrite là derrière, là. Avec à peu près la même chose. Ouais, je n'ai pas précisé, mais on bosse tous un peu en vase clos. Moi, quand j'ai des e-com, je les redonne à Patrick. Le PrestaShop, il te les refile. Et voilà, ça reste un peu dans le. C'est des CMS différents. La logique est la même, mais chacun un peu sa spé. Tu vas beaucoup plus vite sur un Prestack, sur un WordPress ou sur un Bien Magento. sûr. Puis surtout, oublier e-commerce WordPress, pardon, j'ai rien dit. Ma langue a Non, fourché, excuse-moi. il faut pas dire ça, on est d'accord là-dessus. Excusez-moi. Non, mais Patrick, c'est un très très bon copain, donc ça me fait vraiment plaisir qu'on le mette en avant. Et pour le coup, il a en effet réussi un super truc avec Inclocking Veritas, c'est clair. C'était son cheval de Troie, c'était de dire, moi, je vous file un script de cloaking mis à jour, machin, que vous pouvez implémenter en PHP, vous n'allez pas vous prendre la tête. Et par contre, bah, il dit, bah voilà, l'idée, c'est dans les mentions légales ou sur le site de votre agence, je me fais connaître, vous me faites un lien, ainsi de suite, voilà. Et du coup, moi, dans la logique, c'était mon idée, c'était, mais à qui on ne refuserait jamais un lien, quoi. C'était ça, je dis, parmi les mondes du SEO et les consultants SEO, à qui on. Et du coup, je découvre, en fait, je regarde les liens sortants du quasiment du top 20 ou du top 30 sur consultants SEO et agences web, et je retrouve un backlink commun vers le SEO Camp. Et ça, c'est SEO Observer qui m'aide à faire la corrélation très facilement. Je retrouve backlink sortant SEO Camp. Je dis, bah, faut créer un événement, en fait. Et du coup, voilà, l'idée, en fait, m'est venue là, c'est d'un cheval de Troie, quoi. Et c'était et alors, c'était je sais plus si c'était toi ou je suis pas sûr que c'était toi, mais j'ai souvenir de quelqu'un qui avait presque créé un. À la base, c'était quasiment un faux événement, puis que ça s'est transformé en vrai événement. Donc, c'était pas toi, je pense, mais. Moi, je l'ai fait sur smartphone pliable, ça. Ah, c'était peut-être sur ce. Ah, oui, je sais plus, j'avais souvenir d'un truc comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, avec Open Agenda, tu peux venir poser un lien sur le site des mairies. Puisque tu D'accord. t'inscris sur Open Agenda, tu crées un vrai faux événement D'accord, qui ouais. paraît vrai, il est validé par les services de la mairie. Et en fait, la mairie reprend, même pas en iframe, mais elle reprend en dur sur son site les événements qui viennent d'Open Agenda avec un lien D'accord. en dur. Donc, je chopais un lien en dur sur les communautés de communes parce qu'en plus, le lien se multipliait. Donc, sur les Comcom, sur Orléans Métropole et sur l'agglo d'Orléans. Donc, Orléans Métropole, la mairie d'Orléans. Open Agenda évidemment et sur d'autres com-com et d'autres annuaires d'événements. En fait, le truc c'était dispatché comme ça, tu as encore un bon plan de Quand backlink. on vous parle de Ninja Linking, voilà les exemples de. C'est Elliot et d'autres, David, etc. C'est l'exemple des gars qui vont aller. Qui ont toujours ça en tête, quoi. Quand ils vont sur un site, c'est ouais, je peux mettre mon backlink et du coup, ils vont découvrir des trucs qu'on passe tous à côté, quoi. Et... Le plus acharné a été Paul Sanchez. Paul, ouais, bien sûr, on est Il lâchait d'accord. pas tant qu'il n'avait pas trouvé comment mettre le C'est dofollow. exactement Il y ça. avait un nofollow, il voulait un La dofollow. légende, je ne sais plus justement, des templates Spip de mémoire où il en passe Oui, ça, 50, 100 et ouais. le huitième était en dofollow, tous Ouais, les autres n'étaient pas, c'est et il a ça, fait ouais. les 8 ou 7 templates. Je ne sais plus l'histoire Oui, exactement, c'est je vais ça la le. raconter, mais voilà, c'est vraiment cette mentalité de se dire, voilà, après,
il faut quand même garder une logique de rentabilité. Je ne vais pas non plus passer une heure sur un web profil, alors qu'à côté, je peux peut-être me mettre un PBN d'une belle, belle page qui a 10 routes domaine ou 10 routes RP. Ok, allez, on va clore cet échange. Moi, j'ai c'était super, un très très bon moment pour moi. J'ai vraiment apprécié Bah ouais, d'échanger c'était avec cool. toi. Et puis, moi, j'attends en effet avec impatience de voir maintenant que tu vas être un peu plus dispo, ce que tu vas nous représenter sur ta chaîne et sur ta box aussi, qui va peut-être redémarrer à un de ces Ouais, jours. Et... faut que je sois mieux organisé sur cette box. Il y a un beau concept, mais faut que soit je trouve quelqu'un qui m'aide sur la partie administrative, orga et tout. Ouais. Que je sois mieux organisé là-dessus, mais j'ai eu que des bons retours, mais c'est tombé au moment confinement où en fait Ouais, et puis après, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'était aussi un truc qui était dans un enchaînement logique avec tes événements. Tu faisais ton SEO by night dans la foulée, tu ça, c'est que pouvais en effet. tous les 4-5 mois, on se voyait un événement, on avait d'autres projets que Bordeaux-Orléans, on avait une. T'avais un peu là aussi ton cheval de Troie avec ton SEO by night qui te permettait d'emmener des gens dans ta box, quoi. Donc toujours cette même logique, mais Clairement, au lancement SEO by Night, on fait une quinzaine d'inscrits. Au fur et à mesure du temps, on arrive à un petit peu plus. Voilà, sans trop grosse communauté. Quand je vois aujourd'hui les lancements des formations d'Abdel ou autres, la communauté qu'il a derrière ouais. pour générer, voilà, c'est énorme ce qu'il a créé C'est comme clair. communauté. Et moi, je ne l'avais pas du tout. Et c'est vrai qu'avec un événement de, en gros, seulement 150 personnes, surtout que je n'avais pas la cible dans l'événement, hein, il y avait vraiment moins que ça dans la cible. Parce que c'est vraiment plutôt une cible de freelance, d'éditeurs de sites ou de gens qui ont vraiment envie de se former. Et parmi les agents, j'ai vu beaucoup de, pas de refus, mais comment dire, ça ne nous intéresse pas, ou ça ne rentre pas dans la formation professionnelle, ou genre de choses. Toi, j'ai plein, plein d'aspects à travailler. Ouais. Je vais la mettre un peu en stand-by pour la re-réfléchir et revenir avec cette offre de la box digitale quand je serai au carré avec un truc propre, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, moi, Merci en tout cas de l'invitation. je suis impatient de retrouver un SEO by night dans la vraie vie. On va le faire, c'est certain. Quand? Je ne sais Ouais. pas. On va le reprendre Bon, et. voilà, pour des gens qui ne le connaissent pas, c'est vraiment des super événements, c'est bien organisé, c'est carré. Et voilà, moi j'ai toujours été On se donne du impressionné mal à par. organiser, donc ça fait plaisir. Ouais. Je veux toujours, moi, garder cet esprit un peu black hat. Ouais. Ingénierie, on a des trucs malins et je voudrais un peu orienter aussi monétisation, quoi, sortir Ouais. un peu du backlink, le petit backlink, le petit title, tu vois, du SEO, amener, garder cette logique, mais essayer d'amener de l'intelligence, entre guillemets, comment je monétise, que moi c'est un truc au début où j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est ouais, entre guillemets, de manière familière, hein, je me branlais sur mes positions SEO, mais ça ramenait zéro thune, quoi. Tu vois, à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais je discutais avec des gens comme ça, des OSEO camp ou à des premiers événements, tu vois, tu ramènes combien avec ta requête? C'est fait pour être premier, c'est pas fait pour ramener de l'argent, ma requête. C'est fait pour dire je suis premier, tu C'est vois. ça. Ah ouais, bah non. Ils m'ont pris. Là, tu monétises comme ça. Ici, tu prends l'ebook, là, tu mets la pop-up, là, machin. Ah ouais, effectivement. Et puis j'ai commencé comme ça, Pas 20 mal. balles, 30 balles par mois, machin. Donc voilà ce sur quoi je voudrais tendre aussi. Ça marche. Bon, et puis si vous voulez vous faire des jolis t-shirts, tu fais quoi? T-shirt, casquette, tu fais qu'est-ce que t'as de Classique, beau? suite casquette. Voilà. Alors pour l'instant, le site est vraiment ergonomiquement organisé pour des e-commerçants qui revendent des produits. C'est D'accord. encore galère. Alors tu peux, tu as des super prix. Si, si je veux commander trois t-shirts ou cinq casquettes avec à mon nom, c'est plus compliqué, tu veux dire? Ouais, c'est pas que c'est plus compliqué, mais les termes du site et le back office n'est pas organisé. Donc, D'accord. comprendre que c'est tes propres produits en fait. Faut que tu crées un catalogue de produits D'accord. avec des prix de vente, avec des choses comme ça, mais tu peux le faire. Donc là, c'est la deuxième étape justement, c'est de refaire une plateforme qui s'oriente uniquement aux artisans, TPE, PME, Ouais. organisateurs d'événements qui veulent un truc Ouais. simple. Voilà, moi je veux 100 t-shirts de ce modèle-là dans des répartitions. Je clique OK, j'envoie mon logo, vous vous débrouillez. Là justement, Après, bah, tu vois, pour tout ce qui est TPE, PME, j'imagine que ce n'est pas forcément simple à gérer. Et puis forcément, ça a un coût. Mais je trouve que les petites séries, c'est vachement. C'est pas simple de trouver des choses en petites séries, tu vois. mais Quand nous, on tu es fait à une. partir de 1. C'est le D'accord. principe du print on demand, c'est que le e-commerçant me passe une pièce de Ah 1. oui, qu'une pièce, ouais, tu as raison. Ouais. Ah oui. Et donc, en fait, ben nous, nos clients, c'est souvent ça. C'est des gens qui vendent sur Amazon. Ils ont créé 3 ou acheté 3 Ouais. 500 visuels. Ouais.
ont mis tout ça sur leur site web, sur Amazon, sur toutes les marketplaces. Oui, forcément, ils arrivent à chaque fois Pour le volume, en... Ouais, ils sont... Comment on un va dire? visuel est vendu une fois, mais dans Ouais, la tout liste, à fait. il a fait 500 ventes, quoi. Ouais, et puis tu en prends un aujourd'hui, trois demain, cinq dans 2 jours, un dans 3 jours, et en effet, toi, tu es en flux tendu là-dessus, et Et tu c'est fais vraiment... Ouais, ok, ouais. justement ça qu'on a su automatiser, c'est tout le process d'impression pour qu'il soit quasi totalement automatisé et que l'opérateur, il a posé le t-shirt dans la bécane, il appuie sur le bouton Ouais. et ça vient traiter le job, quoi. Voilà. Ça marche. Bon, c'est cool. Voilà. J'en Impec. parlerai plus en détail. Et après, alors, je sais pas, c'était pas le sujet de cette discussion, mais malgré tout, c'est intéressant. Tu fais t'es sur des produits, des t-shirts bio, des choses comme ça, ou tu comment ça fonctionne ton système? On a plusieurs Plusieurs fournisseurs, on a du fournisseurs, ouais. Paul, on a du Stanley Stella, on a du Gildan, voilà, donc il y a du bio à plusieurs échelles. Alors il y a du bio, du moins bio, ça Ouais. dépend des marchés. Hein. Sur Bien du sûr, Amazon, hein. Non, mais il y a de pas tout. forcément du bio, tu vas vendre du sol, ce qui est de très belle qualité, mais qui n'est pas bio et qui correspond au prix des 19-20 euros. Ouais, mais c'est de la bonne qualité en plus, c'est vrai, ouais. Ah oui, j'ai banni tout ce qui était textile d'événementiel, c'est-à-dire le truc où tu vois à Ouais, travers. ouais, Voilà. ouais. On commence à du J'ai eu 150. l'occasion de voir des petites vestes sol, là, c'était une assurance qui m'a filé ça d'un jour sur une démo de golf, et c'est super sympa, ouais. Il y avait des chouettes trucs, ouais. On est seul, c'est déjà sur une marque au-dessus. Stanley Stella, c'est encore plus beau. C'est vraiment un créateur qui va vouloir faire sa propre marque. D'accord. On a des problèmes logistiques avec eux parce qu'ils sont bons pour te fournir 300 t-shirts et tu les marques en une fois et merci, au revoir. Quoi. Quand tu leur commandes t-shirt par t-shirt, Ouais. ce n'est pas forcément leur job, parce que seul, c'est très bien faire. Donc, tu vois, chaque marque a aussi, comme dans SEO, chaque marque a sa spécialité. Il faut savoir faire un petit peu de tout, Et switcher entre les offres. tu fais que de l'impression, tu fais pas de la broderie sur des Fais de la casquettes, des choses comme broderie ça. Si, aussi. tu fais de la broderie Ouais, aussi, d'accord. alors, bientôt à la demande, pas encore pour le moment, Pas parce que c'est encore à la demande. une difficulté à gérer. On gère avec des templates, c'est encore autre chose. Mais on va s'amener à une fois que tu auras acheté ton template, en fait, tu pourras D'accord. te faire Ouais, c'est ça. Il faut acheter d'abord le template là, et après, une fois qu'il est calé, tu peux le rejouer autant de fois. Ouais. Et tu fais de la sublimation aussi, des choses comme ça? les mugs, ouais. Ouais. Ah, sur les mugs, c'est de la sublimation. D'accord. Ok. Voilà, les mugs, bon, c'est t-shirt sweat, hein, 99,9% des ventes, c'est ça, quoi. C'est pas. Tac. Ouais. Voilà, donc, mais je veux dire, il y a d'autres sites qu'on va faire qui vont sortir, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment orienté e-commerçant. Il veut compléter son offre. Mais il y a plein, toi, j'ai pas mal de clients. Alors, ceux qui sont sur Shopify, ils sont omnibulés par les apps qui se connectent toutes seules. Passer Bien des sûr. commandes manuellement, ils ne conçoivent plus. Genre, j'ai l'impression que c'est grave, mais ils ne conçoivent plus, alors qu'ils ont 2 ventes par semaine, quoi. Alors, voilà, t'automatises. Quand on automatise le backlink et le PBN, quand on en a 800 à gérer, quoi. Au début, quand tu en as 20, tu le fais manuellement. Bien sûr. Donc, c'est plutôt du e-commerçant qui va venir compléter son offre, qui veut faire de l'order bump ou qui veut faire du panier complémentaire. Je sais pas, quelqu'un par exemple qui est positionné sur une thématique de toi, j'en sais rien, des Vikings, bah voilà, ajouter 10 visuels, 10 croix celtiques et proposer des t-shirts et des sweats Vikings, Non, c'est pas délirant. C'est pas délirant. En vrai, ils prennent pas de risque de stop, quoi que ce soit, puisque derrière, tu es en flux tendu. Donc, clairement, on ne peut que les inviter à tester. Hein. Et il y a plein de niches, genre bon, les SEO vont savoir faire, il y a énormément, énormément de niches où au lieu de refiler les t-shirts de chez AliExpress qui mettent 40 jours à arriver, vous pouvez faire pour pas cher les mêmes visuels à des graphistes. D'ailleurs, il y a des bundles qui existent. Ouais. C'est-à-dire, ranker sur un truc genre un t-shirt licorne ou un t-shirt princesse, voilà, on sait faire, quoi. Voilà. Et Ok. il y a un peu de bise à faire. Ce n'est pas le bise de l'année, mais il y a un peu à faire, quoi. Ok. Bon, c'était pas l'objectif de cette discussion, mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à aller chercher, et puis c'est Mais pas bien chouette, le cas, compliqué. là, sur un shop de t-shirts, en SEO, on fera un petit truc. On avait avec Loïc aussi, Maison Énergie, qui m'aide à organiser SEO by Night à Bordeaux. On avait aussi des idées de faire des doubles vidéos. Je vais certainement en faire une avec Pascal prochainement sur de la thématique artisan et backlink aussi. Après, que tu Excellent. vas être ingénieur SEO, un Non. peintre de bâtiment peut, sans être trop informaticien, entre guillemets, tu vois, se poser 2-3 backlinks, quoi. Ouais, puis c'est sympa ce qu'il fait aussi Pascal sur sa chaîne. Ouais, il donne beaucoup. Il donne Ouais, beaucoup. ouais, ouais. C'est vrai qu'il est. Après, il est un peu dans le clash de temps en temps. Et après,
On aime ou on n'aime pas. Et moi, il voulait me casser les dents. Hein. Mais c'était pour la blague. Hein. C'était quand j'avais fait la vidéo avec Valérie, il nous a dit qu'il allait nous casser les dents. Mais puis finalement, après, ça s'est bien passé. Donc, J'ai pas tout suivi, tous les Non, trucs. mais c'est rigolo. Après, c'est. Mais en tout cas, Ouais. sa chaîne, et moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est quali et que ça donne pas mal de choses, en effet. Alors, c'est quand il entend un truc avec lequel il n'est peut-être pas d'accord, C'est quoi, ça. il Il réagit est peut-être. cash. Ouais, mais Mais c'est au pas un final, problème, hein. on va tous être pas d'accord sur Mais des bien choses. sûr. Il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas un mec qui a Non, mais raison. moi, Donc ça me dérange pas plus que ça. Donc, mais je préfère un mec comme ça qui a une bonne gueule, qui va te le dire en face et exact, tu as bien raison, je suis d'accord. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Puis merci pour la vie encore une fois, ouais, parce que merci à pas toi. de Et temps, c'est pas puis, fait. on est impatient de te retrouver un peu moins discret. Je vais revenir un peu, j'ai essayé, c'est vrai que j'ai un peu lâché. Bah après, c'est dur, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire Merci. et puis voilà. Ouais. Merci beaucoup, Elliot. C'était un très bon moment. Merci. Normalement, la semaine prochaine, eh bien, on va parler encore de e-commerce, qu'on devrait parler de dropshipping avec Étienne Petit, alors que lui est pour le coup pas trop connu. Moi, ouais, il est connu en e-com, hein, en plus. Ouais, donc Comme quoi. qui lui ben, un vrai dropshipper, donc il va pouvoir nous donner des vraies astuces terrain, lui aussi. Ça sera pas juste de la théorie, c'est pas du flan, comme on peut en voir sur YouTube et compagnie. Ça va être du pratico-pratique, je pense. Donc, ça va être bien sympa. Allez, merci à tous. Eh bien, c'est sympa de rester jusqu'au bout. On a encore été bien prolifique en termes de contenu aujourd'hui. À très vite. Ciao, ciao.